pas très professionnel tout ça. Attends, les NVG c'est où déjà? C'est à la place du masque à gaz en bas là. NVG, GP, NVG. Quoi là, du coup on prend plus les masques à gaz du coup. GP, ouais, NVG, c'est grave panoramique. Ouais. Ouais, c'est ouais, le 4. Moi je préfère les NVG, mon perso. Quoi, on pourra pas jouer à fumer? Non, je pense qu'il va falloir partir. C'est exactement ça, ouais. Je pense qu'il va falloir partir sur du. Oh. Flashbang. Ouais, enfin, ou des GMD là. Ou GMD. Ouais, ouais. Ou GMD, ouais. Les grenades fulgu. Ouais, ou... ça va être stylé parce qu'on peut jouer du coup, c'est-à-dire. Moi j'ai pris des flashs, moi. Je vais enlever les Flashbang avec les JVN, je sais pas ce que ça donnera aussi. Non, mais regarde, je regarde, j'ai testé, j'ai jamais testé. Ça influe les lunettes de soleil ou pas du tout? Je sais pas du tout. Non. Je pense pas. Je sais pas du tout, moi aussi, je sais pas. Je sais pas du tout. Je sais pas. Dans la vision, tu veux dire? Ouais, on est d'accord que non, c'est juste esthétique. Non, non. Ouais. Ah, c'est sérieux. Ah, ce serait marrant, que ça mette un petit filtre. Ça pourrait être drôle, ouais. Je trouve, tu vois. Léger. Merci Pignouf pour les 43 mois, t'es un monstre. Mon lieutenant, là, vous avez mis le laser infrarouge sur l'arme principale? De quoi? L'infrarouge? Non. Ouais, est-ce que... Là, d'accord, parce que moi je me suis mis le laser infrarouge, mais ça me fait une lampe encore, donc je sais oui, pas savoir si c'était tout le monde normal ou pas. C'est l'armurier, il a un problème. Ouais, l'armurier, il a un souci. Ouais, là, il est débile. Absolument. Ok. Oui. Quentin, il revient ou quoi? Il a envoyé un message? Oui, j'arrive. Ah, ok. Merci Pignouf, t'es un monstre, s'il te plaît. Faut insister, je crois. Ah non, tu vois, même moi, ça me l'a mis là. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Pourquoi? Mais c'est une flashlight hier ou c'est une... Non, c'est la lampe normale, tu vois. Même si... quand tu sélectionnes le laser infrarouge ou même le laser rouge normal, bah t'es encore avec la lampe normale. Je sais pas si c'est un bug lié ici ou si arrivé dans la mission, ça va être... Faut que tu demandes à l'armurier de changer d'arme, ensuite tu remets ton arme et ensuite tu remets ton laser infrarouge. Ah, reçu, merci. Ouais, il est un peu con, moi. Allô? Ouais, on est là. Oui. Ah, ok. Ah, ouais, bien vu, c'est ça. Ouais, c'est bon. Ouais. Ouais, bien vu, putain, la vache. Ok. Bon, bah, c'est pas mal du coup. Donc, effectivement, NVG, les amis, pour tout le monde. Et à la limite, laser infrarouge, du coup. Même si, ouais, si, ça va servir de toute façon avec NVG. Et du coup, à la place des fumes, on prendrait des GMD? GMG flash. Moi j'ai pris des flash. Ouais. Flash ou GMD, ouais. Mais le problème. Et j'ai deux cales. Ouais, mais GMD c'est plus sympa, je pense. Le problème des flash, ben on, c'est avec l'amplificateur de lumière, ça peut un peu se retourner contre nous, je pense, tu vois. Je pense que GMD c'est quand même légèrement mieux. Quitte à choisir. GMD je connais pas, j'ai jamais essayé. GMD c'est les grenades. C'est les Stinger, c'est les grenades. C'est les grenades flashball quoi. C'est les grenades à fragmentation qui balancent des balles. Ah ouais, on voit des balles caoutchouc qui les orientent, ok. Mec, t'as l'impression d'avoir 14 ans quoi. Ah la vache. Du coup, on prend quoi? Des GMD du coup? Ouais. GMD, je pense, c'est mieux, ouais. C'est dommage qu'on peut pas avoir de cagoule ou de trucs comme ça. Là. Ouais, j'avoue. Un petit masque. Ouais. Ok, messieurs, allez, on y va. Let's go. Briefing, du coup, envoyé sur vos pads. Très bien, je sais que nous sommes pas habitués à une telle foule, mais voici ce qu'il en est. Nous avons tous commencé à nous intéresser à cette affaire l'année dernière environ, grâce aux conversations entre Reed et certains agents de la FISA et d'autres équipes d'agences, nous avons réussi à obtenir suffisamment d'informations pour nous faire une idée de ce qui se passe. D'après les informations recueillies, chez le concessionnaire Kaiser Cars à Northwoods, vous en souvenez, on était intervenu là-bas, on sait qu'un important marché transactionnel ou transnational pardon, se déroule ce soir au port Okan, ici même, dans la ville. Il semble qu'un groupe de marchands d'armes locaux ait stocké de grandes quantités d'armes modifiées pour les envoyer aux cartels et aux contrebandiers du Mexique.
alimentant ainsi les tensions le long de notre frontière. Ce groupe utilise une série de porte-conteneurs russes pour transporter des marchandises sur toute la côte occidentale. On a localisé et retracé des cargaisons arrivant à Vancouver et jusqu'en Colombie. Il s'agit d'une opération de grande envergure. Nous estimons à plusieurs millions, à plus d'un million de dollars la valeur des produits échangés et ici toutes les quelques semaines. Ce trafic dure depuis un certain temps. La plupart, sinon la totalité des marchandises sortent de ce point d'échange unique qu'est le port de Los Sueños. Pardon. Merci Géo du 16 pour les 9 mois, t'es un monstre mon poulet, vraiment. Nous ne sommes pas tout à fait sûrs de l'endroit où les marchandises sont retenues. Le port est très actif, il fonctionne jour et nuit, il y a beaucoup d'activités. Il s'agit d'un espace d'environ 7500 hectares. Cependant, on a réussi à isoler en 3 terminaux. Le terminal de réservation A ou la zone de l'entrepôt 1, le terminal D et le terminal J. Le LSPD s'occupera du terminal A, HRT du FBI se concentrera sur le terminal D et l'ATF sur le terminal J. THU sera en attente d'un soutien aérien, mais nous voulons rester discrets jusqu'à ce que les choses bougent. Alors attendez-vous un retard de 10 à 20 minutes dans le meilleur des cas si le temps se maintient. C'est le pire moment pour lancer cette opération, on va pas se mentir, Antonio touche terre ce soir, ça va mal se passer. Maintenant, plutôt que de ralentir davantage les choses, chacun de vos responsables individuels a les détails exacts de ce que nous faisons. Ils vous informeront individuellement lorsque vous partirez. Je pense pas qu'il soit nécessaire d'insister sur l'importance de cette mission. Préparez-vous et on part et on y va dès que prêt. Sur vos pads, on a eu juste la liste d'un seul suspect qui a été reconnu du coup et identifié. Nom de code marin. C'est une personne désignée par la FISA sous le nom de marin et il a été aperçu avec un entourage de sécurité bien armé. Rencontrant des... Tu veux te racler la gorge plus tard, fils de pute ou quoi? C'est bon? Oui, c'est bon. T'es sûr? Certain. Là, c'est le moment s'il y avait un petit raclement qui restait. Non, c'est bon. Ok, merci. Rencontrant des cibles spécifiques dans les installations du port Okan. Zéro civil, en tout cas rien sur pas d'information sur les civils. On a quelques petits clichés effectivement des caméras de surveillance. Attention, possibilité du coup d'avoir des hostiles habillés en tenue de travailleur, en gilet jaune quoi. Ok. Donc pas naïf, on traite tout le monde de la même façon. Voilà, bon, les autres éléments sont des renseignements généraux, on s'en fout un petit peu. La carte qui nous a été donnée, il n'y en a pas, d'accord? On a juste une vue aérienne, du coup, qui a été prise par un drone ou un hélicoptère de la police. Voilà, donc pas grand-chose, mis à part... Ouais, vas-y, je t'en prie. On a un schéma, mon lieutenant, oui, si vous montrez. Ah oui, bien pris. Schéma d'un agent. Ouais, bien vu, effectivement. On a eu le... Ouais, effectivement. Donc, de cette photo aérienne a été fait visiblement un schéma qui est un peu mieux, effectivement, que la photo aérienne. Et que je découvre avec vous. Affirmatif. Bon, l'entrée, enfin, l'endroit par lequel on va arriver, ça va être visiblement une sacrée merdier à découvert. Hein, si on regarde l'entry point en haut à gauche du schéma, si vous êtes dessus. Oui. Affirmatif. D'accord. Ah ouais. Donc, MEF, hein, les shields, faites bien attention à voir les personnes derrière vous qui vous collent. On peut pas réellement désengager. Donc, quand on arrive d'environnement extrêmement ouvert, ok. Le seul truc pour les shields, il n'y a pas d'autre choix que de faire un grand tout droit vers la cible. C'est le seul et unique moyen de protéger ses petits camarades derrière, d'accord? Donc si ça tire, n'hésitez pas du coup à vous orienter et à avancer vers les tirs. Il n'y a pas de possibilité de faire machine arrière ni quoi que ce soit, d'accord? On fait confiance aux personnes qui sont derrière vous pour envoyer le matos nécessaire, ok? Yes sir. Bon, je découvre les trucs. Pas grand chose. On y va doucement. Lentement mais sûrement. Comme d'hab. On ne confonde pas vitesse et précipitation. Et c'est du one shot. Y dès que prêt.
Merci Géo, t'es un monstre pour les 9 mois. On a quoi, deux shields de là hein. Oui, correct. Affirmatif. Yes. Allez, en avant. Ok. N'oubliez pas les NVG, n'oubliez pas les T. Ok, comme d'habitude, une colonne à gauche, une colonne à droite. Alors, je suis derrière toi. Ok, Quentin, mets-toi plus à gauche. Ouais, doucement. Là, tu pars les gars, là, tranquille. Voilà. Mets-toi sur ma cam s'il faut, Quentin. Ouais. Voilà, nickel. Les gars, okay. Doucement, si ça met une heure, recule, ça met une heure. Nickel, alors, recule. Alors, voilà, tu peux commencer à avancer ma courante à droite là. Attention, il est ouvert visiblement. Ouais, le patineur est ouvert, oui. Ouais. Formatif. N'hésitez pas. Ah, sur la droite, rien du tout, tranquille. Ouais. Conteneur ouvert. Il y a un ballon à l'intérieur pour l'instant, je vois pas ce qu'il y a à l'intérieur. Je peux l'ouvrir dans le prolongement. Dans le prolongement midi, là, je vois rien. Je vais ouvrir la deuxième porte, ok. Pour nous protéger. 3, 2, okay. 1, j'ouvre. Je regarde à l'intérieur. Vas-y, je t'en prie. Quentin, va te mettre... Commence à couper l'objectif. Il y a des ballons, des jouets. J'ouvre la deuxième porte, poulet. Y'a rien. T'as pas ça marché. Ok, bien pris. Okay, attends, je recule après pour que le shield passe. Je vais fermer la porte. 3, 2, 1, ferme. Vas-y Quentin, Grumpy s'il te plaît. Ok Quentin, tu passes main courante gauche, on va jusqu'au conteneur s'il te plaît. Quentin, main courante gauche jusqu'au conteneur. Quentin, allô, réveil. Ok vieux, derrière moi poulet, main courante gauche, on va derrière le conteneur. Merci. T'es le seul shield d'Alro. Ouais. Ok, donc va rejoindre Grumpy là-bas, va te mettre devant lui. Avant 3h c'est bon, y'a rien. Ok, moi j'efface 11h. Merci. Ok reçu, Alro, dis-moi ce que tu vois poulet. Alors, face à Mimiji, je vois rien, y'a un conteneur qui bloque la vue, et avec une ouverture à 1h, qui donne sur la suite du site et j'ai pas visuel à 9h du conteneur sur lequel on se trouve. Bon clairement là c'est main courante à gauche, on va commencer à avancer, ok. Tu peux y aller, Grumpy tu enroules derrière et Vieux Roquefort pareil. Vieux Roquefort tu enroules derrière mais tu fais face 11h s'il te plaît. Merci. Je check face 1h excuse-moi, ça va rien dire face. Ouais, ouais, exactement, sur mon désignateur. Contact 9h y'a rien. Tranquille. Je bascule à droite, Grumpy. Affirmatif, là. Tu peux te mettre main courante droite, là, vu que c'est Ras à gauche. Doucement. Ouais, doucement. Mets-toi sur moi, la cam. Et quand on est en train de dire tu peux te mettre main courante droite, faut pas le faire tout de suite, ok. Parce qu'il nous faut le temps de réaction, quoi. C'est la même chose que si tu tournes au même moment que tu mets un clignotant, il sert pas à grand-chose, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Affirmatif. Vas-y, ok, Grumpy. Alors je te laisse ouvrir ton angle et nous dire ce que tu vois, poulet. Ça donne sur une grande ouverture, j'ai une personne qui semble être un civil devant moi avec une veste jaune de chantier. Je vois que lui pour l'instant et j'ai pas visuel sur les 3 heures. Ok reçu. Je vais décaler sur ton épaule gauche, j'ai essayé de le faire venir sur nous. Le civil est dos à moi. Ah oui j'ai visuel. Je l'appelle. C'est rangueux ? Négatif. Non. Il veut pas venir. Je décale sur ton épaule gauche, Grumpy. Bon. Il se met avec nous. Ok. Mon lieutenant, je vous laisse l'appeler. C'est fait.
J'ai un écosson contact 3h aussi. Hein. Ouais, j'ai un écosson 11h moi. Hein. Ah, tire. Contact 3h. Je suis touché, mais je pense que je lui ai mis une balle. Il est contact, oh, il est devant le conteneur. La grenade est bonne. Okay. Oh, j'ai des smokes, ouais. Merde. Il sera encore un contact à 2h. Ok, vieux, décale pour, sur Alro et si tu peux. Ok, nickel. T'es rendu, c'est bon. Il est à 1h. À 1h. Ok, est-ce que tu peux l'appeler? Il est parti 3h, il est parti 3h. Il revient, il sera, c'est bon. Ils sont 3? Oui, oui. 3 mecs au sol. Ça veut pas bouger. Hein. Ok, y'en a un qui bouge. Alro, mets-toi main courante à droite, avance, parce que ton shield ne te protège que toi là. Voilà, nous on peut. Voilà, déjà on peut jouer un peu là. Mets-toi derrière, reste sur son épaule le plus possible, parce que du coup je suis obligé de m'adapter par rapport à toi, vieux gros fort. Ils veulent pas bouger ces fils, hein. Non. Ok, on les gère one by one, c'est pas grave, on a le time. Je les garde en joue. Ok, je m'occupe du civil. Ok, fais-le venir. C'est pas grave de t'en occuper, poulet. Toi, t'es derrière le shield. C'est à moi, je suis le dernier, c'est à moi. Ok, vas-y, tu l'appelles. Je l'appelle, il veut. Ouais, il veut plus bouger. Essaye de le dépasser. Moi ? Alors, non, tu peux commencer à ouvrir à la limite. Vas-y, je vais. Je suis derrière toi, avance un peu, Alro. Il se relève devant. C'est bon, c'est traité. Merci pour l'info. Vas-y, au pire, je m'en occupe. Vas-y. Occupe-toi-en, je suis sur ton épaule. Je suis sur l'épaule gauche. Je trouve pendu. Doucement, bon. Bouge plus, stop. Move over here. Tu peux regarder ce qui se passe à 3h, frérot? Ouais. À 3h, y a rien. Rien à 3h, rien. Sûr, hein? Oh, sûr. Ok, d'accord. Du coup, ce que tu vas faire, tu vas faire un gros. On va passer tous les deux, ouais. On va passer en crabe. Tu vas passer au niveau de mon désignateur laser à 10h, s'il te plaît. Je l'ai tiré en joue. Je le vois 10 pas. 10h. Ok, c'est bon, j'ai 3, vu. 3, 2, 1, vu. Let's go en crabe. Go, doucement. Ok, propre. Ok. Viens sur mon épaule gauche, ouais, voilà, nickel. D'accord, tu vas passer le truc sur lequel t'es là et on va continuer la main courante à gauche, d'accord? Ok. Fais gaffe, t'as un truc devant toi qui te gêne. Ouais, je vois. Ok, bah vas-y, contourne-le, ce truc qui te gêne. Go. Main courante gauche. Doucement. Attends, il y a une ouverture à gauche derrière, putain, je sais pas si c'est. Là, j'ai une ouverture à gauche là. Ouais. Ok, parfait, impeccable. Doucement, pas la peine de décaler. Je suis pas sur ton épaule, poulet. Okay. Regarde où je suis, il y a une ouverture de merde derrière. Ah ouais, je vois. Fais de tourner. Vieux, tu peux l'appeler. Reste en regardant à 11h, poulet. Là, t'as trop ouvert vers 9h, s'il te plaît, Alro. Ok, c'est bon. Debout, tranquille. Il m'écoute pas. Tiens, le deuxième en joue, je vais m'occuper. Ouais, occupe-toi de lui, je m'occupe du deuxième. Enfin, du premier. Je le garde en joue, le premier. À tes 9h, je pense qu'il n'y a rien. Tu peux avancer un peu et ouvrir un peu ta ligne. Je m'occupe du deuxième. Main courante à gauche, ouais. Affirmatif. Attention, okay. Les gars, là où je suis en train de regarder, vu ou pas? Là, ici, il y a. D'accord. Affi. Vas-y, occupe-toi du deuxième, vieux, j'ai en joué. Le but du jeu, c'est d'abord d'aller faire un main courante à droite le long du conteneur qui est devant toi. C'est un bond en avant de 2 mètres, Alro. Ouais. Vas-y, quand tu veux, doucement. J'y vais. Non, oui. Regarde à gauche. Oui, mais j'ai l'angle à droite, regarde à droite, voilà, tu vois. Ok, ça marche, reviens. Extrait, bien vu. La smoke part, ça part sur le départ de la smoke, excuse-moi, poulet. Auton, viens, on décale nous à droite. On va à droite de l'engin. Vas-y. Vous pouvez y passer ? C'est pas sûr. Hein. Le mec est sur la smoke. Alro, fais face au mec, s'il te plaît. Recule un petit peu et on est bon. Recule. Ça nous ouvre. Excuse-moi. Ça nous ouvre là-bas. Je te vois pas, le mec. Là, ok. Il est dans l'axe du pneu du Caterpillar qui est en face de toi, face midi. Oui, c'est ça. À environ 25 mètres. Ok.
Si vous pouvez pas passer... On peut pas passer, mais on peut prendre leur 9h, en fait. Ok, très bien. Comme ça, au moins, c'est safe à leur 9h. Stop, du coup. Alro, décroche, s'il te plaît, et pars directement. Oui. Passe en crabe, laisse-moi tout seul là où je suis, et va les rejoindre pour faire main courante à droite du côté du Caterpillar. Je vais garder la ligne, c'est là où je suis en train de regarder. Vu, les amis, dans la direction de mon bras, c'est là que, voilà, dans l'axe du pneu. Ok, reçu. Vieux, je vais passer avec devant ton arme avec Alro. Pas sûr. Je prends ta gang. Alro, mets-toi maintenant en droite du camion, poulet. Là, ici, là. Non, négatif, main courante droite du camion. On va pas passer, je crois. Là, ici. Affirmatif. Voilà. Vas-y, Alro, t'avances. J'ai jusqu'à un écosson à gauche. Au pneu. Et là, si t'ouvres ta ligne, c'est là qu'il était. Écosson à 3h, ouais. Vas-y, Alro, je te laisse ouvrir ta ligne. Je vois plus le mec. Ok, reçu. Ça donne sur un genre de couloir là. Et y a un conteneur qui a l'air ouvert au fond. Je vois une porte de conteneur ouvert. Et à 3h derrière le tracteur, je vois rien. Ok, reçu. Crouton, est-ce que tu peux décaler sur moi? Ouais, je suis avec toi, je suis derrière toi. Ok, avec Alro, on va avancer. Faut que tu prennes du coup nos 9h, s'il te plaît. Bien reçu. Ok, Alro, quand tu veux, on avance tranquillement. Vas-y, j'avance. Je check le contact 3 heures dès que je suis au bout du camion. 9h, il y a une ouverture. Il y a une petite guérite à 3h. Elle semble vide, je vois rien dans la guérite. Et en face midi, j'ai rien. Regarde. Ok, Alro, recule un peu. On recule. On va garder cette ligne, on va laisser Vieux et Six travailler à nos 9h. Ok. Ah, c'est ce qu'on essaie de... Ouais. Ah, le truc, c'est que là, il y a ouverture sur moi à 1h. Hein. Tu l'as vu, poulet? Ok, ouais, laisse-moi passer à la limite de l'autre côté du conteneur, poulet. Je vais essayer de voir ce que ça donne. Vas-y. Ouais, c'est bon, je vois quand. Tu vois, ok. Ouais. Ouais, mais le truc, c'est que en face de moi là, il y a une ouverture visiblement. Ok. À vos 3h, il n'y a rien, Agro? Négatif, une guérite vide. Ok, donc je peux passer, je peux faire ma courante à droite. Ouais, ma courante à droite, mais ça t'ouvre sur des conteneurs de merde. Fais gaffe, t'es 1h. Bien ensuite. Ok, il y a un petit bureau, c'est pas sûr que ça soit vide, quoi. Si, bon, oui. 3h, il est vide, il est vide. Ok, c'est bon, 3h, à votre 3h, il n'y a rien. Ok, je te laisse. Il y a un conteneur, je sais pas s'il est fermé ou pas, hein. Je pourrais pas confirmer. Ok, reçu. Ah oui, il y a une ouverture à Mimixi par contre. Où ça, t'es midi? Regarde, à quel 9h du coup. Ah non, à quel 11h, pardon. En dessous du truc? Tu vois mon pointeur là? Ouais, je le vois, ouais. À ton pointeur, ouais. Il y a une ouverture juste derrière ici. Ah ok, bah et en dessous, poulet. Tu vois ce que je veux dire? Le conteneur est pas... Ouais. Il touche pas le sol, quoi. Ouais, exactement. Les gars, essayez de travailler de votre côté, on va essayer de... Si vous pouvez, là, à droite. Ok, reçu. Mais je sais pas si on pourra passer... J'ai un écosson, là où tu me disais, il y a une ouverture face midi. Ok, et moi, comme ça me permet d'ouvrir mon angle sur la droite. Ok. Nickel. Je vais faire je recharge, poulet. Vas-y. Ok, quand tu veux, Alro, on va avancer face midi. Ouais. Vas-y. J'avance jusqu'au bidon qu'il y a devant là. Je check le petit angle mort à droite là. Meuf, il y a une fenêtre au-dessus de toi à gauche. Ouais. Moi je peux ouvrir ma ligne un petit peu par là. Ouais, laisse-moi crier avant et fais-en de même. Angle mort à droite, c'est bon. Ah. LSPD, don't move. Ouais. Je crois qu'il y a quelqu'un dans la guérite. LSPD, hands up. Ah bon? Ok, reçu. Vas-y, oui. Alro, ouvre ton angle à gauche, moi j'ai en face de toi, poulet. Je vous manque. C'est pas toi, il parlait à Alro, hein.
porte de la guérite fermée. Enfin, tu peux l'ouvrir ton angle, mais regarde. Malro... Ok, ouais. Vas-y, je... fallait juste que je suis couvert. Ok, laisse tomber, je décroche et je reviens sur ton épaule gauche. Vas-y. Vieux. Je vois rien, mais face midi, Grumpy. Je vois rien, mais face midi. Ok, moi j'étais 9h, hein. Enfin, t'es 3h, pardon. Ok, face midi, il y a l'air d'avoir une ouverture qui mène vers le milieu de la zone. Bien reçu. Laisse-moi regarder en dessous. Ok, visuel, la fille. On va passer en crabe à l'eau de l'autre côté à tes 3h, poulet. Ouais, mais je crois qu'il y a quelqu'un dans la guérite à notre gauche. Hein. Ok, ouais, Afi, Afi, c'est pour ça qu'on va essayer de passer pour avoir un meilleur visuel. Ok, vieux, je suis avec toi. Que... Parfait. Si tu veux là, commencer problème, à ouvrir son angle. Ouais. On peut pas laisser ce qu'il y a notre 3 heures sans savoir ce qu'il y a. Eh ouais, ouais, je sais, je sais. Ok, c'est compliqué. Hein. Sinon, regarde, toi, tu gardes la ligne 3, tu gardes la ligne 3 heures et on attend que on attend que Six et vieux viennent. Il y a l'ouverture à 1 heure. Ouais, on va faire ça, okay. On va faire ça. Ouais, ouais. Et il y a une ouverture à 10h aussi. Ok, bien pris. Ouverture à 1h, ouverture à 10h, ok. J'ouvre. Je fais ma courante à gauche. Vas-y, et on va ouvrir, on va commencer à avancer. Je crois qu'il y a des escaliers ici. Quand vous allez venir vers nous là, sur votre droite, vous allez avoir une guérite. Bien pris. Ok, ouais, je vais en visu. Il y a un mec, je crois. Oui. Impact sanitaire. Okay, je vois son arme. Je vois son arme. Tu peux le faire venir fermer. Ou pas Ah non, il s'est rendu ou pas? Non, il s'est pas rendu. Je vois sa main avec son arme. Attention, il s'est retourné. Voilà mon lieutenant, vu que vous avez des fumigènes, vous pouvez limite lui envoyer une fume. Hein. Ok. Je vois pas la guérite du coup. Je le vois. Elle est hackée 3h. Ok, je vois juste devant moi. La smoke part maintenant. Parfait. Je l'ai envoyé là, je crois. Non, c'est bon. Il la prend plein de gueule. Il tousse. Il se barre les gars. Il s'est arrêté mais c'est pas terrible. Je vais faire une ouverture d'angle mon poulet. Attention à la je fenêtre au-dessus de moi. Je vois plus midi Grumpy hein. À cause de la smoke. Mais de toute manière à tes midi il y a les collègues normalement. Ouais, c'était juste pour que tu le saches. La fille. Tu là? J'attends que la smoke. Ouais, là, il s'est rendu, regardez ma cam. Okay. Contact 1 heure, contact à vos 1 heure, les gars, aussi. Je vois rien, frérot. Move towards me. 1 heure. Lui, il arrive, les gars. Ouais, contact, ok. Mais le mec de la guérite, vous l'avez... C'est lui. Vous l'avez ouais, pas pris, lui, encore. Ah, je pense lui, que c'est lui. Alors. Okay. C'est lui, alors. À part s'il y en a deux, hein. Okay. D'accord, ok. Il arrive. Oh putain, le fils de pute, mais refais jamais ça, là. Il est sorti de la guérite du coup le mec. Ouais. Ouais. Ah d'accord. Je sais attention, il y en a peut-être plus l'un. Je vais m'en occuper vieux, t'es prêt? Je tiens. Attends, bouge pas. Move over here. Fais gaffe, ouvre à fais gaffe à gauche aussi. Tu le tiens en joue? Ouais. Ok, traite-le maintenant. Joue-le maintenant. À votre gauche, on a Alro qui a le visuel, hein, s'il y a un pack qui arrive. Ok, ça marche, super. J'avais peur de ça. Mais j'ai pas un excellent visuel, hein. Okay. Vraiment, ah bon pas, vraiment, ben non, parce qu'il y a des genres de barils qui me bloquent la vue. Et du coup, je vois pas ce qu'il y a derrière les barils. Bah, si le mec qui vient, mets-toi sur ma cam, Alro. Qu'on parle de la même chose, ok? C'est bon, j'ai... Oui, c'est là, oui. D'accord. Je vois ton laser. Ok, bon, tu peux commencer à faire une ouverture d'angle si tu veux, vieux. Bien sûr. Moi j'ai visuel ici, regarde. Je sais pas si tu vois mon laser aussi. Voilà, moi j'ai visuel que là. J'ai visuel bien pris. Ok, ça marche. Bah, vous pouvez commencer à avancer, vous non? Affirmatif. Nous on a aux 3 heures d'Alro, on a une ouverture. Du coup, en fait, on attendait que les midis soient clear pour qu'on puisse avancer en fait. Ok, quand tu vas commencer à faire dépasser ton épaule, vieux Roquefort, le problème il est à tes. Regarde s'il te plaît sur ma caméra. Ici là, je sais pas ce qu'il y a là, tu vois. Ok. D'accord, il peut y avoir un angle, donc va falloir que tu décroises effectivement et que tu fasses. Tu regardes au niveau de ce pilier de merde là. À ma droite, y'a rien là? Dans l'escalier? Bah, pour l'instant, y'a rien, mais. Y'a la guérite à aller fouiller à l'intérieur, on sait pas s'il y a un pax à l'intérieur. Bah, je peux pas dépasser, les gars, je peux pas dépasser, moi je suis au max là. Ok, reçu. Alors, on va devoir faire un croisé. Je vais vérifier à Le vieux, tu peux prendre notre ligne sur nous?
Là, ouais, ici, nickel. Nous, on va passer en crabe afin d'aller checker. Et ensuite, une fois qu'on a checké cet endroit, on peut aller chercher dans la guérite. Ok. C'est beau pour toi, vieux ? Ouais, okay. C'est bon, j'ai ragué. Vas-y, Alro, tu passes en crabe, poulet ? Ok, je lâche. Porte de la guérite fermée. Hein. Ok. Ok. Vas-y, Alro, poulet. Vas-y, Alro, tu peux décrocher. Et là, maintenant, il y a une ouverture là, dans le conteneur. Ouais. Tu peux checker, s'il te plaît. Je décroche. À midi, c'est un conteneur ouvert de l'autre côté. Je répète, un conteneur ouvert de l'autre, ouvert de l'autre côté. La guérite, mon épaule droite, là, l'escalier, je risque rien. La porte est fermée, mais mettre aux vitres. Ouais, mais derrière, il faut que vous avanciez parce que va falloir que vous fassiez une main courante à droite sur là où il était en train de m'indiquer tout à l'heure, Alro, parce que là, ça a ouvert un truc et on n'arrête pas de chill, nous. Hein. Ouais. C'est bien, mais là en fait on a une ouverture avec un conteneur ouvert, en gros on peut se faire, il peut y avoir un Pax ici. Ah on voit vos lasers, du coup en fait ça donne sur le vieux, là où tu regardes, à tes midi. Ouais. On a une ouverture, là normalement tu dois voir nos lasers. Ouais, je vois. Ok. Ah oui, vous avez commencé en fait, d'accord, vous avez continué, ok. J'entends des échos à ta gauche, non vieux, non. Sinon Grumpy, toi tu restes là. Tu gardes la ligne, voilà. je vais pour la guérite. Ouais, allez, j'y vais. La guérite, vous parlez, c'est le préfab, non? Oui, c'est ça. Guérite, c'est une petite guérite, les gars. Là, c'est vraiment préfabriqué. Oui, oui, d'accord, ok. Voilà. Bah, fais gaffe, vieux, du coup, qu'il y ait personne qui sort du préfabriqué à ma droite, du coup. Là. Et j'arrive avec vous. Je vois l'ouverture qu'il y a à vos 11h. Ouais. Voilà, super, Alro. Impeccable. Vous voulez que... Non, tu fais main courante à gauche là où t'es, là, t'avances, tu fais un bond en avant, tu fais main courante à gauche, du Roquefort, tanky derrière lui. Et je vais mettre au niveau de la porte de la guérite en décroisant. Prends l'info là au niveau du coin. Ouais. Ah, doucement, ouais, ok. Du coup, fais gaffe l'ouverture à droite là, hein, parce que y a Grumpy qui a visuel sur le fond de l'ouverture, mais ça va... l'ouverture va un petit peu plus loin face à Mimiji, okay. Tu vois. Après moi je peux ouvrir, hein. Je peux rentrer à l'intérieur jusqu'à pour savoir un peu. Ouais, parce que toi une fois que tu seras au bout, c'est ouvert sur ta droite. Ouais la fille. Ok, à ma gauche c'est fermé. Je fais une ouverture d'angle sur la droite, ok. Prends la droite, à gauche, il y a un long couloir. Du coup j'ai la droite, j'ai votre droite pour l'instant. Ok. Et moi là face midi je vois rien, je vois des conteneurs. Ok. Empilés les uns sur les autres, deux, à hauteur. Il y avait un écho vers là-bas. Ok, c'est clean dans le préfab. Ok. Moi, la face midi, je vois rien du tout. Il n'y a pas de passage, il n'y a pas d'ouverture. Non, à 10 mètres devant, ça s'ouvre sur la gauche et ça s'ouvre sur la droite. Ok, bien reçu. Limite, mon lieutenant, vous pouvez venir sur moi, hein, pour essayer de checker, là. De checker quoi ? Moi, je suis à leur droite, moi. Ouais, je vois. Bah, tu veux que je fasse quoi ? Qu'on puisse... Parce qu'en fait, il y a une ouverture à droite et une ouverture à gauche. Ok, mais... Parce que là, je suis en train de prendre le bouchon arrière, parce que nous, il y a une ouverture ici aussi, sous le conteneur, là. Ah ouais, j'ai visuel. Là. Ok. Après, je peux te rejoindre, c'est comment, midi ? À mes midi c'est clair, mais j'ai une ouverture qui part sur la gauche et après et après sur la droite aussi. Ok, j'ai écoupé sur ma gauche. C'est moi qui viens de faire un F. J'avais un mec là. Mais moi il y avait un mec qui a parlé vraiment là. Ouais, j'ai vu quelqu'un passer à midi. Je l'ai entendu aussi, il me semble. Une grenade qui part sur toi, Grumpy. Ouais. Ok, non, c'est moi qui prends là. Balancez du F les gars, hein, aussi, hein, vous voyez. J'arrive sur Grumpy, je décroche sur Grumpy. Ok, il doit être vraiment actuellement dans mon conteneur, il est vraiment à mes 3h. Donc ça veut dire pour vous, il doit être à vos 3h aussi. Ok, ouais, mais Grumpy, moi là, je vois rien. Je vois rien. À 3h, je vois rien. Ça veut dire ouais. Affirmatif. De tes 3h, non, il me semble. Ouais, 3h, ouais. Affirmatif, ouais. Moi j'ai pas visuel sur lui. Il peut essayer d'envoyer une nail de rebond.
Il était presque sur nous, ça, non? Ouais, moi j'ai pas visuel sur lui, je le vois pas à vos 3 heures. Moi je pense qu'il est derrière ma courante à droite de notre... Ouais, de notre... ici, ouais. Vas-y, laisse-moi, laisse-moi balancer une smoke rebond. Vas-y. Oula! C'est moi qui je prends. Je prends des dégâts? C'est ouais, la oui, pas, on a pas le masque à gaz. Ah putain ouais. La vache, j'avais peur. Non, je pense qu'il est vraiment ouais dans un coin là. À notre droite là. Putain, merde. Ce qu'il faudrait faire, c'est. Bah, ce qu'il faudrait faire, c'est que toi tu gardes ta ligne tout seul et que Alro nous rejoigne pour pouvoir. Pousser à cet endroit-là. C'est qu'il y a une ouverture à sa gauche, du coup je dois couvrir à gauche. Ouais, mais toi tu. Là, là il va passer. En... Ce qui va se passer, c'est que tu vas prendre une ligne cassée, d'accord. Voilà, tu prends une ligne cassée qui nous couvre quand même pour éviter que les personnes nous poussent. Et il passe en crabe, il nous rejoint, ok. Vas-y. J'arrive. Vas-y, à gauche, tu peux y aller. Je vais venir par derrière vous, hein. Comme tu veux. Je vais me reculer pour qu'il puisse passer. Vas-y. Ok, vas-y. C'est bon. Rum, vas-y, poulet. À la limite, je vais prendre le. J'ai la flash au cas où ça push. Ok, Alrof, Mef. Vas-y, je te laisse ouvrir ton angle à droite. Tu feras Mef parce que t'as une ouverture à tes. Ouais, exact. À 11h, ça prend vers la gauche. Ouais. Une fois que tu fais ton ouverture, moi je vais prendre tes 11h. Ouais. Je vais gueuler, les gars. Attendez 2 secondes. Je vais gueuler. Hands up, don't move. Faites-en de même, les gars. Vas-y, Alro, mets-toi main courante là, bien collé au truc. Voilà, nickel. Moi j'étais 11h là. Ok, je prends ces 11h, je prends les 11h maintenant. Je vois rien à mes faces midi, ça fait un genre de couloir à mes faces midi avec plusieurs conteneurs. Ah ouais. Essaye de t'avancer jusqu'au bidon, poulet. Ouais. Doucement à tes 11h, doucement ton épaule, grimpe. Je prends. 9h, pardon. J'entends du monde là petite... Les potions, 11h. Pas que sur moi, 11h. Je l'ai plus, je crois. Je pense que ça va arriver à 9h plutôt le problème. J'ai effectivement entendu du son à 9h, ouais. On a 9 à même, 3h quand même. Ouais. J'arrive pas à me repérer par rapport à vous. À 3h y'a rien, c'est bon, c'est clair. Ok, race à 3h. Ouais. Ok, reçu. Est-ce que tu peux... À ce midi, je vois rien. Dis-moi. Ouvrir ton angle, du coup, main courante gauche. Ouais. Là-bas, voilà, nickel. Moi, je prends les midi. Garde ton laser qu'on voit un peu, Grump, s'il te plaît. J'ai mon laser. Le désignateur, je le vois pas. Hein. Là, tu le vois pas. Non, négatif. Le conteneur qui est à mon contact gauche peut être ouvert. Oui, ok. Je vais aller sur l'épaule d'Alro. Toi, il a activé mon laser. Regarde face midi, hein, Grump. Hein. Ouais. Y'a du monde! À droite! À mes midi. Mais j'ai juste entendu, j'ai pas visuel. C'est bon, il est activé là, le. Pareil pour moi, j'ai entendu. Moi, face midi, j'ai rien là. Garde le face midi, Grump. Et ouais, Alro, je vais pusher avec lui. Enfin, je vais. Eh, on l'ouvre le. Je pique le truc. Alro, pique le conteneur qui est à ta gauche. Ouais. Pique-le. Faut que je lève mon shield. Hein? Non, négatif, tu peux le piquer. Si, non, je peux pas. Ok, bah je le pique. 3, 2, 1, je pique en plein milieu. Bah reste devant, fils de pute. 3, 2, 1. Oh, mon lieutenant, oh, t'es calme, hein. Bah. Il bloque pas la porte. C'est bon, je vois rien à l'intérieur, je vois des grosses caisses en bois. Je vais ouvrir celui de gauche, reste sur celui de. Je vais ouvrir celui de droite, reste sur celui de gauche. 3, 2, 1, attends, j'ouvre. Let's go. Ouais, je vois rien à l'intérieur, y'a un truc à et signaler, je vous laisse le faire. Bien pris. On peut pas sortir de l'autre côté. Négatif, non. Ok, je vais fermer cette porte là, frérot. Et tu peux commencer à faire une petite main courante à gauche. On gueule, please. Toujours à mes midi. Contact à mes midi, moi là je vois rien. Beaucoup de monde du côté de Grumpy. Ouais. Allez, je vais pas prendre de risque, poulet, je vais mettre une smoke longue, ok. Reçu. Ça tousse à mort. Il arrive. Alro, ne bouge pas, garde ta ligne. 2-2-2-2-2-2-2. Armé, il s'est pas rendu. Il s'est rendu.
Doucement. Alro, t'es très bien. Reste où t'es. J'ai su lui ouvrir. Ouais, ça marche, ça marche. J'ai ton laser pour le coup. I need you to move. Move towards me. Move to the sound of my voice. Move over here. Il arrive. Merci. Grumpy, tu peux le prendre s'il te plaît. Et je vais prendre l'autre, t'inquiète. Vas-y, fais-le. Gère-le, fais un F là-dessus. C'est bon? Ok. L'autre bouge pas, l'autre ne bouge pas. Je reprends l'autre du coup. Si tu veux me faire bouger le pack. Ouais, je le fais. Je le fous dans le conteneur, ce fils de pute. Reçu. Ok, c'est verrouillé, vas-y. Est-ce que tu peux l'appeler parce que bien je peux pris, pas bien pris, bien pris. C'est bon, ça part. Bien sûr. C'est bon, je Alors, prends la ligne bon, midi. Il y en avait un sur moi, mais... Il a voulu... Il a voulu t'enculer, toi, ouais. Ouais. Move towards me. Oh, les reflets Alors, de lumière avec... mets-toi ma courante à gauche. Be fair to us. We'll be fair to you. Ok, c'est bon, je reprends midi. Contrôle PAM. Ok, PAM RAS pour moi. Ok. Je le prends. Reçu. Tu peux ouvrir la porte, Grump? Non, laisse tomber, bouge pas. Garde ta ligne, on est bien. Pas la peine de se presser. Ok, on est bon. Okay, reçu. Deux armes au sol du coup. Ma fille. Contrôle PAM les amis. PAM RAS pour moi. RAS. Ok, Alro, tu veux faire quoi toi de ton côté mon poulet? Vu que le couloir que vous prenez là avec les conteneurs a l'air quand même bien plus safe que la zone qu'il y a à mes midi là. Ok. Parce que moi là oui, ça, je suis d'accord. Ok, c'est bon. Ça s'ouvre à droite, à gauche, c'est bon, je vois pas. C'est bon. Va passer en crabe du coup. Tu passes en crabe pour aller te mettre main courante à droite de l'autre côté. Je prends ta ligne, d'accord. Vois si ça t'ouvre et sur du danger. Et ça ouvre à gauche aussi. Ouvre à gauche aussi. Parfait. Du coup, tu fais exactement la même chose. Tu reviens et tu récupères Grumpy. Grumpy, vas-y celui-là. Mets-toi sur sa cam. Ouais, j'ai. Et en avant. Vas-y, je suis avec toi, poulet. Ok. C'est bon. On recule l'Alro et on check quand même derrière là où je prenais. Là où les packs y sont arrivés. Ouais. Vas-y, je recule en même temps que toi. Ok, vas-y, je te laisse me dépasser. Voilà, ouais, nickel. Bon, j'ai vu sur un pack, hein, à 30 mètres. Hein. Une arme à mes pieds. À mes midi, hein. Bien pris. 30 mètres, je sais pas si tu vois sur non, ma négatif. Cam. Maintenant, à 30 mètres, vraiment, il est hyper loin. Limite 50 mètres. Tu peux pas le. Tenter un non, truc. Non, là il est vraiment très très loin. Si le mec nous a pas vu, il vaut mieux le prendre après, non? Bien pris. Ouais. Ok. On fait quoi du coup? On progresse toi. Tous les trois. Alro, viens me chercher s'il te plaît, Grumpy. Garde la ligne maintenant en face, passe midi s'il te plaît. Affi. Ok, on fait quoi? Vieux doit nous rejoindre, il va pas rester là-bas pendant 3 oui, heures. Oui, Affi, hein. Faut falloir que tu recolles. Vieux, du coup, tu désengages, d'accord? Ouais. Tu désengages de là où t'es. Ouais, tu fais main courante à droite le long du. Attends, t'es où là? Ah, je peux pas passer ici. Non, okay. tu peux pas. Non, barre-toi d'ici tout de suite. Reste pas là. Ok. À une heure, j'ai cru voir un gars. Ouais, bien pris. Main courante à droite derrière toi, tu te retournes main courante à droite le long du préfabriqué, puis main courante à gauche. Une fois que tu rentres dans le. Main courante à gauche, frérot, y'a plus rien, t'inquiète. Et là, main courante à droite maintenant. Et là, on est à 3 heures à droite. Ok, c'est bon. Du coup, viens avec moi, tu fais le même move que moi, poulet. Allez, let's go, Alro, en crabe. Normalement, mon lieutenant, vous aurez visuel sur le bien pack pris, bien à, pris, à 50 mètres, là. Allez, ouais, parfait. Je t'ai dépassé, je crois. Et Alro, vas-y, allez, désengage et on repart devant. Attention, du coup, mef au bouchon arrière. Ouais. J'ai le bouchon arrière.
Ok. Ok. Mets-toi ma courante gauche à l'roue poulet. Nickel, voilà, nickel. Ok, on a une double porte face midi, hein. Mais après, ouais. Mais j'ai encore un conteneur suspect sur la droite, là. Ouais, avec le même marquage que celui que tu as. Ce que tu as fait, en gros, tu te mets main courante droite au conteneur qui est face midi. Là, main courante droite. Là, sur le conteneur où il y a les lasers, voilà. Ok, tu avances un peu pour que je puisse me mettre sur ton épaule gauche. Et c'est bon, ensuite, le lieutenant avance encore un peu. Ouais, je le pique derrière. Voilà, nickel. Voilà, comme ça au moins ils peuvent ouvrir derrière. Et ils sont protégés par le conteneur. Ouais. Une voiture visiblement dedans. Ok, je vais ouvrir, vieux, t'es prêt? Regarde, fais gaffe, face 11h. 3, 2, 1, j'open. Pas de piège. Fuck. Au final, c'est face partout. J'ai cru entendre un écho-son sur mon heads up. Y'a rien, c'est race, voiture. Ok, reçu. Y'a contact à droite, ouais, contact écho, à droite. À droite, ouais. 3h. Hein, ouais, ouais, 2h, 3h. Ça tire devant. Info sur ça. Derrière la camionnette. Ouais, il a pris. Dégagez, désengage, Alro, tu peux revenir. Tu fais un pont de deux pas en arrière. Deux pas en arrière, fais un pont de deux pas en arrière. Bon, j'ai pris cher. Hein. Je me soigne. Doucement. C'est bon. Il a pris, hein. Tranquille, on est bien là. On n'est pas terrible, mais on est bien. Ça ouais, gueule à mort. Allez, Alro, balance des sommations. Hein. C'est bon, ouais, je te fais un qui s'est rendu visiblement. Ouais. Merci, j'ai visuel dessus. Un genou devant moi, 10 mètres. Un genou devant moi, 10 mètres. Ok, bien pris. Vous voyez? Oui, oui, on a visé dessus. Je le fais venir sur nous. Ok, on va le jouer dans le conteneur. Tranquille, j'ai pas de ligne moi sur vous. Alro, tu peux te barrer à droite hein, si ça commence à tu te prendre trop de dégâts, ok? Ouais. Faites gaffe à vos chargeurs. Moi je suis mid-chargeur, hein. Ok, bien pris, je pourrais en te donner. Je veux dire, mon premier chargeur, je suis à la moitié. Ok, bien pris. Ok, il va me dépasser. Ok, bien pris, je vais le prendre. Vas-y. Je le prends en joue, c'est bon, je l'ai. Fais gaffe, j'ai plus à viser. Ok. Move over here. J'ai cru entendre à 11h, les gars. Décale pas trop, Grumpy, on a le temps. Hein. Bah, allez, non, non, c'est juste pour que le Pax il puisse bouger. Je tiens en joue, vas-y. C'est bon, t'inquiète, ça va prendre du temps, mais ça va être bon. Move towards me. Bah, les couilles, il veut faire le con. Move to the sound of my voice. On a tout notre temps. Je vous couvre pour le ramassage d'un bon lieutenant. On est bon, parfait. Il bougera pas. Je prendrai le temps que ça prendra. C'est bon. Ok, je vais passer devant avant qu'il fasse de la merde. Je le prends, je le balance dans la bagnole. Terminé. Bien reçu. Ok, c'est bon. Ça donne quoi? Il y avait qu'un seul individu? Visuel sur un seul, ouais, mais... Visuel qui est sur un seul, mais ouais. Même parce qu'il y a un bâtiment face au midi d'Alro, ouais. Avec... Et il y avait la double porte ouverte. Fermée, et maintenant elle est ouverte. Ok, bien. Affirmatif. On balance les injonctions, là, on se fait entendre. Pas de réaction. Je crois entendre. Écho son à 2h, mais info pas sûr. Je peux m'avancer un peu pour prendre l'info à 2h. Tranquille, okay. Mais vraiment tranquille. Ouais. Parce que dès que tu vas faire un pont de 1 mètre en avant, il faut déjà que tu anticipes la possibilité que si tu commences à prendre des balles, tu vas faire la même chose que ce que tu as fait tout à l'heure, là, à savoir te donner. Ouais. Ok, donc chaque centimètre. Là, ce qu'il faudrait faire, c'est vieux, tu te mets main courante gauche. Là, négatif, attends. Il y a la double porte. Il y a la double porte. Je sais, mais Alro va se décaler aussi. Ok, d'accord, okay. Ouais, okay, ça marche. Alro fait une main courante gauche. Voilà, tu te mets main courante gauche sans trop t'ouvrir. 3, 2, 1, j'y vais. Vas-y, je suis pas. Voilà, vas-y, voilà. Moi j'ai la porte midi. Le lieutenant il est allé 11h. Enfin, il est à vous 11h, voilà. Quoi, ça? Et toi, vieux, un mec à droite de la porte. Ok, bien pris. Ah, visuel. À droite de la porte. Dedans ou à l'extérieur ou dedans? À l'extérieur, allez. Non. Extérieur, à droite de la porte. Ok, elle est parfaite la smoke. Je suis à ton époque gauche, à gros. Ouais. Il vient. Il vient. C'est bon, il se rend. C'est propre. Nickel.
Move over here. Je recharge. Ok, c'est bon pour moi. Je la trouve le prendre sur visu. Ok. Alors essaye de te mettre le plus possible main courante gauche pour que vieux il puisse avoir une ouverture à droite. Enfin, c'est si bon. On peut checker sur la droite. Qui a on laisse arriver après on avance. Je reprends face 11 heures. J'ai pas de ligne sur le bonhomme, je prends face 11 heures. J'ai visuel sur le bonhomme. Ok, pas naïf, please. On laisse passer, on va avancer un peu pour. Ouais, je vais me coller derrière les caisses en bois là, après là, une fois qu'il sera passé. Et qu'il sera sécurisé. Je recule. Ok, mon lieutenant, vous le prenez? Bien prêt. Move towards me. Vas-y, tu peux avancer doucement. Tu fais gaffe à 9h. Ouais, j'attends juste qu'il soit sécurisé, tu vois, au moins tout le monde est attentif, quoi, qu'on n'ait pas des. Ok. Ok, c'est bon pour le pack. J'ai la double porte. On attend juste que le lieutenant ait fini pour 11h. C'est bon. Allez, c'est bon. J'avance un petit peu, je me mets derrière les caisses en bois là, je fais un bond de 1m50. N'oublie pas la double porte. Double porte, j'ai les visuels. Okay, je vais me mettre sur ton épaule, vieux. Ça ouvre sur la gauche aussi là, j'ai une ouverture sur la gauche avec un camion blanc à mes 11h à 3 mètres. Je vois pas ce qu'il y a derrière. Ok. À nos 1h, derrière le camion citerne qui est à mes 2 mètres, dans le prolongement 1h, il y a un pick-up aussi, je vois pas ce qu'il y a derrière, avec une fenêtre qui donne sur le bâtiment avec la double porte ouverte. Bien reçu. Après, je vais me décaler. Découvert, on peut lâcher la zone. Hein. Non, ouais, négatif, non, négatif, on n'est pas trop mal. Alro, tu vas refaire. Vieux Roquefort, tu vas faire un face. Doucement. Alro, tu vas prendre un face 11h, s'il te plaît. Vieux Roquefort, tu vas prendre un face 11h, s'il te plaît. D'accord. Alro, tu vas passer en crabe de l'autre côté, d'accord, pour passer main courant à ta droite et pour nous dire ce qui se passe à tes 9h, d'accord. Ouais. Grumpy, tu pushes derrière Alro pour prendre l'info de ce qui se passe aux 9h. On aura une couverture à droite par le camion citerne. Affirmatif. Alro, quand tu veux. Quand tu veux, Alro. Allez, commence à y aller. Ok, ça fait un couloir là qui part prends sur la gauche. Midi, avec... Prends face midi, vieux Roquefort. Excuse-moi. Midi, ok. Alro. Ouais, doucement. Ok, alors à 9h, il n'y a rien, c'est clear, ça fait comme un grand couloir. À 30 mètres, il y a un conteneur en travers du couloir qui me bloque la vue de ce qu'il y a derrière, mais je vois rien du tout, sinon c'est clear le couloir à 9h. Ok, tu prends 1h et tu prends midi, du coup, vieux Roquefort, j'enchaîne avec eux, je vais avec eux. Bien reçu. Tu veux aller c'est où bizarre. Du coup? Là, Alro, va falloir faire une main courante à droite, du coup. Va te remettre une main courante à droite et aller sur la citerne. Ça, d'accord ouais. Donc sur ma caméra, attention. Et donc Grumpy, regarde à gauche. Je prends ta gauche, vas-y. Reçu, je regarde maintenant à droite. Alro, tu peux pousser jusqu'au camion citerne. Ouais, je check en même temps ce qu'il y a derrière le camion blanc à 10h. Il y a une fenêtre. Derrière le camionnette. Ouais, derrière le camion blanc 10h. Je vois rien. Meuf à la tour, hein. Je sais pas si. S'il peut y avoir du pack à l'intérieur. Hein. Ouais, bien pris, la tour de contrôle, effectivement. Ouais. Derrière le pick-up qui est à droite de la double porte, je vois rien aussi. Et okay, ça continue sur la droite. Et derrière le camion blanc à 10h, c'est bon, c'est clair. Avec un autre camion citerne qui bloque la vue. Moi aussi. Vieux Roquefort, tu vas faire le même à mouvement. À 3h, je vois rien. À 3h, je vois rien. Je suis obligé de regarder à l'heure 11h. Ça tire Redésengage. On désengage. Tranquille, désengage, ça veut pas dire que tu laisses. Voilà. Grumpy. C'est en hauteur, je crois. Stop. Non. Parfait, stop. Négatif. C'était à l'angle droit du bâtiment. Une heure de Alro. Il est dans le coin droit du bâtiment. Vraiment dans l'arrêt droite du bâtiment. Okay, ça peut revenir à la double porte, il faut faire gaffe du coup. J'ai visuel sur la double porte actuellement. Je peux avancer plus que sur le coin droit. Affirmatif, si tu peux, ce serait parfait. Je sais pas si ça va arriver, mais je vais essayer. Essaye de l'acheter au plus loin possible. Ouais. C'est raté. Ouf. Pas grave. Je réessaye une autre.
Allez, où, ouais. Il est où exactement? Vous avez une info? Vous avez un visuel ou pas? Il est à une heure. À une heure, il est dans le coin, dans l'arrêt droite du bâtiment. Bien pris, je vais balancer. Derrière j'ai plus le pick-up. Affirmatif. Ouais, il est vraiment derrière le pick-up, dans l'arrêt droite. Plus loin que le pick-up. Dans l'arrêt droite du bâtiment. Pick-up. Ouais, un peu plus loin. Ouais. Je peux reprendre l'info si vous voulez. Évitez de gaspiller du stuff pour rien. Ok, bien pris. Bah, si autrement il tire pas, tu peux aussi balancer ton stuff toi avant de décaler. Ouais, ouais. Ok, là pour l'instant il est plus à l'arrêt du bâtiment. Je check à 3h, voir si c'est pas décalé à 3h. Gaffe à ce midi, pas naïf, hein. J'ai midi. Ouais, pour toi, vieux renfort, c'était pour toi. J'ai l'arrêt maintenant. À 3h, je vois rien. À 3h, je vois rien. Je peux envoyer une. En prévention à l'arrêt du bâtiment. Ah, j'ai pu. Vas-y. Il faut, mon lieutenant, si vous pouvez envoyer une fume à l'arrêt négatif, du bâtiment. J'ai plus de fume. Ok. Vieux, est-ce que tu. Bah, Alro, vas-y. Je te couvre. Hands up, don't move. Je balance. Ouais, affirmatif. En prévention. Allez. On sait jamais. 3, 2, 1. Je lève le shield, j'envoie. Vas-y, 3, vas-y. 2, 1. Merde, non. Putain, elle a retombé sur le. Putain. C'est pas grave. Allez. Putain. Vas-y, poulet. Voilà, nickel, elle est parfaite. Ok, il n'y a pas eu de réaction. Non, il est peut-être rentré à l'intérieur du bâtiment. On sait pas ce qu'il y a à l'angle là. Affirmatif. Ça gueule, à l'intérieur. Ça gueule, les gars. Ouais, au même endroit que là où vous m'avez dit, écho son. Attends, c'est quoi qui. Tu me colles. Ah, excuse-moi, poulet. Bah. Ah, je suis derrière toi, je prends tes façons d'or, j'ai peur. Okay. Ça m'a l'air d'être à l'intérieur du bâtiment, hein. J'ai eu un saut qui venait de l'intérieur. Ok. Là, va falloir qu'on fasse quelque chose, on peut pas rester bloqué ici. Alro, limite, faudrait que tu avances main courante droite et qu'on aille. Qu'on pousse. Qu'on aille faire l'arrêt du bâtiment. Heures, hein. Comment? Ça vous ouvre à la double porte à 11h. Ouais, ouais, mais c'est pour ça, faut qu'on fasse quelque chose. Ouais. Vas-y, Grump. Vas-y, Alro. Faut qu'on avance à 3 là, faut qu'on avance ouais, à 3. Ouais, hein. Affirmatif. Bien pris, ouais. Vieux, faudra que tu prennes les 9h. Limite, heures, faudrait du coup. Que Alro, si t'arrives à aller jusqu'au. Limite, ce qu'on peut faire, on avance à 3 jusqu'au camion blanc. Enfin, le camion là. Main courante gauche. Le camion ou le pick-up? Le camion blanc. Attends, moi, attends. Je prends ton épaule droite, Alro. Six, enfin, mon lieutenant, vous prenez vous les. Les hauteurs, toujours. Ouais, les 10 heures, les mêmes 9 heures limite. Et vieux, du coup, toi, tu prends les midi. Ok. Ok. On peut faire ça comme ça. Vas-y, quand tu veux, Alro, c'est toi qui lance. 3, 2, 1, j'y vais. On y va tranquille, hein. Y'a plus rien sur les hauteurs. À l'intérieur du bâtiment, là, pour l'instant, je vois rien. Ok, reçu. Ok, je vois rien à l'intérieur. Là, on est nickel, on bouge plus. Je reprends ta gain 6. Vas-y, parce que bah, je l'ai plus profond, t'inquiète, hein. Ok, ça marche. Ok, maintenant, vieux, ce que tu peux faire, c'est toi ouvrir ton angle. Ça gueule à l'intérieur. Écoute, on se fait, à l'intérieur du bâtiment. On se fait, ouais. On se fait entendre, on se fait entendre. Bon. Let's go. 10h. T'as visuel sur le Pax? Non. Echo sound 10h à l'intérieur du bâtiment. Ah, 2h aussi. Ok, reçu. Ouais, okay, j'arrête. Echo sound 2h à l'intérieur, sûr. Ok, vieux, est-ce que tu peux recoller sur nous derrière le lieutenant? Ok. Attends, j'ai peut-être un visuel à l'intérieur. Ouais, mais en fait, ce que je voulais faire, c'est que vieux couteau en fait passe à gauche, main courante droite de la camionnette. Non, faut aller fermer cette putain de porte autrement, hein. Oui, on peut. Vas-y, Grumpy, vas-y. Bah, en fait, couteau décroche sur le lieutenant, et avec le lieutenant, ensuite, vous pouvez passer main courante, du coup, droite du camion pour essayer de voir. Le problème, c'est que main courante droite, ça nous ouvre sur la tower, quoi. Ouais, c'est vrai. Ok, donc je serais plutôt d'avis, à la limite, à faire un grand tout droit pour aller viser la porte de gauche et la fermer. Vas-y, prends le bouchon arrière, poulet. Vas-y, bah, Alro. Ouais. T'as entendu le lieutenant? Doucement, allez-y tous les deux. Doucement. Et nous on prend vos faces 3 heures. Vous j'ai y allez une, tous les deux. J'ai une fenêtre aussi sur ma gauche là, je vois rien pour l'instant, ça me tire pas dessus. J'avance jusqu'à la porte de gauche. Et faut la fermer. Ah okay, un mec à droite. Doucement. Un mec à 2 heures. Ok. Il arrive. Derrière la porte de droite. Ok, reçu.
On peut pas envoyer du stuff à l'intérieur. Allez, quelqu'un balance là derrière. Il vient décaler, il est derrière le comptoir, non? Ouais, ouais, affirmatif, il est contact à la porte à droite. Vas-y, envoie. Elle est belle, elle est belle. Là, elle est parfaite. C'est bon, c'est quelqu'un. Ok, il a pris à droite avant. Stop. On avance. Allez, faut fermer la porte de gauche. Il est rendu. Oui. Il est rendu, le mec. Il y a pas que lui. Ouais. Ok, pousse-la vers l'intérieur, la porte, maintenant. Je peux pas avec le shield, là. Allez, grimpe. Je peux. Ouvre la porte de gauche. Ok, alors bouge plus. Il se relève. Ok, c'est bon. Vieux okay, Roquefort, recolle sur nous, là. Vieux Roquefort. Ouais, non, t'as raison. Vieux, c'était parfait ce que tu fais. Ok, mets-toi. Alors, ouvre ton angle à gauche. Et costaud à gauche, hein. Bien ok, pris. Reçu. Ok, lui il va venir. J'ai vu personne doucement, à gauche. Doucement, ça gueule à droite. Les gars, sinon vous pourrez faire. Ça sert à rien de rentrer. Deuxième contact à droite. On va le faire venir, tranquille. À terre. Deuxième contact à terre à droite. Tranquille. Hein. Ouais. Ça sert à rien, il va venir lui, Jean-Maurice, là, et on va les gérer one by one. Grumpy, je vais le faire venir, ok? Et effectivement, il y a pied. Il y a bien une porte à droite du bâtiment, donc il okay. Y a peut-être quelqu'un qui est ressorti sur la droite. Est-ce que quelqu'un a des wedges, please? Ouais. Non, ok, parfait, impeccable. Du coup, Alro, tu sors, s'il te plaît. Allez, désengage totalement. Il y a le mec à terre à l'intérieur, c'est bête, hein. On peut rentrer direct, là. Quand je dis un truc poulet, on va pas commencer à poser les questions, c'est là que ça commence à foutre la merde. On ferme, on met une wedge, on en reparle. Let's go. Allez, wedge la porte, let's go, les amis. Move towards me. Vieux, tu peux wedger la porte. Alro, fais main courante à gauche le long du bâtiment, de l'autre côté. Main courante à gauche, poulet. D'accord. En avant. Je peux passer là ou pas? Non, négatif, derrière le pick-up, poulet. Elle est wedgée? Ok, nickel. Je suis aggro. Attention à la machine. Ah là, comment dire. Le mec peut se relever à l'intérieur. Oui, c'est pas grave. Ouais, let's go. Gaffe à la fenêtre. Oui, mef la fenêtre. Il s'est relevé, il se remet par terre. Okay. Il se remet par terre, il se remet par terre. Je vois pas. J'ai une petite guérite là devant moi. On peut pas rentrer dedans. Ok. Porte okay, ouverte sur la gauche là, qui donne sur le bâtiment dans lequel on était. Sur la droite. Je vois rien, contact à Mimidji. Je vois le mec à genoux. Tranquille, attends, là du coup on peut pas passer. Ok, doucement. On va ok, rapper, Grumpy, ouais. Tu verrouilles. D'accord, on fait venir. Je fais venir. Là, c'est propre, ok, c'est bon. Tu le fais venir, je vais le gérer, frérot. C'est bon, il vient. C'est bon, il arrive. Ok, Alro, comme d'habitude, on le prend et tu recules, tu le laisses passer, tu remplaces la porte, tu fermes la porte. D'accord, ça ouvre à 2h aussi. Allez, faut qu'il vienne, lui. Je ferme la porte, hein, tu m'as dit. Ouais, remplace la porte, ferme la porte. Non, laisse-le, remplace la porte, ferme la porte. Garde le mec en joue, plaît, ouais. Vieux Roquefort. Ouais. Il remplace la porte d'abord, il se met à gauche, il ferme la porte solo, et on est bon. You can tell your story at the station. Parfait. Suspect secure. J'ai dit remplace la porte et ferme la porte, poulet. Hein. Pas grave. Vas-y, je ferme. Je crois qu'il peut pas fermer. C'est bon. Non. Bah si, il peut enlever son shield et la fermer. Oui, voilà. Faut que j'élève mon shield, quoi. C'est pas grave. Grumpy, est-ce que t'as le miroir, s'il te plaît? Affirmatif. Ok, bien pris. Tu peux venir de notre côté, s'il te plaît. Désengage du Roquefort. Tu remplaces Grumpy, s'il te plaît. Main courante à gauche. Et tu check en dessous. Normalement, face midi, c'est clear. Avec une petite ouverture à droite. Et il y avait une porte fermée. Je l'ai vu quand on était à la double porte. Ok, face midi, du coup, affirmatif. C'est rase pour l'instant. Il y a le comptoir à mes 1h. J'ai pas visuel derrière le comptoir. On a la porte qui est wedge à 11h. Et normalement, du coup, à 9h. Déjà la porte. Et après, j'ai pas de visuel sur ce qui se. Enfin, à 9h. Il y a la vitre. Ok, bien pris. Il y a les doubles vitres que j'ai visuel dessus, mais après j'ai pas ce qui se passe à droite. Normalement, à 3 mètres à droite, il y avait tout à l'heure, il y avait une porte fermée. Ok, reçu. Bah, j'ai pas visuel sur la porte, parce que j'ai un renforcement sur la droite. J'ai vu comment c'était tout à l'heure. Attends, meuf, il y a une fenêtre là. Ok, ah ouais, non, c'est bon. Ok, c'est la guérite, ok, c'est bon. Ok, on peut un-wedge et on peut pick-push dessus et attendre du coup pour voir s'il y a du mouvement. Ouais. Ok, un wedge.
Elle est pas Wedge, je pense pas. Si. Négatif, elle est pas Wedge, je peux la pick. J'ouvre pour toi, tranquille. On pique pour toi. Et j'ouvre. 3, 2, 1, je push. Je prends face 2 heures. Je vois rien face midi. Bien pris. À 9h, Grumpy, tu avais dit c'était clear. Je prends les 2 heures. Il y a une ouverture d'angle. Doucement. Grumpy, parce qu'il y a un renforcement, on sait pas. Ouais, j'avance. Ok. Ok, je prends le face 11h. Vous avez les lasers. Rafi. Ok, vous le voyez bien. Ok, Alro, je te laisse faire ton ouverture d'angle. Derrière le bureau, y'a rien. Ok, reçu. Et à droite, y'a une porte fermée. Effectivement, porte fermée, reçu. Tu peux venir checker avec le miroir. Ouais, Rafi. Ok, non, on wedge. Wedge. Voilà, c'est ça. Ok, vas-y, tu peux décaler, Alro. Remets-toi du coup dans main courante gauche, là, bah... Main courante à droite, contrôle le comptoir, et on commence à avancer pour aller voir ce qui se passe au fond, là-bas. Et là, du coup, tu prends le lieutenant avec toi. Parfait, impeccable. Et moi, du coup, vas-y, je récupère les évidences. Courante à droite, Alro. Continue, main courante à droite, poulet, vas-y. Mais faudra faire mef à la fenêtre au bout. T'as une ouverture, t'as une porte à droite fermée, et après t'as une ouverture au fond, à droite. Ok, là tu commences à continuer, tu continues. Est-ce qu'il te reste des wedges, Grumpy, s'il te plaît? Affirmatif. Ok, tu peux wedger derrière nous la porte, s'il te plaît? Affi. Celle-là. Ouais. Doucement, Alro, j'arrive. Mef à la fenêtre, mon lieutenant. Ok, bien pris, mais normalement, ouais. Porte fermée à droite. Le vieux à la ligne, qui mais sur le mur de gauche. Ok, fais un grand crabe, vas-y, go Alro. Allez, crabe. Y'a rien à droite, juste une porte fermée à gauche. Impeccable, ça peut être wedgé aussi. Je me mets devant la porte au cas où là. Bien pris. Grump, tu wedge et tu joues l'autre porte que t'as wedgé, la première. Affirmatif. Ok, c'est wedge. Contrôle PAM, les gars. Je me lève plus du shield là parce que là. Ouais. On prend. On souffle. Là c'était... Un wedge et la double porte pour récupérer une wedge. Ok. Ok, on a un Pax à 3 mètres de la porte, face midi, en face de moi, on est sur des toilettes. Du coup, à gauche, c'est les chiottes ouvertes. Il y a plusieurs chiottes, il y a 3 chiottes. Et à droite, c'est un mur plein avec des lavabos. Face midi, il y a un Pax non armé, potentiellement civil, mais on fait meuf parce que tout à l'heure, il y avait un Pax qui était armé en civil. Mais il a pas d'armes dans les mains, là, pour le moment. Pas d'armes dans les mains. Mais il y a rien d'autre. Jouer. Négatif, y'a rien d'autre. Ouais, on joue sec. Je recheck s'il a bougé. Non, négatif, il a pas bougé. Y'a pas de piège à la porte. On peut jouer ensemble. Ok, top. Mon lieutenant, vous avez un taser? Non, c'est bon, t'inquiète. Unwedge la porte. Alro, désengage, s'il te plaît. Prends ton arme, mets-toi en plein face midi avec moi. Je peux pas unwedge la porte. Ouais, c'est bon, c'est fait. Je le fais. Vous vous mettez tous les deux face midi, vas-y. Let's go. Mettez-vous tous les deux face midi de la porte. Face midi de la porte. Ouais, j'attends que. Vas-y. Je prends. Et toi, face midi, vous mettez tous les deux face midi, je tape dedans, ok? Reçu. Allez, face midi à combien de mètres pour qu'il l'ait en. 3-4 mètres derrière 3, 4 la porte. Okay. 3, 2, 1, ça part. Top. Top. La pute. Oh la pute. Le temps, vous avez pas fait les jambes? Non, je me suis pété une jambe. Lors du squat, hein. Ah ouais, ça fait le haut du corps, mais ça fait pas les jambes. Vas-y, nique ta race. Et là, je peux pas la kicker. 3, 2, 1, j'envoie. Je la vois debout, c'est bon, il se rend. Ok, je vais rentrer les gars, je vais regarder à gauche. Bon, c'est maintenant. Go. Gauche, rien, clear. Ok, alors je te laisse. Je gère. Ok. Pas d'armes. Ok, c'est bon. Je me remets devant la fenêtre. Grumpy, main courante à droite et tu peux... Parfait, Alro. Tu peux aller jouer et checker ce qu'il y a en dessous la... Ouais, bien vu. Très bien vu. Un wedge pour bien vu, carrément. Et tu peux... Et on peut même ouvrir cette porte-là et celle-là. Et celle-là. Je check, du coup, l'ancienne porte. Ok. Ah oui, d'accord, ok. Ok. Il y a deux portes à checker, frérot. Reçu. Celle-là, c'est RAS, c'est un KGB. Ah oui, C'est un KGB, à l'intérieur y a rien du tout. Enfin, y a des documents, mais y a pas de Pax. Y a pas de piège à la porte. Fais-le tout seul. Je pique, ouais, voilà. Attention au piège quand même. Ouais, non, mais y a pas de piège. Ok, allez, lock, je ne l'unlock. Je me suis pété les jambes tout à l'heure quand je me suis fait tirer dessus. Bon, on va dire ça, mon lieutenant. Ah, ferme ta gueule. Ok, RAS. Merci les amis, vous êtes des monstres. Désolé si je regarde pas trop le chat. Ok, je décroche sur vous, mon lieutenant. Bien pris. Ok, ah non, je vais aller checker la porte au fond, c'est ça. Ouais.
Ok, je check. Ok. Alors là, on arrive... comment je pourrais décrire ça? En fait, face à mes midi, j'ai des grillages, du coup, qui sont bâchés. Donc techniquement, on peut pas être focus si on ouvre la porte face midi. À droite, c'est pareil, grillage bâché. Du coup, à notre droite et face midi, c'est race. On a un couloir, par contre, qui part sur la gauche. Et j'ai aucun visuel, du coup, sur ce qui se passe à couloir. Gauche. Couloir, on est encore dans le bâtiment ou on sort? Négatif, on est à l'extérieur et de là, j'ai visuel sur la tour. Donc techniquement, en fait, on arriverait sur... on ressortirait dehors et on serait dans un petit, dans un petit couloir. Mais après, vu comment on est en train de couvrir derrière, vous pouvez la jouer tous les deux avec Alro. Sérieux. Ok, Alro, je te laisse rapide la porte, poulet. Ok, nickel. Vas-y, je te laisse la pousser. Ok. Mef à la tour. Non, j'ai visé ça. Vas-y, je te laisse avancer, Alro, jusqu'à l'ouverture d'angle. Ok, je vois. Il y a un conteneur en hauteur qui fait comme un pont où on peut pas, on peut passer en dessous. Reçu. Ok, j'ai visuel. Légèrement à gauche, il y a plusieurs véhicules avec plusieurs coins, plusieurs renfoncements. Et à droite, je vois rien. Vous voyez la citerne là de tiens, on est par rapport au visuel là de la citerne, on est derrière le camion citerne. Derrière le camion citerne. Qui est à droite de la double porte du bâtiment. Ok, ça marche. Vous voyez les lasers de Viroquefort ou moi? Non. Négatif. Parce que on est vraiment derrière, du coup, on voit pas. Ouais, voilà, c'est ça. Vous êtes devant le camion, nous on est derrière. Ok, bien pris. Écosson à ma gauche. Bah, là, c'est moi qui ai envoyé un F. C'est le lieutenant. Ok, bah let's go, vieux. Eh, rejoins-nous et on part à 4 là-bas, ok? On reste en colonne. Bien sûr. Vas-y, tu peux venir. Ah oui, t'as désengagé par... Ok, d'accord. Ok, let's go. Est-ce qu'on wedge derrière nous pour être sûr? C'est pas si déconnant. Je peux le faire. Tu fermes derrière, poulet? Ouais. Ok, on est derrière toi, Grump. Vas-y, tu prends le lead. Ouais, figé visuel. Ok, Alro, tu peux me faire une ouverture d'angle sur la gauche et te mettre main courante gauche, poulet, pour C'est nickel. Fait. Là, ok, là, le lieutenant... Tac, gauche, y'a rien, mais on a visuel sur nous depuis derrière le camion citerne. Il faut faire gaffe à ça. Ouais, visuel. Ok, là, tu peux te mettre main courante droite maintenant, Alro. Ouais, nickel. J'ai rien eu l'air. Ouais, ok, on est bon. Ok, je me mets sur votre cam, mon lieutenant, pour voir. Ok. Je passe derrière vous. Ouais, à 11h, on est à peu près sûr qu'il n'y a rien, mais bon, meuf, quand même, quoi. Ouais, mais. Le but du jeu, Allons, ça va je être. Laisse... Ouais, de faire une ouverture d'angle, vas-y. C'est à peu près ici qu'on avait vu le Pax. À 50 mètres à peu près. Ouais, derrière les camions, je pense. Et là, donc là, après, face à midi. Juste avant d'avancer. J'ai l'impression qu'il y a un entrepôt, il y a la porte ouverte ou le garage ouvert. Beaucoup plus loin, à 11h. À 1h, pardon. Ok, bien pris. Moi aussi. Ça peut être. Ok. Alors, faut que tu ouvres un peu ta ligne. Prochain truc à faire, c'est d'ouvrir sa ligne et après, ce sera de faire une main courante à gauche le long de la citerne. Okay, doucement, Alro. Ok, t'as un jeu. Ouais, face à Mimiji, donc derrière la cabine du camion, il y a l'air d'avoir un angle. Okay, derrière le camion, en fait, ce qu'il y a derrière la cabine du camion, je vois pas. Ok, il y a des gros blocs de béton juste derrière la cabine du camion. Ok. À mes 1h, il y a donc le conteneur qui est posé sur deux conteneurs au sol qui fait comme un petit pont. Tout le pont du conteneur, il y a des grosses caisses en bois. Il y a du monde qui peut se cacher derrière éventuellement. Ok. Et contact 3h, là, ça part vers 3h sur au moins 30 mètres. Je vois rien pour l'instant. Il y a des barils bleus qui cachent les 2h. Ok. Et voilà. Reçu.
Et un camion blanc 3 heures à 25 mètres. Soit on continue là, soit on désengage et on repart pas carrément par tout le début là où on avait laissé le la première des ouvertures là. Ça peut pas être plus mal, je pense, ouais. Ok, bon allez, let's go. On désengage totalement les gars, on n'est pas naïf. Alro, tu reprends le. Une fois qu'on a on est re-rentré dans le bâtiment, tu reprends la tête, on suit tous en colonne, mais pas Candide, please. On repart au tout début. On repart au tout début. De là où on est passé tout à l'heure, là où il y avait un conteneur qui était surélevé avec un maniscopique là. Reçu. Ok, je ferme derrière. Je wedge derrière nous, au cas où. Non, négatif, ça devrait le faire. Non ? Ok, reçu. Vas-y, vas-y, Alro, hein, vas-y, allez, pas de course là, les gars. Au pas de course en colonne. Mac, vas-y, vas-y, Alro. Ouais, vas-y, si tu veux par là, parfait, c'est pas OG. En avant, c'est parfait, c'est parfait, impeccable. Allez, face 13h. La 3h, y'a rien, on peut passer à l'ouverture. Face 3h, non, négatif, tu vas arriver par l'ouverture par laquelle on est arrivé, justement. Allez, Grumpy, celui-là, en boîte. Doucement, Alro, on n'est pas là. En colonne, please. Tu vas arriver par, voilà, à tes 9h, Alro. Il y a une arme au sol, Grumpy, tu peux récupérer. Merci. Vas-y, Alro. Reste là, Alro, bouge plus, s'il te plaît. T'es en les travers. Autres... Les autres, vous pouvez venir me rejoindre et on y va. Merci. Et Alro. Sur la pompe gauche. Je peux revenir à gauche. En avant, Alro, tu peux repasser devant. Ouais. Allez. Quand t'es le dernier. C'est bon. Et tu peux repasser devant. Allez, en avant, vas-y. Let's go, vieux, passe en deux. Moi je prends doucement, le doucement, barrière, doucement, tranquille. Enfin doucement, ouais, vas-y. En tout cas, vieux, celui-là, s'il va pas doucement. Ouais. Il y a une arme au sol devant moi, là. Bien pris. Ouais, là, ah, gardez là, à 3h, ça ouvre, Ouais. En gros, là, on a deux passages. On a le passage de l'autre côté, ici, à mon laser. Et on a un passage à nos 3h. Ok. Du coup, on repart totalement, hein. Donc on passe en crabe là. Alro, tu restes en plein milieu, s'il te plaît, de ce qui est face midi. De ton face midi là. Ah, okay. Exactement, ouais. Là. Tu fais 2 mètres en avant, tu restes là, on passe tous derrière. Allez, let's go. C'est bon. Là, y'a rien. Attention sur mon épaule droite, please. Le dernier qui passe, il me dit dernier. Dernier, le dernier. Oh. Allez. On a pas de check. Ok, non, c'est pas grave. Il y a une arme au sol. Mais... On viendra, ou alors prends-la si tu veux. Ouais. Merci infiniment, Son Goku, pour les 4 mois de phase scolarité. Je suis au bout du conteneur. Ouais, je suis avec toi, Tu peux faire une ouverture, vas-y. Ok, donc là, je me retrouve face à la première guérite sur laquelle on était. Ouais. Midi, je vois rien. Fenêtre de la guérite, je vois, enfin, je vois pas grand chose là. Là, ouais, bien j'ai sûr, des reflets de lumière, là, je vois rien du tout. Tu vas faire un. Regarde sur ma cam, du coup, si tu peux. Ouais, je vois. Ok. Ouais. T'es bien, t'es en train de faire un bon mouvement. Regarde. Tu regardes face 2h, puis face 3h, t'inquiète, moi je prendrai ton face midi. J'ai le midi. Ok, vas-y, là, parfait. À midi, là, du coup, je vois justement, rien. Justement, passe en crabe maintenant, Alro. Allez, go. Ouais. En crabe. Et allez, reviens derrière, par derrière. Recule. Recule, reste là, allez, tout le monde passe. Ouais, je passe. Et c'est parti, dernier. Et on fait main courante à droite une fois que le dernier est passé. T'es Alro dernier, hein. Et vas-y Alro, tu peux repartir. Là t'es là et tu fais main courante à droite, frérot. Guérite clear à gauche. Ouais, vas-y, tu peux avancer un peu plus. Rythme plus soutenu. J'ai visuel sur un conteneur là, à mes 11h avec un marquage pareil que les autres qu'on a ouvert. Ok, là, bien j'arrive, j'arrive face au conteneur, face midi là, qui a le petit espace en dessous et le petit espace à droite. Exactement, l'espace à droite, c'est ce que tu vas target maintenant. Allez, let's go. Ouais. 3, 2, 1, top, tout le monde suit. Y'a que ça à viser. T'inquiète, regarde pas soutenu. À droite, regarde tout droit. Ouais. Ok, je vois rien dans l'espacement. Essaye de passer si tu peux. On peut pas.
négatif, moi, okay, bien temps, pris, reste là, gros, du coup. Quelqu'un prend, voilà, merci Grumpy. Vieux Roquefort, t'es prêt? Ouais. Je vais ouvrir. Pique à droite, dès que je peux. Je vais piquer celui de droite, ok, bien pris. Ah, excuse-moi. Celui de droite, j'ouvre celui de droite. 3, 2, 1, j'ouvre. J'ouvre celui de gauche. 3, 2, 1, j'ouvre. Grumpy, retourne-toi deux secondes. Passe. Ça ouvre pour toi aussi. Brasse, ok, c'est bon. On a des armes à signaler. Ok, bien pris, nickel. Impeccable. Allez, Alro, on passe derrière toi. Ouais. Le dernier, c'est bon. Alro, tu peux venir. Tu désengages. Et à ta droite, là. Voilà, let's go. Main courante à gauche. Et on suit Alro. Je suis derrière. Non, non, regarde jamais à des endroits où... Ça, c'est pour nous, ça. Fais... Regarde à 11h là et ça va ouvrir. Tu vas avoir une ouverture d'angle à 9h. C'est ça, ouais, que tu vas regarder. Après le baril. Derrière les barils, ouais. Absolument. Bah tu contournes ces barils là. Ok, là face à Mimiji à 1h, j'ai des caisses en bois. Je vois pas ça derrière. Ça part sur la droite. Ok, donc Mef à partir d'ici, hein, vigilance. J'ai 1h. Ok, bien contact pris. Contact 2h, contact 3h, y'a rien. Ok, parfait. Tu vas pouvoir faire une main courante à droite, du coup, avancer en crabe. Parce qu'il y a une ouverture, fais gaffe au niveau des barils, là où je suis en train de... Ouais, ça part aussi à gauche. Ok, à c'est droite et à gauche. Ok, parfait. Super, tu vas repasser main courante à gauche, du coup. Attention à l'ouverture à 11h. Ouais, ouais, je regarde sur la droite. Du coup, je prends... À droite. À droite, à droite, à droite, à droite. Ouais, j'ai rien, les amis. Quelqu'un peut balancer un stuff. Il s'est barré sur la droite. Il s'est barré sur la droite. Il s'est barré sur la droite. Bouge pas, Alro. Elle est belle, je sais pas si ça va le prendre. On reste là en croisée, je suis dessus, ça sert à rien que tu prennes une ligne moins importante que la mienne, frérot. Il arrive, Alro. Bouge pas, please. Je bouge pas. Ah, quelqu'un peut rebalancer un stuff là-dessus, là ? Ouais, je vais essayer d'avancer un peu plus loin en rebond. Ça pas proche, je crois. Ok, pas de problème. Alro, tu bouges pas pour moi. Tu fais une ouverture d'angle, vieux Roquefort, pour regarder ce qui se passe à nos 9h, s'il te plaît. Bien sûr. Il y a une ouverture à 9h. Ok, mais genre gérable ou pas gérable ? Il y a une grande ouverture. Doucement, t'ouvres pas plus ton angle, s'il te plaît. Ouvre pas plus ton angle. Vous pouvez avancer. Pour prendre la ligne à 3h. Ok, tu peux aller avancer jusqu'au bloc de béton, Alro, faire une toute... Avance, s'il te plaît, avance un tout petit peu. Voilà, merci. Vous impeccable. Serez couvert. Et décale à gauche, décale à gauche. Stop, doucement. Je vois pas le mec. Ok. Ouais, il est parti un peu plus à droite. Avance un peu. D'autres caisses en bois là devant moi. Ok, bien pris. Doucement, bouge pas, Alro. Il est là, ce fils de pute, hein. Ouais, je l'entends toujours, ouais. Mais je le vois pas. Si tu décales, fais gaffe, tu m'empêches de viser, poulet. Bouge pas. Ok, je crois voir une arme, il est au contact de la... Balance une grenade encore, frérot. Regarde sur ma caméra, sur le désignateur laser. Ouais, je vais lancer. Elle est parfaite, mon frérot. Oh, je l'ai pris en pleine gueule, avant je vois rien. Pareil. Il veut pas se rendre. Faut qu'on avance en même temps là. Et qui avance en prenant sur la gueule. Ok, négatif, stop. Alro, vieux Roquefort, tu peux faire une ouverture d'angle du coup pour regarder ce qui se passe à gauche. Moi je le tiens en joue. Grumpy, tu peux venir m'aider s'il te plaît et te mettre à droite du shield. Non, mais c'est que j'ai un truc qui me dérange pour avancer. Regarde, tu peux commencer à faire une ouverture. C'est bon, 9h, c'est bon, vous pouvez avancer. Ok, nickel, ça veut dire que Alro, du coup, tu vas viser la caisse en bois qui est juste devant toi. Tu fais un énorme face midi. D'accord. Vieux Roquefort, tu lui emboîtes le bas. Et tu t'arrêtes, tu fais un bond de 2 mètres en avant seulement, Alro, s'il te plaît. Vas-y. Au niveau de la caisse, vas-y, go. Stop. Mets-toi au sol, quelqu'un peut le niquer, ce fils de pute là. Il est là. Ouais. Vous voyez son arme ou pas? Moi non. Accroupi, poulet. Mets-toi accroupi, Alro. Vas-y, accroupi, Alro. Tu le vois son arme ou pas? Stop. Négatif, je vois pas, moi. Ok, ouais, je vois. Ah bah ouais. Attends, j'ai un truc. Vas-y, nique-lui sa gueule, lui.
Parfait, je pense qu'il a pris, ça peut décaler. Bien fort, mets-toi ta cam sur le moi, tu me déranges là. Là t'es parfait mon frère. Ils vont pas s'enculer hein. Ok, faut commencer à faire une main. Ouais, Vieux Rock, Grumpy, s'il te plaît, tu peux suivre Alro, mets-toi debout, s'il te plaît, Vieux Rockfort, tu commences à avancer doucement, d'accord? Main courante du truc en bois devant vous, les gars. Let's go. Il était là juste au contact. Ok, Rockfort, mets-toi sur l'épaule gauche de Alro. Voilà, nickel. Et là, on avance. À 3, s'il faut. Ok, go. Alro, quand tu veux, tu vas tranquillement. Doucement, il était là. Tranquillement. Voilà, moi j'ai la droite, là, l'ouverture sur la droite. Vieux, faut que tu... Ouais, t'es vraiment l'épaule gauche de Alro. Ok. Je le vois toujours pas. Toujours pas de visuel? Non. Non. Okay. Il a pu se barrer sur la droite là. J'ai une ouverture sur la droite là qui ferait que le mec peut nous contourner. Ok, mais je suis en train de prendre le bouchon arrière. Ok. Reçu. Ok. Là, vas-y, avance encore un peu. J'arrive. Ok. J'entends plus personne parler. Je vais faire une ouverture sur la gauche. Merci. Ok, avancez en même temps. Vas-y, avance un peu, avance. Faut qu'on soit vraiment parallèle. Stop, Grumpy, je peux pas viser. Top. Voilà. Qui à droite, je vois rien à droite, hein, mais j'ai pas visuel complet. Il est pas votre gauche, là, dans le renforcement à gauche, il est pas là. Donc vous pouvez vous mettre dans le renforcement à gauche. Hein. Vas-y, Alro, avance de 5 mètres devant toi, poulet, pour que Vieux Rockfort passe derrière toi. Je vois rien à droite. Le truc, c'est que là, Alro, tu pars tout seul, tu laisses Vieux Rockfort. Si le pack, s'il arrive, Et Vieux Rockfort, tu retournes jamais, s'il te plaît, Alro. Regarde le T à chaque fois qu'il parle. Ok, là, c'est bon. Je vais ouvrir à droite. Voilà. Je sais que c'est pas évident, Shield. Surtout avec un seul. Okay. Tu peux décroiser, Gampi. Ouais, je décroise. Alro, tu peux maintenant ouvrir ton angle à gauche avec Vieux Rockfort sur ton épaule. Juste prends un peu. Ok, mon lieutenant, va falloir que vous recolliez sur nous là. Ok, bien pris. 9h, je vois rien, 9h. Ça tire devant. Reviens. Ok, doucement, stop, on désengage. Contact à 9h derrière un camion. Un gros camion, hein. Combien de mètres, mon poulet? Combien de mètres? Environ 20 mètres. Ok, très bien. Alors, j'ai la ligne. Mais c'est pas le même alors, non? Mais il me semble que l'autre avait un fusée, un pompe, non? Ah, ça, je sais pas du tout. Bien vu, c'est possible. De quoi? Par rapport à ce qui dépassait? J'ai pas vu, hein. Ouais, il avait. Je sais pas. Il me semble que c'est qu'un fusée à pompe. Ok, et nous, là, on peut pas jouer à droite tant qu'à gauche, on n'est pas sûr de la ligne en fait. Bah écoute, on va essayer de... Il est garé à un camion? Ouais. Ok, je vois. Il y a un gros camion. Doucement, laisse à la limite de Alro se... Vas-y. Tu vois ce que je veux dire? Être au moins accroupi. Vas-y. T'as entendu Grumpy? Non? Oui. Fais-moi dessus. Ouais, je vois toujours le Pax. Doucement. À 9h. À 9h. Derrière la cabine, ouais. Il est parti vers 10h. Il était derrière la cabine du gros camion et il est parti vers la droite. Il est parti vers la droite. Vers la droite, le camion blanc là, Ouais. Morocain, à droite. Il est parti vers ton laser, ouais, il est parti vers ton laser. D'accord, bien reçu. Il voit pas ses jambes. Il tire encore, il tire. Ok. Doucement, décale pas trop ta ligne, mon vieux. Ouais. Il vient. Je prends. C'est bon. Mon lieutenant, faites attention, à droite, c'est pas clair. Ok, bien pris. Il s'est rendu. Ok. Appelez-le si vous pouvez, messieurs. Move forward. J'arrive pas à appeler. Ok, c'est bon. Okay. Je le gère. Il vient, c'est bon. C'est moi qui... Je le gère. Je prends pas trop le bouchon arrière en revanche. J'ai, mais va falloir que vous reculiez maintenant. Je vais essayer de le gérer lui déjà. Ouais, la fille. Quand il arrive, les gars, Alro, tu te recolles face 11h du coup sur le coin du. Sur le coin du conteneur, ouais. Ok. On le gère derrière le conteneur, main courante à gauche.
Et c'est vieux, vieux, tu vas t'en charger, d'accord? Enfin, je vais m'en charger, t'inquiète. Je tiens au jeu. Dès qu'il arrive à mon niveau, je me mets debout, je me décale à gauche. Voilà, parfait. I need you to move. Et je vais venir à côté de toi, vieux. Alors, tu vas le gêner un peu, c'est pas très grave. Je peux reculer pour qu'il... Ouais, recule voilà. Carrément. Regarde sur mon écran, tu vas comprendre. Ouais, c'est bon. Move over here. Allez, on prend le temps, on s'en bat les couilles. On a tout le temps qu'il faut. Tranquille. Move towards me. Vas-y, vieux, comme quand tu veux, poulet. Calm down. Ok, laisse-le-moi faire. Lui, je le prends. On va s'occuper de ce côté aussi. Hein. Non, mais là. Mais en fait, limite, ce qu'il faudrait, c'est que le lieutenant et Alro restent, gardent la position qu'ils ont à gauche. Et nous, en fait, vieux, on aille ouvrir sur ce qui se passe à droite pour être sûr qu'il n'y ait personne. Quoi. Ok, go. Ok, vas-y, go. Ok, tu te mets un courant de gauche, me mets un courant de droite. Comme ça, pour vous couvrir un peu plus. Comme ça, en avançant croisé, poulet. Ok, moi je check ce qu'il y a sur ta... qu'il peut y avoir sur ta gauche. Il y a une lumière qui m'aveugle, non ? Il y a une ouverture à croiseur. Ok, reçu. Ouverture aussi à tes 9h, enfin à 11h, là. Ok, je passe le bidon. Regarde, d'accord. Ok. Il y a un conteneur ouvert à 11h. Ouais, c'est par là où on est arrivé en fait, poulet. Bah, go, lui. Ok, quand tu veux, on décroise. Vas-y, okay. Je décroise. Ok. Il y a une arme par terre ici qui est pas grave, non? Comment? Il y a une arme par terre. Ah, vas-y, on avance. Ok, je te laisse la ramasser, j'ai midi. Okay. Ok, donc on a la tour, on a une entrée sur la tour, porte solo fermée, et après on a l'entrée du warehouse là, face midi, fermée, dans l'axe de la cabine du camion. Et je vois la porte fermée qui est tout en bas de la tour là, je sais pas si c'est de elle que vous parlez. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ok. Back à gauche. Okay. Ouverture. Merci Son Goku les amis, vraiment. Ce genre de. Se nous faire venir vers la guérite là. Les subs sur ce genre de contenu qui n'est pas Rainbow Six. Comme je le dis souvent les samedis, ça compte double. Je vais pas vous mentir, vous êtes des monstres les amis. Ok, je joue. Y'a rien. Ok, y'a le. Ok, non, le Pax là c'est bon. C'est bon, essayez du coup. Ouais, bah en fait il est peut-être parti et c'est peut-être lui qu'en fait vous avez. Ok. Il est rapide, hein. Meuf quand même, mais. Ok, ça m'a l'air ras hein, pour l'instant, fait à gauche. Bah c'est bon, je suis avec vous. Ouais. Enfin, j'ai cru voir un laser. Bon. Ouais, on arrive nous. Donc on n'a pas fait 9h ici. Ok, bah c'est ce que vous allez faire. Alro, décroche à la limite. On peut prendre le temps. Vas-y, allez, désengage. C'est bon, il peut pas y avoir de danger. Donc plus la peine de faire face midi. Maintenant, tu te retournes. Et là, va faire main courante à droite sur mon laser là-bas. Ouais. Tu vas avec eux à 3 et moi je garde derrière du coup ici. C'est bon pour vous, les gars? Affirmatif. Ouais. Allez. Vas-y, je décroche derrière Alro. Ok, c'est bon pour moi. Par contre, je vous avertis, je vois pas grand chose. Je vois vraiment pas grand chose. Merci Dalobo pour les 9 mois à terme, droite, poulet. Vraiment. Le plus à droite possible. Comme je le disais, voilà, ça compte. Vieux, tu peux décrocher. Vas-y, avance Alro. Yo, on est une drive, salut tout le monde. J'en avais bon. Madame, non, c'est bon. Vas-y, avance Alro. Va jusqu'à l'arrêt du conteneur. Du conteneur, on va faire du contrôle PAM, les gars, si vous avez. Ouais. PAM RAS pour moi. Ça ouvre à ma droite. Ok, je te laisse ouvrir. Et balancer okay, avec un deuxième conteneur là directement à droite là. Je me mets à l'angle du conteneur suivant. J'ai entendu écho son non écho, ouais, écho son, affirmatif. Je recule un petit chouïa. À une heure, je crois. Ouais, affirmatif à une heure, il me semble aussi.
Ok, alors mets-toi main courante droite. Voilà, je vérifie à gauche. Et tu vérifies à gauche. Moi j'ai la droite. Vas-y, avance, Algro. Vérifie à gauche, Algro. Y'a rien à 9h ? Non, 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 rien à 9h. Ok. Ah, il est quoi, hein, vraiment proche. Ouais. À mes midi, ouais. Doucement, enfin, doucement, vous avez le temps, les gars. Commencez à réfléchir. Viens, 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 viens. Ça balance le stuff, le troisième. C'est bon, il sera, bon, il, bon. Sera il sera, il sera, il sera. Vous êtes des monstres. Stop, 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 tranquille. Essayez de le garder. Je peux l'appeler là, je crois. Ouais, bah c'est ouais, ce qu'on ouais, veut. Ouais. Voilà, nickel. Il vient, il vient, il vient. Ah, il se relève, il se relève, il se relève, il se relève, il se relève. Ouais, vous êtes des monstres, bon. Reculez plutôt que d'avancer. Non, non, ouais, ouais. C'est bon. Ouais, mais reste devant quand même, Alro. Allez, ouais. Mais reste ma courante à droite, Alro, sur le long des. Je suis à droite, je suis. Non, négatif, négatif. Non, 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 t'es pas à droite. En fait, t'es, tu te bloques dans le. Ah, dans putain, le truc. Ouais, j'étais bloqué, ouais. Allez. Vas-y, bouge plus. Voilà, parfait, nickel, Alro, t'es un monstre. Vas-y, je m'en occupe, décale-toi, vieux. Voilà, nickel. Super. Allez, prends-le, lui, à la limite, et désengage-le du couloir de tir dans lequel vous êtes là. Ok, vieux, vas-y, je te laisse le prendre, poulet. Ouais, et fais main courante à gauche, tu vas tomber sur l'autre, tu les mets ensemble les deux potes là. Ok, je suis sur ton épaule gauche, Alro. Vas-y. On attend juste que vieux ait déposé ouais, potes et on avance. Enfin, on fait une ouverture d'angle sur ta droite, du coup. Je recharge. Ok. Moi, je suis un moitié chargeur de mon deuxième chargeur. Là. Je crois qu'il me reste deux chargeurs, je suis pas sûr. Ok, okay. Quand je pourrais en dropper un au pire, hein, si vous êtes vraiment sec, faudra pas oublier de le demander. Ok, reçu. Moi, let's go. Moi aussi, j'ai trois chargeurs d'un principal. Ouais, voilà, ça c'est pas mal. Ça. Vas-y, Alro, je te laisse faire ton ouverture d'angle poulet sur la droite maintenant. Il y a un pick-up à nos 2h. Reçu. Phare allumé. Reçu. À 2h30, il y a une remorque sur un camion. Reçu. Ouverte, avec les portes arrière ouvertes. Et à 3h, je vois rien. Attends, okay. Là, ah non. J'essayais de voir où est-ce que tu voyais. Tu vois pas vous voyez pas le warehouse, moi encore. Négatif. Je vais essayer de passer derrière le carton à gauche. Ok, ok, il y a une ouverture là sur notre gauche. Hein. Une ouverture sur notre gauche. Ouais, une petite ouverture. C'est là mais dont on est arrivé. Est-ce que c'est pas la petite ouverture? Ah oui, est-ce que oui, c'est oui, pas oui, la petite ouverture qu'il y avait? Ah mais c'est bon du coup. Ok. Ok, moi je vois derrière les box, Alro. Je t'ai dépassé, je suis sur ton épaule gauche, mais derrière les boîtes en carton. Ok. En vrai, limite, faudrait que tu viennes ici, t'as une meilleure. T'auras un meilleur visuel. Ok. Non, négatif pour après, pour avancer, c'est la merde. Laisse les mains courantes à droite le long du conteneur. Ok, bah là, limite, vieux, vous, avec vieux lui, tu et peux Alro, décrocher, ouais, main courante droite, vous continuez le long du. Et moi, j'ai à gauche, quoi. Allez, j'y vais. Vas-y, vieux, prends à gauche, prends en face de toi. Voilà, nickel, on se croise. Balancez les injonctions, les gars. Derrière le camion, c'est ouvert, hein. Il peut y avoir un pack dans le camion. Checker en dessous l'armorque, au pire, là. C'est pas quelque chose. Sous l'armorque. Non, 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 c'est les béquilles de l'armorque. Ouais. Et balancez du. Faites savoir qu'on est là. Je commence à voir la cabine du camion. Ok, reçu. Ah mais c'est Weras, il est en face de vous là, non? C'est pas ça en face de vous, le gros truc? C'est ça. Le gros entrepôt qu'il y a derrière, ouais. Eh ben, moi j'ai les infos, enfin j'ai la ligne jusqu'au E de Warehouse, quoi. Attends, je vais regarder sur vieux, du coup. Ok, vous devriez avoir un deuxième camion, du coup. Le camion avec une remorque rouge. Ouais, à 3h. Vas-y que je peux avancer. Moi, je ne vois pas. Tranquille, y'a pas besoin de. Prenez votre temps, je vois la cabine du camion. Tu peux avancer un peu, avance. Voilà, tu seras derrière. J'ai trop sur vous, messieurs. Okay. Contact à mes 3h. Il y a encore un petit angle mort là, je vois rien. Ouais, mais quand vous commencez à faire ça, les gars, une fois que vous avez commencé à regarder vos 3 heures, derrière vous reculez de 2 mètres et vous passez main courante à droite de l'armorque, du coup. C'est ça. Ok. Allez, je recule. Je passe à droite de l'armorque. Faut que tu recules encore, poulet. Il est bien, c'est parfait ce que tu fais, poulet. Vieux, faut pas que tu le gênes toi, pendant qu'il se recule, et faut que tu lui laisses 1m50 toujours.
C'est bon, là je suis reculé. Non, pas encore. Regarde sur la cam de vieux. Mais là je vois pas bien les 3 heures après, tu vois. Recule encore. Recule, vous partez de l'autre côté du camion, t'inquiète. Ah d'accord, ok. Recule. Vas-y, je cours. Dans le camion, c'est clair. Pas vieux. Dans le camion, ouais, c'est bon, derrière. Alro passe derrière, voilà, nickel. Je décroche, je vais passer derrière Alro. Ok, là, contact midi, il y a une fourgonnette blanche, je vois pas ce qu'il y a derrière. Ok, reçu. À 1 heure, il y a un chariot élévateur, je vois pas ce qu'il y a derrière aussi. Reçu. Et vous pouvez commencer à avancer ma courante à droite du camion blanc, du coup. À 2 heures, il y a encore un fourgon. À 9 heures, il y a une ouverture. Hein. Ok. Ouais, j'ai vu. À nos 2 heures, il y a une guérite. À 1 heure, il y a aussi une guérite derrière le fourgon noir. Ouais. Avec du grillage. Ok. Attends, ah non. Autant pour moi, vas-y. Continuez de travailler. Là, faudrait que je passe en crabe sur ma gauche, là, pour avoir visuel un petit peu, là. Vas-y, j'ai qu'à midi. Ok, à vos 3 heures, y'a rien. Ça tire, c'est sur vous. Ok, bon, ouais. Il est guéri, t'as 1 heure. Reviens au camion, reviens. Je reviens. Je suis bloqué, non. Je suis blessé. C'est bon. Je me soigne. Vas-y, soigne-toi, je prends la ligne. Et c'est... Il est blessé, je sais pas si c'est rendu. C'est bon pour moi. Ok. Alro, est-ce que tu peux envoyer du stuff? Balancez de l'injonction, les gars. Oui. Il est passé vers la cabine du camion. Attention, devant la cabine du camion. J'ai la ligne, moi, s'il dépasse la cabine là. Je balance derrière la cabine. Vas-y, affi. Je suis pas sûr que ça approche, essaye de l'envoyer maintenant à gauche, là où vous l'avez vu. On va un peu loin. Voilà, nickel. Ok, sur lui. À terre. Ok, reçu. Doucement, tranquille. Je l'appelle. Bien vu. Ok, je pense je dois contrôle PAM. Ok, fais un contrôle PAM, vieux, j'ai la ligne. Merci. Moi, je commence à voir vos lasers, donc... Ok, le pack c'est comment? Il arrive là? Ouais, il vient. Ok, reçu. Essaye de reculer un petit peu, Alro, juste de... Ouais, voilà, nickel. Comme ça, j'ai ce qui se passe à gauche, s'il y a un truc qui arrive à gauche. Ouais. Du coup, mon lieutenant, vous ne pouvez pas avancer de votre côté un peu? Non, négatif pour le moment, ça sert pas à grand chose. Quand je vais avoir le contact visuel et voir sur vos caméras que tout ce qui est à ma gauche est clear, je vais avancer ma courante à droite là. Monsieur. Escalade. Propre ça. Bon. Ok, je vais le faire venir sur moi. Quand on va le faire retourner là. Voilà. Je recharge. Je me décale légèrement à droite pour le à gauche pour le laisser passer. Chargeur, tu l'as fait tomber, poulet. Ok. De toute façon, il y en a plus. Après, s'il est vide, il le drop. Hein. Ouais, voilà. Il y en a plus. Oh, d'accord. Ouais, il m'a fait peur, il s'est retourné. Hein. Tu fais quoi, lui? Vas-y, Okay. Ok, bougez pas, je le fais bouger lui, je le prends. Bien sûr. Je vais le mettre derrière le... Ouais. La porte est ouverte à 11h, non? Je vois pas du tout. Je sais pas si on parle de la même. Tu peux la désigner avec ton désignateur? Non, c'est pas la même, c'est pas la même. Ok, je la désigne, mais c'est pas la même. Ouais, ok. Ok, là ce qu'on peut faire c'est avancer à 3 pour essayer de checker ce qu'il y a à nos 11h là. Parce que là on sait pas ce qu'il y a à 11h. Ouais, derrière la fourgonnette blanche, c'est ça? C'est ça, affirmatif. Okay. Du coup, on avance à 3. Vieux, tu prends l'épaule gauche de Alro et moi je prendrais l'épaule droite du coup là où il y avait le paquet. Yo Corbe, comment ça va poulet? Ok, on va regarder un jeu. C'est ça. Tu sais que j'étais chez toi l'été dernier. Ça va mon poulet? Désolé, je regarde à donc le machin. Voilà. Salut tout le monde, j'espère que vous passez un bon moment. 3, merci Dalobo pour les 9 mois et merci tout le monde, vous êtes des monstres, vraiment. Voilà, on avance tranquillement.
Vieux, faut vraiment que tu sois sur quand je suis dans le jeu, j'avoue que je suis un peu matrixé. Ouais, et... là, à notre 3h là, je vois rien. Et je regarde pas trop le chat. Attends, Algo, fais gaffe, tu t'exposes. Ouais, voilà, je voyais mal, ouais. C'est bon, tu peux avancer, main courant gauche. Fais main courant gauche, tu peux avancer en crabe. Voilà. Mets-toi collé à la camionnette, du coup, poulet. Ouais, à 3h, je vois rien. Mais il y a un petit espace à gauche de la camionnette, il faut faire gaffe. Hein. Ouais, merci. Petit espace, quelle camionnette? Port aucun là? Non, négatif, ok, très bien. Je vois pas. Ok. À nos 3h et à nos 4h, il y a rien, je me mets face midi de la camionnette. Vas-y. On va pas mon laser, c'est... Si, pris sur port Oka, ouais. Ça, okay. Le port Oka, là, on va l'appeler, lui. Devant la camionnette, il y a rien. Derrière, en revanche, je sais pas trop, mais je pense pas. Pour le coup, il faudra regarder en dessous. Et à votre droite, vous avez un camion avec remorque droite. Ouais. Faudra faire main courante à droite de ce camion-là. C'est tout. Ok, non, c'est le drapeau. Putain, il y avait une ombre qui bougeait au fond. Mais c'est on dirait que c'est un drapeau. Ok, alors là, pareil, tu je vais commencer à ouvrir ma ligne, gauche, du coup. Ouais. Il faut faire gaffe à la guérite, à nos 1h. Ok, que ça me tire dessus, ça me tire dessus, c'est exactement là. Il est en face de moi, à vos 11h, je pense. Je le joue pas, il me tire dessus, moi. Okay, on peut pas le... On n'a pas visuel dessus. Il est derrière le conteneur, je pense. Il est vers vos lasers, ouais. Il est vers vos lasers. Va falloir qu'on avance là parce que on est. Algo, essaye de mettre main courante gauche là de la camionnette. J'ai perdu le visuel, les gars. Il ouvre la porte sur mon laser. Tu prends la droite de Algo et moi je prends là où ça peut venir. Ça tire de l'intérieur du warehouse. Reçu. Un contact à Mimiji. Doucement, on est bon. À gauche de la bobine, tire. C'est bon, c'est bon. Il sera toujours à l'intérieur, ce fils de pute là-bas. Reçu. Attaque à notre droite, pas, mon lieutenant. T'inquiète. Ok, on push le mec là, Ouais, go. Moi j'ai votre droite, mais, les gars. Tranquille. Ouais. Ok, on va la wedge la porte. Je me mets devant la porte pour la bloquer. Il se relève. C'est bon. Je me mets devant la porte pour la bloquer. Vas-y. Attends, je suis blessé là, il m'arrive pas. Non, c'est les gars, c'est le gaz. Ouais, pas besoin de s'exciter. Okay, voilà, il s'est rendu l'autre. Ok, je wedge. Je peux pas wedge. Je me décale. Ok, tranquille. Ok, c'est bon. Elle est wedge. Nickel. Les armes, c'est bon. Ok, contrôle pomme, messieurs. Ouais, il m'en reste pas beaucoup. Hein. Move towards me. Je peux vous balancer des chargeurs. Tiens, regarde. Deux drop. Deux, j'en ai drop. Ok, Algo, tu te remets devant, poulet. Ouais, nickel. Là maintenant on va longer main courante gauche. Ouais, la guérite. Faut faire gaffe, il y a fenêtre contact à gauche là. Le mec, je l'ai traité. Il est au sol, il est devant une porte ouverte. Mais il veut pas bouger. Si vous arrivez à le gérer, c'est parfait. Je sais pas si vous voyez. Il se relève. Non, je vois pas du tout. Sur mon laser. En dessous de mon laser. On est vraiment à eux. Je vois à peu près le gars. Je vois sur votre cam, moi. On voit, mais pour l'instant, on n'est pas dessus. Ouais. Alors, à l'intérieur de la guérite, là, par la fenêtre, je vois rien. Il y a des petits panneaux en plastique, là, droit, là, qui m'empêchent d'avoir un visuel complet. Je fais mes courants de gauche de la guérite. Première porte fermée. Et il y a une deuxième porte fermée à 2 mètres, sur la même guérite. Ok. Vas-y, on continue, on avance. Je wedge derrière vous, moi. Vous avez juste à avancer. Vas-y. Ok, j'ai perdu le visuel, les gars, sur le mec. J'ai perdu le visuel sur le mec. Deuxième place, hein. Bien reçu, moi. Non, négatif, je l'ai. Il est toujours au sol, il arrive vers moi. Il est. Si vous avez un camion avec une remorque rouge, il est au niveau de la cabine de ce camion remorque rouge. Pour l'instant, on voit pas de camion remorque rouge. Ouais. Il se relève, ce fils. Vas-y, Algo. Ok, ma deuxième fenêtre, là. Je vois rien. Il y a une porte fermée à l'intérieur de la guérite. Ok, reçu. Ok, prends à droite, Algo. À 9h, il y a une ouverture. Ouais. Voilà. Ouais. À 3h, il y a rien. Il y a la porte de la guérite qui a à nos midi fermée. Wedge, parfait. Regarde à droite. À 9h. À droite, ouais. À droite. Moi, j'ai 9h. À droite, il y a rien à droite. Ok. C'est fermé à droite ? Non. Ouvert, mais il y a rien. Ouvert, mais il n'y a rien. Ok, ça, là, on donne devant la cabine du camion à laquelle on a interpellé le mec. Tu décroises, vieux. Tu prends à droite et maintenant, Algo, il passe à gauche. Ok. À gauche, dans
dans l'angle, il n'y a rien à gauche. Tu te mets main courante droite du coup. Ouais, sur le check la fenêtre de la guérite. Ok, Vio, tu peux avancer jusqu'à l'arête. Bien sûr. Je wedge la voie. Ouais, je vois rien à l'intérieur de la guérite, hein, je vois rien. Attends, je peux pas wedge. Vio, recule, poulet. On va inverser. Toi, tu vas wedge la porte et moi, je prends la nuit. Vas-y. Ok, Alro, de ton côté, ça donne quoi? Ouvre ton angle, poulet, sur ce qui se passe sur la droite. Ok, Vio, tu peux décrocher une fois que t'as wedge avec... Je vois rien, j'ai visuel sur le bas de la tour. Et j'ai un conteneur à mes midi à 20 mètres, avec derrière le conteneur sûrement la porte que regardait le lieutenant. Reçu. Ok. On va... la porte, on peut la wedge? Do not move. Ok, il est géré. Moi, j'ai pas de wedge. J'en ai normalement. Ok, on va essayer de wedge la porte. Okay, je décroche avec vous. Vieux, tu passes en 3. Le conteneur qu'il y avait devant toi, Grumpy, je crois que c'est un conteneur marqué du même signe que les autres. Ouais, affirmatif. Alro, ouais, voilà. Vas-y, Alro, tu continues, main courante droite, poulet. On y va, tranquille. Vieux, il est à l'arrière. Techniquement, on a le lieutenant qui est à nos 3 heures. Ouais, c'est bon. J'ai repris le mec est géré. Ok, je vois vos lasers, du coup. Reçu. Ok, on va aller... 3h, y'a rien là. À 3h, y'a rien. Bien reçu. On va traverser. 2h non plus, 1h non plus. Main courante gauche, Alro. Voilà, nickel. Vieux, limite, tu peux prendre la ligne pour nous appuyer. Hein. Vas-y, Alro. Je crois qu'il a déjà la ligne, je vois son laser. Ah, ouais, il est derrière nous. Je vois. Allez, j'avance. LSPD, don't move. Balancez les injonctions, les gars. Ok, je vous vois, j'ai visuel sur moi. Les gars, avant 1h ou 2h, ça vous a vu. Écho son à mes 3h, ce qui veut dire avant 1h ou 2h. Je sais pas si vous voyez mon laser dans le ciel. Oui, oui. Vous le voyez ou pas? Oui, affirmatif. D'accord, il éclaire un poteau de. Un stade de. Un, des lumières de foot. Oui, oui. Bah, par là. Je suis en train d'éclairer. Police, get down. Écho son par là. Grumpy, on se fait un bon rapide oui, à nos midi 5 mètres là. Allez, voilà, go. La fille. Ok. Vieux, tu peux décrocher, poulet? Attention vraiment à vos 2h, 3h, 2h. En fait, 3h c'est moi là, vous me voyez visuel? Oui, la fille. Ok, d'accord. Et bien le camion qui est juste à ma droite, derrière, écho son. Okay, reçu. Ok, alors je te laisse ouvrir ton angle à gauche. Je regarde à l'intérieur de la porte sur laquelle vous allez tomber. Elle est ouverte et la porte est de la poignée. Ok, là, face à mes midi, je vois rien. Ok, reçu. J'ai visuel sur le bas de la tour, j'ai visuel sur une fenêtre. Et okay. Juste de l'autre côté, t'as une porte ouverte. Regarde sur ma caméra. Affirmatif. Affirmatif, okay. Je vois. Ok. Okay. C'est ça là qu'il faudra aller wedger et continuer votre main courante à gauche, tout en faisant gaffe. Vas-y, parce que... Mais du coup tu m'as dit qu'il y avait quelqu'un à nos 2h, c'est ça? Absolument. Ok, ben là du coup il faut faire gaffe à lui aussi. Ouais. Il faut à 11h. C'était moi qui... te sens à la porte ouverte. Je viens d'envoyer... Vas-y Alro, avance poulet. Doucement. Ah nickel. Voilà, je suis avec toi, c'est sur ton épaule droite. Pas là-bas. Ok. Vas-y, avance encore un peu. Police, don't move. Ok, je décale sur ton épaule gauche. Ok, j'ai visé sur la porte ouverte là. Ok, tu vas faire une ouverture d'angle sur ta gauche. Pour... Ça tire. Garde ta gauche. À droite. C'est bon. Ok, il est traité, je me soigne. Vieux, tu prends la ligne. Vas-y. Ouais, je le vois. On a vu, j'ai un visuel dessus. Ok, va falloir que vous le traitiez, mon autre. Ouais, c'est bon, c'est bon. Dessus. Alro, va falloir que tu checkes la porte à gauche. Va falloir me la fermer, la porte à gauche surtout. Ouais, c'est ce qu'on va essayer de faire. Ok, porte ouverte, ne bougez pas, elle est ouverte vers l'extérieur. Ouais, j'y vais seul, je la ferme. Ok, reçu, j'ai la ligne dessus. Le pack sur 3h, vous le voyez les gars? Non, c'est bon, négatif. C'est bon, fermé. Là sur mon laser. J'ai. Il faut venir. Tu peux wedge. Il faut venir wedge sur moi. Alro, tu peux. J'ai la ligne. Non. Vieux. Ok, Grumpy, prends ma ligne sur le pack. Il est où? À ma position. Ah ouais, j'ai visuel. Ok. Ok, j'ai visuel dessus. Je sais pas si j'ai encore gagné ou genre. Faut que quelqu'un vienne sur moi. J'enlève. Oui, je vous pouvez vous en occuper. Ouais, c'est bon. Garde le visuel s'il te plaît, qu'il sort pas une merde là. Parce que, regarde l'ouverture à mes 9h, tu vois, vu le camion rouge avec cabine blanc. Mm-hmm. À tes 1h. Oui.
À gauche. LSPD, don't move. À gauche, juste derrière ce camion, vous avez pas vérifié tout à l'heure. Ce qui veut dire que là, regarde. Regarde-moi. Oui. Ici, là, sur mon ouverture d'angle à gauche, moi, je sais pas ce qui se passe, en fait. Ok, ouais, je vois que tu vois ici, là, vous êtes pas allé, vous avez pas vérifié. On est passé de l'autre côté. Et là, derrière, je peux pas ouvrir parce que c'est danger, là. Mais nous, on peut aller à... Et si on peut aller à ma gauche, là. Votre droite, et vous checkez à votre gauche, mon... Non, négatif, parce qu'en fait, c'est ce que tu vois à ta droite, là. Il y a une énorme ouverture et il y a la tour aussi au-dessus de toi. Ouais, il y a un étage, deux étages, trois étages avec des fenêtres à la tour. Ok, ce qu'on pourrait faire, c'est... Désengager, repartir, revenir... C'est refaire le tour. Ouais, refaire le tour. Grumpy, tu restes tout seul. Vieux Roquefort, tu colles à Alro et vu que t'as compris, tu lui dis... Ouais. Et quoi, 11h. Vas-y, que je peux reculer. Vas-y, fais ma compte à gauche. Je suis bloqué là, je vois. C'est bon. Recule un peu, ouais, parfait. T'es sûr, une fenêtre à droite là, c'est bon. Ah, c'est bon, ok, ça c'est les guérites qu'on avait check, que voilà, on avait ouvert. On est passé par là, il y a le deuxième camion. Ok, ici. Ouais. Voilà. Et derrière le deuxième camion, je sais pas ce qu'il y a. Là, tu peux l'ouvrir là. Ah ouais? Ouais, le compteur à ma gauche. Okay. Vas-y, bah j'ouvre, je pique à gauche. Vas-y. Ok. Non mais laisse, tu le gères tout seul et lui il gère, c'est à toi de le faire tout seul. Vas-y, bah, je gère tout seul, vas-y. Je gère tout seul. Oh la vache. Oh, j'ai un pack sur moi. Ok, doucement, armé. Je regarde à l'intérieur. Plusieurs packs au sol. Apparemment, peut-être. Et un pack vivant. Deux packs debout. Oui, des gens dénudés. Ah ouais? Oui. Effectivement. Bah j'ouvre, hein. Oh, ils sont plusieurs. Tu peux ouvrir. Ça doit être du trafic de personnes, ça, je pense. Non, c'est les streamers. Ah. Oh la vache. Après, j'arrive pas. Talk. We have a container full of women. Ok. Bon, je vais faire. Vas-y. Vas-y, fais un pas chassé en crabe. On va passer derrière le conteneur. À ma droite, là. Parce que je vois pas grand chose derrière. À ma droite, ok. Ouais. Ils sont 3, pas chassé. J'y vais. What? We're not leaving them like this. Close the doors. Ah, c'est ce que j'ai fait. Hein. Je me remets face le gilet. Bah oui, c'est ça, ça. Non, mais il est en train de te dire parce qu'il y en a un qui lui dit on le laisse pas comme ça, mais bon. Ouais, c'est ce que j'avais compris. Ouais, mais ça, c'est Grumpy, ça. Ok, on a. Understood. On est au cul de la remorque. Ok, vas-y, continue, on va se voir. C'est bon, nickel, impeccable. Ça veut dire que je peux ouvrir. Je vois votre laser. Super, votre laser. Donc votre danger est face midi, vous pouvez faire main courante à gauche. Ça sert à rien de regarder à 2h. Ok. Le danger commence à partir du camion blanc et de la station là. Ok, je vais faire une ouverture d'angle du coup sur les 10h. Ah, mais midi, moi là je vois rien. Grumpy, tu vois ce que je suis en train de faire? C'est le point qu'on avait vu. Ouais, affirmatif. Vous pouvez continuer à avancer les gars et faire main courante à droite du coup, je pense. En crabe, fais gaffe à 10h. Et fais gaffe, il est parfait, c'est parfait. Mais faut fenêtre hein, messieurs. Je suis dessus avec eux. Vas-y, main courante à droite, tu peux avancer. Grumpy, tu peux continuer à faire ta main courante à gauche pour aller jouer la porte de la tower au pire. Ouais. Ok, là, 2h, c'est clair, je vois rien à 2h. Escalier montant, sur moi, la fenêtre là, à gauche, quand on rentre. J'ai visuel sur la double porte du premier bâtiment. Attends, tu fais quoi, Grumpy? On s'en bat les couilles de la porte, non? Okay. Non, tu fais quoi, frérot? Ah, excuse-moi, j'avais pas compris ce que tu fais. T'es parfait, Grumpy. J'ai visuel aussi sur la sortie à laquelle on a fait demi-tour en sortant du bâtiment. Ok, bien pris. On continue d'avancer parce qu'on est un peu comme des merdes ici, là. Grumpy, t'auras une porte à ta gauche, à 2 mètres à gauche, si tu peux la wedger. À 3h, y'a rien, je me mets main courante à gauche. Ok, je passe ma courante à gauche avec vous. J'ai plus de wedge. Ok, bien pris, bah reste par là, poulet, ouais. Je t'en vais à 3h. Non, fais face midi, tu vois mon laser, frérot. Et là, on arrive sur la zone où on a fait demi-tour. Ouais. Ok, parfait. Mettre au préfab, il y a un préfab. Ouais, un préfab qui est face à moi, ouais, exact. On va vérifier. Je check vite fait le contact à gauche là.
à gauche du conteneur. Je couvre la porte. T'es, je vois rien. Je sais même pas où il est le coin. Ok, ok, stop, stop, stop. Alro, est-ce que tu peux te mettre sur ma cam, les gars? Stop, on arrête deux secondes, on prend le temps. Tu vois ma cam? C'est bon, j'ai. Ok, c'est bien bon, pris. J'ai. Tu repars derrière ce camion-là, là, que je suis en train de viser. Ok, en faisant derrière, ma courante à gauche, ouais. Et derrière, okay, vous allez re-rentrer dans le bâtiment. Et là, si tu regardes ma cam au bout, tu vas arriver du coup main courante à droite là-bas, oui, d'accord? Exact, ouais. Et tu ouais, pourras, on ouais, pourra aller jouer le préfab plus sympa, ok? Moi, je vais rester là. Okay. Allez, let's go. Vous partez en crabe à droite. Nickel. Vas-y, recule, recule. J'ai la ligne sur la porte du préfab. Mais c'est bon, vous pouvez accélérer. Meuf, parce qu'il y a une double porte à l'arrêt de gauche du préfab. Hein. Enfin, un peu plus à gauche du préfab. Allez, gros, gros okay, tout droit, les gars. Ouais, ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon, elle est vue. Bon, bah, non, tu peux pas là, Alro. On peut pas, on peut, non, on non, peut, négatif. Pas obligé de passer à l'intérieur du bâtiment, les gars. Ok. Et de faire okay, ma courante ouais, à gauche. Et de prendre la porte à gauche. À l'intérieur du bâtiment. Main courante gauche. Gauche, gauche. Ouais, suivez-vous. Vas-y, vas-y, vas-y. Je pique la porte. 3, 2, 1. Top. Nickel. S'il n'y a rien, si c'est ras, c'est bon. Tu peux avancer. Main courante à droite, laser, c'est bon. J'ai visuel, tu peux avancer. Main courante à droite jusqu'au... jusqu'à la bite de 4 mètres en avant là. Vas-y, tu peux ouvrir ton angle. Nickel, tu peux encore avancer si tu veux sans trop de problèmes. Main courante à droite, t'as deux énormes tubs là à droite là. Puis après tu peux encore avancer au niveau de la rambarde. Il y a du bois. Et après à la fin du bois, fais gaffe, tu t'ouvres sur une ligne à 13h sur, sur la fenêtre et j'ai pas l'info. Et il y a une porte aussi, hein. Oui, bien sûr, c'est ce qui va aller jouer. Tu vas aller te mettre devant la porte, tu vas aller te mettre devant la. Tu vas remplacer la. Il y a une autre porte encore. Ok, je bien vais pris. Là. À gauche du bien préfab. Pris. Bien pris, elle est verrouillée, frérot. Qui donne dans le préfab ou à gauche du non, préfab? À gauche du préfab. Elle est verrouillée, elle est bloquée. Ok, reçu. Ok, du coup, Alro, let's go. Allez, va remplacer la fenêtre. La fenêtre. Fais voir ta tronche, vieux, joue la porte. Je suis. Au maximum, ouais, t'es là, pas trop mal. Bon. Tu peux te mettre sur la pointe des yep. Ouais. Ouais, nickel. Je vois rien à l'intérieur. Je vous rejoins, de mon les côté, gars. Doucement. J'ouvre mon je angle de mon côté. Je vais crier un peu. Vas-y, doucement. Attends, tranquille. On est bon, Grumpy, on est bon. À l'intérieur. Aucun écho son à l'intérieur, bien pris. T'as un écho à l'intérieur, ok. Non, j'ouvre pour non, toi, non, je te prends le face 11h. Aucun écho sur. Dis-moi s'il y a un piège, frérot. Pas de piège. Ok, 3, 2, 1, je vais pusher. À 11h, rien. Vas-y, tu peux rentrer, tu regardes tout de suite à droite. Impeccable, let's go. Rast. Allez, let's go. Du coup, la porte de cette tour, j'ai l'impression, plus la porte du hangar. Je fais main courante à droite là. Non, négatif, tu fais un grand tout droit vers le danger, c'est la tour. Donc tu fais un grand tout droit vers Grumpy. En avant, allez, let's go. Faut faire gaffe derrière le fourgon là aussi quand même. Hein. J'ai regardé sous les yep, mais oui, effectivement, tu peux aller faire main courante à droite. On va se mettre contre le mur. Non, y'a rien derrière. C'est bon, rien derrière le fourgon. Ah, ok, ok. D'accord, ok. Je t'avais pas vu. Ok, stop, on peut faire contrôle PAM, prendre deux secondes pour. On peut wedge la porte s'il vous plaît. J'ai pas de wedge, moi. Je crois que j'en ai plus. Ah si, c'est j'en ai. Ok, nickel. Ok, bah je vais y aller préfab à gauche qu'on n'a pas encore fait avant de rentrer dans le warehouse. Ah ouais, affirmatif. Effectivement. Ok, mais là juste pour l'instant... Il faut faire gaffe, il y a une fenêtre là, contact à droite là, ouais, je suis passé devant. C'est mieux qu'on recule, non? C'est mieux qu'on recule, non? Ok, le préfab, ce serait quoi? Attendez, regardez, deux secondes. Quelqu'un, on prend le temps de comment dire, de regarder la carte. Mmh. Là, le D1, D3, D2, ça a été géré ou pas? D1, D2, D3, non, ça a été. C'était ceux-là les plus fabriqués qu'il faut voir. Ouais, ça a été wedgé, très bien. C'est ça. Sur et les c'est deux. Du coup, c'est ça que je disais. Okay, D1, du coup, il a été géré sur les deux côtés? Enfin, wedgé sur les deux côtés? Négatif. Normalement, tout est wedgé, je crois, non?
Y'a pas de normalement, ouais. C'est soit oui, soit non, ça existe pas la normalement. La porte où y'a marqué CI de la ouais, L, je sais mais pas si c'est l'heure de poulet, t'as un monstre, s'il vous plaît, 18 mois, t'as un monstre. Les autres, oui. Ok, bien pris. Du coup, le 1 a été wedgé, la tower a été wedgé, ok. Le D4, on s'aperçoit qu'il y a bien rien, et le Raffinery Reception, ça a été bon pour nous. Ce qui veut dire, est-ce que cette porte a été wedgé? Là, c'est là qu'il y a problème. Celle où il y a marqué CI de non, la... celle où que je, sur laquelle je viens de mettre un point de rassemblement. Elle a été wedge, c'est là où on a eu un pack qui nous a tiré dessus. Ok, ça je le savais pas du coup, vous êtes allé le gérer. Bon bah c'est parfait, donc du coup si tout est wedgé, il n'y a plus effectivement que les préfabriqués à gérer one by one, en commençant par D1, puis D2, puis D3. Sachant que j'ai regardé par les fenêtres, j'ai vu personne à l'intérieur, donc potentiellement clear. En avant. Ouais, mais meuf quand même. Faut faire gaffe direct là quand on décroche de la tour là, il y a la fenêtre directe. Hein. Ouais, bah droite, on reste ma courante à droite du coup, pourquoi ce. Bah, il y a la fenêtre à droite. Mais il y a la fenêtre juste à droite là. Quand je peux me mettre devant pour couvrir votre passage. Vas-y, mets-toi devant, ouais. Attendez, normalement, je m'y mets seul en premier. Si ça tire, je désengage. Reçu. Ok, il y a personne qui me tire dessus, vous pouvez passer derrière moi. Ok, c'est bon, Alro, dernier, tu peux décrocher. Dernier, j'arrive. Ok, là, la porte, elle est wedge. Là, on s'en bat les couilles, du coup. On va aller taper un D1. Oui, elle est wedge. Elle est wedge, bien. Elle est wedge, ok. D1, c'est celle qui est en face. Je me mets devant la fenêtre. Oui, elle est wedge, je vois le wedge, vieux. Allez. Ok, donc effectivement, là, par la fenêtre, je vois rien du tout, personne. Ok, nickel. Allez, on va jouer à la porte. Écosson okay, non. Je regarde en dessous. Négatif. Vas-y, prends le temps. Ok, pas de piège à la porte. Face midi, on a une fenêtre. Mur à droite. Et j'ai pas de visuel sur ce qui se passe à gauche. Mais bon, il y a une fenêtre à gauche. À gauche, moi j'ai vu par la fenêtre, il n'y a rien à gauche. Ok, s'il y a danger, c'est à gauche quoi. Deux seuls qui rentrent, Alro, suivi de quelqu'un. Et direct à gauche du coup. Allez, je pique. Vas-y, t'inquiète, je check si c'est open, c'est verrouillé. Non, autant pour moi, c'est unlock. Je vais piquer. Pas de piège, je push dans 3, 2, 1, top. Gauche, je vois rien. Ok, ça marche. C'est bon, je vois un peu mieux. Okay, c'est bon, brasse. Rien, clear. Ok, celle-là, elle peut être prise. Attends, Grumpy, stop. Je vais me prendre un wedge, poulet. Je pique là, celle-là. On va tomber sur l'extérieur. Elle est loquée, du coup. On va tomber sur l'extérieur, mais ça donne sur les. Oui, il y a des lignes attention, ouais, qui donnent sur les autres préfabs du coup. Oui. Qui seront en face de toi. Qui sont normalement clear. Bien pris. Y a pas de normalement, je t'ai dit. C'est soit oui, soit non. Putain, nom de Dieu. Regarde par le pic et regarde justement les fenêtres en l'occurrence. Moi je peux passer par là, dehors. Je vois la fenêtre du préfabriqué. Passe par d'ailleurs, t'as raison, vieux. Viens, j'ouvre on passe la les porte deux. Et je me mets devant la fenêtre. Ok, Grumpy. Grumpy est avec attention, toi. Il va y avoir une fenêtre à votre droite aussi. On est dessus. Ok. Je vois rien à la fenêtre et je vois une porte fermée à l'intérieur du préfabriqué. T'es un monstre. Et ça donne sur le warehouse normalement si on regarde par rapport au plan. Absolument. À l'autre fenêtre, je vois rien. J'ai encore visuel sur la porte fermée. Ok, je check. Je vais checker l'autre fenêtre qui est à gauche. Ok, pareil. Et à l'autre fenêtre à gauche, toujours personne. Il n'y a pas de piège à la porte, mais par contre, j'ai encore une sorte de groupe. Qu'est-ce là qui donne sur la gauche qui m'empêche de voir? Comme sur le. Juste avant là. Ok, très bien. La porte qui donne vers le warehouse, elle est fermée? Oui, fermée. Ok, bien pris. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Grumpy plus. Regardez sur on le peut plan s'il vous plaît. Cette porte là aussi là. Deux après. Secondes, regarde. Grumpy plus. Comment dire? Plus. Alro, vous faites un grand tout droit et vous allez gérer la porte qui est en face, d'accord? Vous la wedgez direct, d'accord? La porte qui est sur le 1. Et moi je rentre avec. Sur le point 1 avec. Vieux, pardon. Ok. Ok, Alro, du coup t'as pas écouté quoi. Non, j'ai pas fait. Du moins j'ai pas compris. Non, t'as pas écouté. Non, j'ai pas compris. Non, t'as pas écouté. Normalement, quand on écoute. Mais je vois rien avec mon shit et donc, les visions oui, nocturnes, bah la carte, oui, on voit oui, rien, c'est flou là. Non, bah tu l'enlèves la NVG quand tu regardes le pad.
Ben non, moi je garde mon NVG moi. Voilà, allez vas-y, bon, deuxième. Voilà, D2 et D3 mon lieutenant, c'est une seule et même c'est un seul et même préfab. Ouais, j'ai bien compris. C'est pour ça D3 du coup, tu le joues avec une porte OK. Faites juste ce que je vous dis, ça va bien se passer les amis. Ça évitera de la frustration et l'énervement. Alro, s'il te plaît, deuxième porte là à gauche, du coup, pas celle-là. À gauche, tu fais un grand tout droit avec Grumpy, vieux Rockfort, tu me rejoins s'il te plaît. Ok. Celle-là, mon cher Alro. Oh, celle-là, celle que je suis en train de regarder, dans la direction de mon bras. Là, ici. Là, l'autre. L'autre. Bah, de toute façon, il y en a deux. Donc si tu restes devant une et que tu commences à sentir que c'est pas la bonne, c'est que c'est pas la bonne. Vas-y, attends, je me mets à gauche. Vas-y, poulet, elle est piquée pour toi. Quand vous voulez, les gars. Vas-y, Alro, quand tu veux, tu piques. J'ai rien à une heure. Je pique, j'ai rien. Ok, c'est verrouillé, c'est verrouillé. Je déverrouille. Doucement, je regarde, ouvre pas ta ligne. C'est verrouillé chez nous, c'est verrouillé chez nous. Oui, oui, t'inquiète, on a entendu la première fois, plaît. Vas-y quand tu veux, alors. Vas-y quand tu veux. Je pique. 1, 2, 3. Commence à regarder à droite. Tu peux me l'ouvrir si tu veux. Ça, c'est bon, je la pousse. Allez, faut jouer la porte qui est en face. Droite, c'est bon. Je suis devant la porte fermée. Ok, nickel. Bon, c'est pas du tout comme le plan, mais en. Il me semble avoir entendu un pack derrière. Okay, bien pris. Faut la wedger. Vas-y. Et là, je regarde en dessous. Ok, face à toi, il y a un mur à 2 mètres. Un mur en bois, donc meuf, on peut peut-être se faire tirer à travers. Il y a une fenêtre. Direct à 1 heure. Ensuite, on a un couloir qui part sur la droite avec une ouverture à nos 3 heures. Enfin, à nos 2 heures. Par rapport à. À midi. Ouais, ça pue la merde. La porte est ouverte. Meuf. Et donc, ça donne à l'intérieur de l'entrepôt, ça, non? Oui, oui. Ça pue pas la merde parce que j'ai visuel sur ce qu'il y a au fond à droite. Au fond à droite, le couloir. En fait, c'est race à droite. C'est juste meuf, en fait, à la porte qui est ouverte à 2 heures. En fait, là, en fait, okay. Tu peux rentrer à l'ro et te mettre main courante gauche s'il faut. Vas-y. Attends, il y avait une fenêtre, tu avais dit, ouais. Oui, oui, mais c'est une fenêtre comme là on a sur le préfab en fait. Okay. Du coup, elle peut être tenue depuis la porte ici en fait. Okay. Ça marche. Pour essayer d'avoir un vantage point, je pense, déjà, ce que tu peux faire, Grumpy, maintenant que tout a été seal, tu peux aller voir l'autre porte du coup, celle qui est pas sur le plan, celle que je vais mettre sur le plan maintenant. Ouais, elle va être à 3 heures. Ok, celle-là, là, à la limite, et aller voir ce qui se passe à l'intérieur pour nous dire si t'as un meilleur angle. Et après, je pense qu'on va aller surtout jouer la tower, d'accord? On va aller jouer la tower du coup sur le point. Ok, il y a un pack qui arrive dans votre pièce, enfin dans la pièce que je viens de désigner là. Où c'est que je viens de regarder? Dessine-le directement sur le plan, poulet. Ok. Là, on a une idée du truc. Il vient de rentrer. Je vois pas de pièce moi. De quelle pièce tu parles? L'office sur le plan? Attendez. Parce qu'en fait. Techniquement, il vient de rentrer. Quand on regarde dans de plan D3, là. En fait. Voilà. Techniquement. Quand on regarde de plan là. Sur D2, D3, il manque le mur. Ouais, qui nous, le mur avec la porte en fait. C'est ça qui est pas dessiné. C'est ça. En fait, c'est comme ça à l'intérieur. Ah, bien voilà, pris, exactement, bien pris, exactement. Et en fait, la porte que je vais ouvrir, que je vois ouverte, c'est le mec qui vient de rentrer dedans là. Et il est tout seul, armé? Affirmatif, armé, ouais. Bon, on peut le prélever du coup? Affirmatif, vous pouvez. Ok, moi, bah vas-y, bah, viens avec nous alors. Ou sinon je pouvais rester là et vous guider. Eh oui, c'est mieux que tu restes là-bas et que tu gardes le visuel. Ouais, affi. Tu nous dis si le mec se barre ou quoi. Ok, affi. Bien pris. Du coup. Vous avez des grenades encore là, mon lieutenant, ou pas? Attends, 2 secondes, poulet. Justement, quelqu'un a des grenades pour les balancer en rebond? Moi j'en ai, mais je suis le shield. Ouais, mais c'est pas très grave ça. Est-ce qu'une grenade rebond, elle sera bonne, Grumpy? Affirmative, s'il est rentré dedans, oui. Et il est dedans? Mais attendez, là il est ressorti. Hein. Là il est face à moi, à 3 mètres de ma porte. Mais le problème c'est que une fois que ça c'est fait, on est dans un énorme hangar. Donc il là, peut pas vraiment être prélevé du coup. Si, s'il est dans votre pièce, il peut être prélevé oui, parce c'est que. C'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. Voilà. D'accord, ok. Et s'il est sur moi, on peut pas. Ok, ça roule. Ok, il rentre maintenant. Il est rentré maintenant. Doucement sur la com, les gars, putain. Non, sérieux, Alro. Juste, du coup, il est en face. Il est juste. Oui, c'est pas très grave. Ok. Je vais pas. De toute façon, j'allais pas le faire maintenant. Je vais pas le faire dans la fois d'après. Et je vais pas encore le faire la fois d'après. Donc, je vais pas le faire. On va attendre qu'il revienne tranquillement. Et on va décider de comment est-ce qu'on le gère. Donc, du coup, s'il y a une grenade rebond qui part, ça le proc, tu penses? Affirmatif, mais faut que le pack, s'il l'envoie, faut qu'il soit à gauche de la porte. Donc, pas rebond.
Grenade rebond, ça veut dire à l'opposé. Oui. On en a parlé l'autre jour, poulet. Donc du coup, pas rebond, du coup. Pas rebond, non. Donc grenade directe, en fait. Donc ça veut dire que c'est pas Alro qui peut le faire, ok? T'as pas dégoupillé ta grenade? Mais non. Ok, parfait. Ok, bah mets-toi avec ton shield alors dans ce cas-là. Et on va la jouer plutôt à droite de la porte dans ce cas-là. Moi j'ai M320. C'était le M320 coup, flash? Ouais. Flash, ouais. Ah bon, j'ai la même poulet. Je vais faire la même chose, ok? Parce que Alro. Si on fait une grenade face midi, j'ai pas envie, si tu veux, Grumpy, de faire midi, un mur. Oui, d'accord, mais quand il y a deux mètres, il a dit qu'il y avait, un mur à 2 mètres. Ouais, 2-3 mètres de vous. Il y a un mur. En fait, comme sur le plan, en fait, si tu regardes vous regardez le plan, mon lieutenant, c'est vraiment. En fait, c'est vraiment. Un petit couloir, quoi. Ouais, c'est vraiment. Ouais, un petit couloir de merde. Tac. Et en fait, ça fait que vous avez. Attendez, je suis en train de le dessiner. Pourquoi ça veut pas, cette merde? En fait, là, vous avez un. Vous avez. Ok, vraiment, mais t'inquiète, ouais, je vois poulet. T'inquiète. Mur, quoi. Ça marche. Et lui, en fait, il doit être au point rouge quand il rentre, en fait. Il reste pas longtemps, en fait. Bah dans ce cas-là, pique la porte en restant à droite de la porte, Alro, avec ton shield. Pour le moment, tu décales, jusqu'à ce que t'aies un angle où tu sois favorable. T'enlèveras ton shield et tu enlèveras la... Attends, j'ai pas dit. On n'a pas parlé. J'ai jamais utilisé le mot wedge, poulet. Et en étant à droite de la porte, et une fois que t'as l'angle que tu penses, t'enlèves le shield et tu balances ta grenade. J'enlève le wedge. Tu peux rester à droite de la porte, du coup. Parce que le problème, c'est que si t'es déjà parti en anticipation d'enlever le wedge, j'ai pas terminé l'explication et il se passe ce qui s'est passé tout à l'heure, poulet. C'est juste ça. Je pique pour toi, frérot. Reste à droite de la porte. Tu vois? La preuve. Droite encore. Nickel. Ok. Je pique pour toi. Il va pas tarder à rentrer dans la pièce. Ok, parfait. Y a pas de piège sur notre porte? Négatif. Ok, je pique pour toi. Pas la peine de se décaler. Non. Rien. Bouge pas. J'ouvre pour toi. Et là, t'as pas besoin, tu balances la meilleure grenade que tu peux. Quand il te dira, Grumpy, tu balanceras une grenade rebond sur le mur du fond. Donc une grenade à 1 heure, quoi. Ok. Je me recule juste un petit chouïa. Ouais, tranquille. Y'a le time. Je peux commencer à prendre la grenade à la main ou pas? Vas-y, si tu veux. Je garde ton épaule. Oh. J'allais dire, en limite, tu peux te mettre main courante gauche, il aura pas la visuelle sur toi, hein, et l'envoyer face midi. Non, négatif, il y a un distributeur qui le bloque. Ok, reçu. Bah, attends, de quoi tu parles? Parce que là, j'ai pas la... Il parlait à l'intérieur à gauche. Oui, j'ai compris. À l'intérieur à gauche, ouais. Bah, vas-y. Vous écoute. Avez, je crois. Vas-y. Fais gaffe. Entendu plutôt. Vas-y. Il recule. Oula. Ouais, bon. Ok, c'est la merde, c'est la merde absolue. Ouais, non, c'est... Il faut remettre le wedge. Ok, ça marche. Ouais, mais c'est pas le dégoupillage qui fait. On parle de grenade rebond, poulet. Tu prends une ligne directe sur la ligne directe qu'on voulait pas prendre. Autrement, on l'aurait fait sur l'ouverture de la porte. Tu vois ce que je veux dire? Et au tout début, mais on avait dit pas de grenade de rebond, finalement. Comment ça, on a dit pas de grenade rebond? Ben, Grumpy nous avait dit non, pas de grenade rebond. Oui, mais d'accord, mais je te dis, tu te mets à droite de la porte. Tu vas faire une grenade en face à 1 heure, poulet. Donc j'ai bien parlé d'une grenade rebond, ce qui veut pas vraiment dire qu'il y aura pas de ligne directe sur la personne. C'est le principe même du rebond. Ouais, bon, j'ai... Après, Grumpy a dit, mets-toi main courante à gauche de la porte, et j'ai dit, non, le distributeur, il bloque. Bah oui, le problème, c'est que je vais pas redire une troisième fois ce que je disais tout à l'heure. C'est ça qui crée la frustration dans le sang de ma voix. C'est juste d'essayer d'avoir des informations contradictoires et de partir dans tous les sens. On écoute, on y va, on let's go, et comme on l'a fait depuis le début, quoi. Ça évitera les frustrations pour rien du tout, en fait. Allons voir, Grumpy, comment tu veux le jouer, du coup? Bah là, on peut pas le jouer par ici. Il est parti? Ok, que... ça marche. C'est qui est parti? Enfin, il est parti, toi. Il est parti, le bonhomme, le Pax. Ah oui, ok, j'ai eu peur. Ok, le Pax est parti, là il est retranché à gauche de ma porte. Ok, nickel, bon bah on désengage dans ce cas. On peut pas. Mais là, si on joue ici, on est mort. Vraiment, on se fait allumer, okay, on marche. A plein d'actes. Du let's coup, go. Mieux on joue la tower. La porte. Ouais, la tower. Ouais, c'est ça. En avant. Dommage.
Une prison? Non, non, c'est pas une prison, c'est un vieux dock. C'est un vieux dock. Putain, merde, je suis en train de me perdre. Ok, je vais me mettre face à la fenêtre là, celle qui est en bas de la tour. Vas-y, vas-y, ferme. Je peux checker aussi sous cette porte, c'est vrai qu'on n'a pas, regardé. Vas-y, c'est gratos. Il y a une arme derrière en plus. Ok, ouais, je. Ouais, non, non. Laisse tomber, ok, ça marche. Je suis face à la fenêtre, je vois rien. Viens, Roquefort, commence à checker à l'intérieur de la fenêtre avec. Si tu vois quelque chose. Derrière, on désengage là et on va jouer justement la tower. Grumpy, tu peux passer derrière. Viens, Roquefort, tu peux passer derrière. Le problème que je viens de me rendre compte du coup, c'est que c'est en prenant la tower, c'est qu'en fait, on va arriver. Au-dessus des docks là de la. Ouais, y a un escalier à gauche. On risque de se faire jouer par en dessous, par ouais, le dock. Ok, ça marche, mais vaut mieux prendre le vantage point, je pense. Oui, c'est sûr. Ok, je check en dessous. Ok, on n'a pas de piège à la porte. Passe midi, j'ai des cartons que tu dois voir à droit à la fenêtre. Du coup, j'ai pas de visuel sur ce qui se passe au fond de la pièce. Affirmatif, je vois. J'ai un escalier montant sur la gauche qu'on a vu à la fenêtre. Et j'ai un angle mort sur ma droite, donc je vois pas ce qu'il y a au fond à droite de la pièce. Donc là, je vois limite. Pas grand chose non plus, ouais. Ouais, mef, on peut pique et push attendre. Porte lock. Et attendre un peu. Ok, ouais, ça marche. Et limite, je prends la ligne moi sur les escaliers pour voir s'il y a un pack qui arrive. Okay. Sans trop me dévoiler. Bien pris. Bah vas-y, tu peux pique la porte du coup, Alro. 3, 2, 1, je pique. Ok, y a pas de piège? Non, négatif. Je vois rien. Tu peux pousser un peu la porte, frérot. Ok, j'ai visuel sur le haut des escas là. Attention, on balance des sommations à l'intérieur, vas-y. Je vais ouvrir la porte en passant derrière toi, Alro. 3, 2, 1, je la push. Ok, je check le contact à droite. Rien, contact à droite. Je fais mes courants de droite. Non. Non. On a dit qu'on restait là pendant 2 secondes, poulet. Ah, d'accord. Vas-y, je prends les escaliers. Il y a derrière le pilier. Ouais, c'est bon, tu l'as? Ok, je vais suivre Alro du coup. Alro, bah tu vas faire. Ouais, tu fais un grand tout droit, pas la peine de regarder ce qui se passe derrière la porte au final. Tu ouvres des angles qui servent pas à grand chose. Tu fais main courante à gauche sur le. Derrière le pilier au final. Main courante à gauche pour aller derrière le pilier qui est face midi. Main courante à gauche, gauche, là tu vas faire une main courante à droite du coup sur le pilier. Ouais, ok, let's go. Moi j'ai les. Sur les cartons du fond là, fait sur les grosses boîtes là, je vois pas ce qu'il y a derrière. Vas-y, continue. T'arrêtes pas, y'a rien. Nickel, je suis avec toi. T'es un monstre. Tu peux te mettre dans les escaliers, les gars, vous pouvez rentrer, on y va doucement. Ok, Quelqu'un suit Alro, les gars? Tu fermes la porte derrière. Ok, on peut mouvoir par dessus. Hein. C'est des escaliers en Kogimasu. Ah oui, oh là là, c'est une horreur ça. Ok, bon, on y va doucement. Ok, Alro, mets-toi main courante. Fais main courante à gauche, ouais. Ouais. Et nous, au-dessus, y'a quoi quand tu vas ouvrir, fais gaffe. Au-dessus d'Alro, y'a quoi? Genre juste au-dessus de nous là. Un étage, ouais. Avec des escaliers qui montent en haut de la tour. Ok, bah, on y va doucement. Grillagé, donc on peut être vu à travers les escaliers en fait. On y va doucement. J'ai le pack qui est tout en haut. On y va doucement, let's go. Reçu. Doucement, genre vraiment doucement, ça veut dire parfois tu t'arrêtes. Fermée devant moi, face midi. Vieux Roquefort, on y va doucement, vas-y. Hein. Tu peux répéter Alro, j'ai pas entendu. Il a dit une porte fermée, face midi. Ouais. Ok, désolé. Porte fermée. T'inquiète. Je regarde à droite. Ok, je prends dessus là. Je vois les escaliers qui montent là. Je vois rien dedans. Gardez les désignateurs qu'on regarde pas tous au même endroit. Ok. Quelques secondes de la porte. Il faut la wedge la porte, les poulets. Ok, je vais la wedger. Non, tu la wedge, d'accord, vas-y. Vieux, si t'étais parti pour. Vas-y. Je crois que j'en ai plus. Ok, bah barrez-vous alors, la regardez pas. C'est je bon. Vois rien au des escaliers, je vois rien dans les la escaliers. Regardez pas, c'est bon. Affi, moi non plus, je vois rien. Allez, verrouillez, let's go. Mef, là, il y a le. Ouais, je regarde en haut. On est pas trop mal. Alro, vu la couverture, prends ton arme, frérot. Parce que ça monte tellement dans l'angle que de toute façon. Mais faut fenêtre, hein. Ouais.
ton arme sera plus utile que le shield quand on monte comme ça. Chemlight. Balancer du chemlight tous les 3 mètres là. J'arrive en haut, je reprends le shield. L'affirmative. J'ai l'ouverture en haut là, aussi là où. Ok, quelqu'un la prend. Ouais, okay, j'ai essayé. Vas-y, vas-y, je prends vieux. Je bloque, c'est bon. Vas-y. Ok, il y a une porte fermée. Je vois rien dans la pièce centrale. Je fais gaffe à la fenêtre sur la gauche là. Il y a une rambarde à l'extérieur, je vois rien aux fenêtres. Ok. On va gueuler les gars, let's go. LSPD. Ok, on peut continuer doucement. Non, j'entends pas mon arme, peut-être je vois que dalle. Non, c'est bon, c'est Ross. Ok, je vois rien, il y a rien à l'intérieur. Hein. Je suis bien la porte, extérieure là. Let's take out. Vas-y, on allez, Wedge. Camlight out. Ok. Ok. En gros, la porte elle donne sur le balcon là. C'est ça. Dropping the light. Ok. Toutes les fenêtres là qui sont à l'extérieur, j'ai rien vu. Hein. Okay, non, vous voulez la gérer comment? Ok, vous voulez la gérer comment du coup? Bah là, déjà sur les fenêtres à l'extérieur, je vois rien donc. Ok, bien pris. Là, techniquement, ça on peut la jouer parce que s'il y avait eu quelqu'un, on se serait fait tirer dessus depuis bien pris. Tant qu'en fait, on rentre pas dans le warehouse. Attends, lequel? Ah oui, d'accord, ok, celle de l'XT là? Ok. Je unwedge. Il n'y a pas de piège. T'as regardé? Oui, affirmatif, j'ai regardé. Ok, je mets un light stick. Je prends le bac au cas où. Bon, normalement, il n'y a pas besoin, mais bon. Let's go, quand tu veux mon poulet. Je regarderai à gauche. Ok, vas-y. Et à droite, y'a rien, effectivement. Je regarderai à gauche, Je continue ma courante à droite. Let's go. Continue à droite, rien, je fais le grand tour sans m'arrêter. Ouais, rien, droite, c'est une tour, c'est vraiment une tour. Y'a rien à droite, hein, c'est moi en face de vous. J'arrive sur toi, ouais, j'arrive sur toi. Ok, nickel, impeccable. Donc du coup, on a aucune visibilité sur... attention quand même, il y a des meufs, il y a des lucarnes un peu sur le toit là. Sinon, ouais, on a aucun... Bon. Ça tire ! Ok. Regardez ma caméra, please, ne bougez pas. Regardez ma cam. Là. Oui. Cette merde là. Oui. J'ai failli die par là, d'accord ? Donc faites gaffe, il y a des lucarnes et il y a des trous quand même et ça tire de l'intérieur. On a encore du pack s'armé à l'intérieur, ok ? Donc on redescend. Vite, à l'intérieur de la tour là. Ouais, on redescend et on va à l'autre. À l'autre porte. En avant. Ok, alors je te laisse passer. Tu me bloques. Bon. Ouais, excuse-moi. Merci. Ça vient. La porte était au premier étage là, ouais. Ouais, porte wedge. Ouais, c'est quoi ça? Ok, bref. Ok, donc c'est bon pour les ici. Ok, je vais aller checker en dessous. Je suis dans la porte qui est wedge. Ouais, je suis derrière. Balance du cialume là. Chem light out. Ok. Pour moi. Dropping the light. Ok. Alors, face à nous, on arrive dans des bureaux. Bien pris. On a un escalier descendant à nos 1h. À 3 mètres de la porte. Donc, en fait, c'est vraiment une zone très restreinte. Face à nous, on a un bureau avec une sorte de rideau qui bloque devant, donc je vois pas ce qui se passe au fond, mais d'après ce que je vois en dessous, c'est il y a plusieurs bureaux dans la longueur. En fait, on a un escalier du coup descendant sur à nos 1h à 3 mètres, et face à ces escaliers descendants, il y a une porte fermée pareil à 1h, cette fois-ci à 5 mètres derrière l'escalier. Attends, il y a donc, une porte dans l'office, putain, leur plan est pourri quoi. Ouais, attends, si je peux dessiner. Attends, ouais, voilà, bah on voit l'escalier. Juste derrière l'escalier, il y a une porte. Voilà, ici. Et je sais pas ce qui se passe au fond. Attendez, ouais, voilà, Nick. Ça ? Ouais, c'est ça. Il y a une porte. Et face à nous,
Du coup, il y a un bureau là face à la porte et je vois pas l'ouverture qu'il y a sur le plan. J'ai regardé. Genre tu la vois pas, il y en a pas ou tu peux pas la voir? Je ne peux pas la voir. Okay. J'ai une fenêtre par contre qui est direct en fait à 2 mètres devant la après la porte sur la gauche. Donc meuf à la fenêtre. Mais j'ai pas l'ouverture par contre qui est donnée. Donc ça se trouve, est-ce que la fenêtre c'est l'ouverture sur le plan? Je sais pas du tout. Ok, bien pris. C'est une fenêtre grillagée, hein, comme on a vu dans les préfab. Hein. Ok. Mais on peut quand même se faire tirer à travers. Voilà. Donc meuf, on peut pick, push, attendre. Là, et à faire des injonctions, attendre. Je suis d'accord avec ça. En avant. Nickel. Ok, je un wedge. Faites des contrôles PAM, les poulets. Là, le danger, c'est l'escalier. Ouais, du donc coup, face à une heure. Vous êtes parfait. Ouais. Moi, je me recule. J'essaye de prendre en ligne la porte qui peut être ouverte, du coup, aussi à une heure. Et vieux Rockfort, il faudrait que tu te mettes derrière à droite, du coup, de Halro pour avoir la ligne au plus loin, si c'est possible. Et ensuite. Voilà, du coup, Alro, tu piques et tu quand tu veux, tu piques. Juste pique. Ouais, je pique. Ok. J'ai visuel. Visuel okay, sur la porte, sur les escaliers, autant pour moi. Moi, j'ai visuel sur la porte. Sur le début des escaliers aussi, ouais. Ok, je crie. Show me hand now. Ok, écho son à 9h. Hands ouais. Up, don't move. T'es reçu. Ok, j'ai visuel sur les escaliers. Et du coup, sur la porte. Tu peux pousser un peu la porte, Alro. À 3h, y'a rien, on est d'accord? Affirmatif. Y'a juste un distributeur. Je vois la porte fermée à 1h. Ouais, j'ai visuel dessus, j'ai mon laser, normalement tu le vois. Ouais, je le vois, ouais. Ok, reçu. Et Rockfort, toi, est-ce que t'arrives à voir dans la longueur? Ah, je vais pousser la porte à la limite, Alro. Ouais. Ok, on bouge non, pas les gars. On n'est pas naïf. Je pousse la porte, Alro. Faut que tu te décales légèrement à droite, frérot. Oh, ok, la porte va s'ouvrir dans 3, 2, 1. Top. Je vois la fenêtre. Ouais, à midi, on voit rien parce que il y a les bureaux. Ouais. Ok, fait. Vieux, tu peux te laisser prendre la porte en joue? La porte à 1h? Ouais. Ok, je recule un peu. J'ai. Ok. Là, meuf à la fenêtre, hein, du coup, Alro, quand ouais. Tu passeras la porte, elle est vraiment. Tu peux commencer à avancer tranquillement, Alro, et regarder à 11h de la porte. Ah, je regarde pas à droite. Ou c'est une fenêtre, mais quand on décale, on a l'impression. Il y a une. Enfin, j'ai l'impression que c'est une ouverture, mais. Meuf, vous pouvez regarder mon lieutenant. Quoi, où? Au fond à gauche. Ouais. Je sais pas si c'est une ouverture ou une fenêtre. Ah, je peux pas voir. C'est que tu vises avec ton laser, là, c'est ça? Ouais, affirmatif. Ouais. Au fond, à côté de la porte, à côté de la porte, à 1m50 de la porte, il y a une fenêtre, oui. Oui, non, mais face après, midi. Encore, si on longe le mur de gauche... Attends, je vais essayer de voir avec toi, attends. Je vois pas, moi. Mais on s'en fout, de toute façon. Alro, regarde face 11h, s'il te plaît, va dans le prolongement de la porte, face 11h. Pour toi, c'est une porte, vieux. Okay. Face 11h, là, il y a une fenêtre. Une fenêtre à directement le... Le mur directement sur ma gauche, okay, là, cool. Avec une fenêtre. Mets-toi debout dans le prolongement de la porte. Donc tu fais 60 cm de bond en avant. Fais gaffe à ta gauche, du coup, et dis-nous ce qui se passe à 9h. Je l'enchaîne derrière, les gars. Je vais derrière mettre la en porte, face. Y a rien. Attends, okay, je vais. Attends, fenêtre, attends, Alro. J'attends. Je vais passer derrière lui et je vais mettre. Parce que autrement, tu meurs là s'il y a un mec qui monte dans l'escalier, du coup, parce que les autres peuvent pas prendre la ligne. Du coup, je vais passer derrière lui, les gars, pendant qu'il va ouvrir sa ligne à ses 9h. Au niveau de la fenêtre qu'il va aller remplacer, je vais aller mettre en face de l'escalier, du coup. Ok. Juste pour info, je pense qu'il y a une porte ouverte à 11h. Hein. Attends. Écho sur 9h. Bien pris, ça peut arriver. On bouge pas. Ok, Alro, regarde ce qui se passe par la fenêtre. Va mettre ta tête, va leur faire coucou à 9h à gauche. On a toutes les lignes de toute façon. Et derrière la fenêtre là, donc. Voilà, exactement. Ok, désengage. Ça me tire dessus. Ouais. Stop, on est bon. Police, hands up. Ça vient vers nous. Attention à la fenêtre, la porte à 11h comme il le disait. Donc dans le prolongement du bureau.
Mais je crois pas que c'est une porte à 11h, ça m'a l'air d'être une fenêtre aussi. Hein. C'est le même encadrement que la fenêtre, c'est le même encadrement que la fenêtre à ma gauche. Bien vu, bien vu, carrément, t'es un monstre. Non, c'est bon, regarde pas à droite, poulet. Y'a vraiment rien à regarder à droite. Ouais, là, Rose. Ouais, bouge pas, poulet, parce que sinon je pouvais plus viser. Merci la porte. Merci Talula pour les 60 mois. Merci Slayer pour les 5 euros. Okay. Je suis un fils de pute de pas avoir dit merci, je suis désolé. Vas-y, je me baisse comme ça que je peux. Ouais, nickel. Mais j'ai du mal là, parce que je suis avec un Marseillais, il écoute rien, ce fils de pute là. Ah merde, je suis pas buté. Le mec de Nantes aussi, ferme ta gueule, mec, on peut rien te dire. L'autre, on lui dit gaga là. Fils de pute là. Bah ouais, mais tu sais pas. Mec, courage à gauche du pilier. Moi, je vois un pilier devant moi, je me mets à gauche du pilier. Non, j'ai dit main courante à gauche, fils de pute. Ben oui, main courante à gauche du pilier. Donc si le pilier il est devant moi, je fais une main courante sur la gauche du pilier. Bah non. Pour moi, ça veut dire ça. Bah oui, mais pour toi. Mais oui, mais y a pas de définition adaptable à géométrie variable, putain de fils de pute. Voilà, ben y a voilà, une définition. Deux raisons, voilà. Non, ferme ta gueule, toi, Grumpy, là. Tu vas nous faire chier, là. Non, je suis désolé. Le pilier était en face de toi. Passer à gauche du pilier et main courante à gauche du pilier, c'est deux choses différentes. Allez, c'est parti pour 39 minutes, allez. Je t'ai dit main courante à gauche du pilier, fils de pute, ou je t'ai dit à gauche du pilier? Main courante à gauche du pilier, oui, mais. Oui, d'accord, ok, mais tu peux juste te dire, voilà, tu peux juste te dire, je n'ai pas compris, j'ai fait une erreur. C'est ok, t'inquiète. C'est quoi le mot? C'est. On va dire, putain, c'est quoi déjà ce mot là? Le français. Ni blanc ni noir, tu vois, genre c'est. Michael Jackson. Non, pardon, rien à voir. Bon, bref. Vas-y, on s'en fout. Ouais. Ok, Alro, est-ce que si tu t'accroupis, est-ce que depuis la fenêtre ils peuvent te tirer dessus? Bah oui, c'est là qui. Je peux essayer. Parce que là, on peut pas rester là, rien faire. Vas-y, carrément. Mais t'as quoi, toi, à faire là? J'aimerais bien rentrer en vie chez moi, mon lieutenant. Ouais, ça tire. Oh, okay, désengage, tu l'as. Non, remets-toi debout. Je pense que cette pièce, va falloir qu'on oublie. Hein. Ok, bon. Et Grumpy, désengage. Va jouer la porte, s'il te plaît. La première porte à droite. S'il tire de là, si ça se trouve, t'as un visuel sur lui. Est-ce que tu peux avoir un visuel sur lui, tu penses, non? Si je décroche. Oh, excuse-moi. Si tu décroches et que tu sors de la tour, tu fais main courante à droite, tu vas tomber sur une porte. Ouais. Normalement, visiblement, c'est de là d'où il tire, en face de tout, face midi de cette porte-là. Affirmatif. Ok, bah vas-y, dégage. Faudrait qu'ils y aillent à deux, non? Non. Okay. Tu vois ça là? J'ai visuel. Alro. Sur la fenêtre. Vous l'envoyez à la mort. Vous l'envoyez à la mort. Il va regarder en dessous. Mon lieutenant, s'il vous plaît. Il y a un Pax qui est en train de prendre. Il y a une prise d'otage là. En fait, celui qui vous tire dessus à la fenêtre, il a un otage dans les mains. LSPD, bien j'ai pris. Visuel de là où je suis, j'ai visuel sur votre fenêtre. Ok, gros, juste un truc, Grumpy. Juste, je me permets de te couper, c'est extrêmement important. Là, à l'heure actuelle, est-ce que tu te serais senti mieux s'il y avait quelqu'un qui était avec toi pour regarder en dessous d'une porte? Affirmatif. Non, fils de pute. Ça aurait servi à rien. Alro, laisse-moi être le cerveau de l'opération, ok? Ça te dérange pas. Hein, fils de pute, va. Ok, non, Grumpy, du coup, la question c'est, est-ce que tu veux le mec qui est en train de tenir un gars là, en joue fait, tu veux qu'on le joue de ton côté ou pas? Qu'on le joue ouais, de mon côté. Ok, là. Très bien, parfait. On désengage, on ferme la porte, on y va. Le problème, de, en fait, c'est que là, il a visuel sur vous, que vous fassiez, okay, vous allez vous bien faire pris, on arrive. Mais voilà. De mon côté, en fait, le problème, c'est que on a plusieurs ouvertures. Ok. Bon, là, c'est ça le problème. Il me claque la porte au nez. Ok, il vous a entendu arriver comme des bœufs, du coup maintenant il est face, c'est il vise la porte. Arrête. Hey, okay. Règle numéro 1, 2 et 12. De l'ISTC, fils de pute. Il y en a que 4. Merci. Ok, du coup, mon lieutenant, je répète. Le Pax tient un otage à nos 2 heures de la porte. Bien pris. À nos 2 heures. Combien de mètres? Il est 2 heures, il est à 5 mètres. 5 mètres de... à 2 heures. On a direct, quand on ouvre la porte, face à nous, midi, on a des containers. Mais j'ai pas visuel du coup de ce qui se passe derrière ces containers. Mais meuf, il y a une ouverture sur la gauche. Gauche, 9 heures?
Gauche. 10h. 10h, il y a un couloir entre deux caisses où un PAX peut arriver. Ok. Donc, mais fais ça. Ok, très bien. On a un escalier montant direct à nos 1h. Collé direct en fait à la. Dès que j'ouvre la porte à droite, on peut aller sur un escalier montant okay, qui donne doit du coup sur où on était. Oui. Voilà. Ok, très on bien. On a une porte ouverte à 3h. Oh la vache. Ouais, c'est pour ça que j'ai dit, il y a plusieurs angles. Là, le PAX, en fait, si on a du stuff, on peut le jouer. Mais en fait, faut juste le jouer lui, et après, on repart oui, d'ici. Oui, non, mais ça, ok, d'accord, ça marche. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Alro, à droite de la porte. Ah, Grumpy, à droite de la porte. Ici, d'accord. Ce qui va se passer, du coup, Vieux Roquefort et moi, on va se mettre... Les gars, deux secondes. Vieux Roquefort et moi, on va se mettre sur l'épaule à gauche, du coup. Ça veut dire que Alro, tu ouvres la porte. Exactement ce que tu as fait tout à l'heure en restant à droite de la porte. Parce que quand tu vas pousser la porte, du coup, s'il est vraiment à 2h et qu'il bouge pas à 2h, dans le prolongement de la porte face midi, il va pas te voir. Donc tu balances une bonne grosse grenade dans sa gueule à 5 mètres, comme il l'a dit. Prolongement de la porte face midi. D'une porte qui se sera ouverte, bien évidemment. Est-ce que c'est bon? Alro, le problème d'Alro, c'est que là, quand on ouvre la porte, face à lui, à Alro, il y a une ouverture. Oui, bah, c'est pour ça qu'on est deux au-dessus de ton épaule à gauche. Reçu. Non? Comme vous voulez. Si. Ok, d'accord, ok, ça marche. Donc, pour le moment, on pique, on ouvre la porte et on voit ce qui se passe. Reçu. John Wedge. Alro, tu bougeras pas. Quand tu veux, tu piques. 3, 2, 1, je pique. Ok, tranquille. Ici, okay, c'est bon, mais c'est juste après, là, dans le prolongement de ce truc-là que je vise, qui a une ouverture. Ok, il faut que tu la pousses, la porte, Alro, mais vraiment doucement, que l'autre, ça le trigger pas, quoi. J'essaie de faire au minimum. Ok, maintenant, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu balances une grenade par-dessus la porte, au final, si elle bouge pas de maintenant. Moi, je vais ouvrir un peu ma ligne pour pas que tu sois exposé. Tu peux faire un rebond à gauche, non? Bah, il peut faire un rebond face midi dans les... Ça passera pas, ça passera pas. Ok. Parce qu'il est vraiment ici. Ok. Ok, Alro, faut que tu passes à gauche de la porte du coup. Attends. Vas-y, fais un crabe, passe à gauche de la porte, balance une grenade par-dessus la porte, frérot. Si ça tire pas, on est bon. Allez. Et prends ton temps. Ok, je peux la faire rebondir sur un conteneur en plus, je pense. Ouais, bah comme tu veux. Ah bah oui, j'ai un conteneur juste là. Non, elle est bonne. Ok, ça approche. Ok, tu peux regarder ce qui se passe dans le prolongement de la porte à droite, Alro, s'il te plaît. Nous, on regarde à ta gauche, t'inquiète. Fais des injonctions. À gauche, reviens, Alro. Reviens. Regarde à 11h, regarde à 11h, il décale l'autre. Il s'est rendu, c'est bon, il s'est rendu. Je suis dans le gaz. Ah oui, c'est bon, c'est rien dit. On est bien. Alro, baisse-toi, mon frérot. Pour eux. Ok, je fais venir le premier bien, PAX. Bien pris. On est bon sur les lasers. Je me décale à gauche. Bien sûr. Alro, tu sais quoi? Alro, oui. Prends ton arme, frérot. Prends ton arme, c'est bon. Allez, faites-le venir. Quelqu'un là? Ouais, il se barre là. Ok, c'est bon. Tranquille. Il y a quelqu'un qui tient. Ok. Bouge pas, Alro, tu me bloques, s'il te plaît. Je vais ouvrir la porte, les gars. Faites gaffe, soyez pas naïfs. Qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, il va venir. Il y a un mec peut-être toujours dans le prolongement à droite derrière la porte. Vous l'entendez? C'était un mec avec un gilet jaune. Oui, ça c'était l'otage. Derrière, il y avait un mec comme lui, masqué, qui le tenait en joue. Vous l'avez lui? Négatif. Je prends le paquet. Ok, je suis un contrôle pas. Porte wedgé, okay. C'est bon, porte wedgé, c'est bon, on est bon. Il peut dégager, on le fait bouger. Faites un contrôle PAM, tranquille, c'était propre hein, quand même. Ouais. Bah c'était propre, y'a un mec qui a décalé à 9h, bah on prend les lignes. Par rapport à la situation et par rapport à la zone, oui c'était propre. Est-ce que lui, ouais, c'est le preneur d'otage? Bah, il est habillé pareil. Il était juste à côté de lui. Ils sont tous habillés pareil, frérot. Ok. C'est ça le problème. Let's donc go. Je sais pas si c'est lui. Tu peux remettre un coup de miroir. Stop. Oui, c'est ouais, ce que je peux faire. Effectivement. Ok, l'otage est tout seul dorénavant. Du coup, je sais pas si c'est le même qu'on a. Moi, j'ai vu si deux gars. Il y a deux gars. Hein. Ouais, bah. Il y a les deux que vous avez vus, mon lieutenant. Est-ce qu'ils étaient habillés pareil? Ouais, complètement. Celui qui a décalé à 11h à gauche, moi, j'ai pas vu l'otage au final. Enfin, le preneur d'otage.
L'otage ou le preneur d'otage? J'ai pas vu le preneur d'otage. J'ai pas vu le preneur d'otage. Je l'ai jamais vu, lui. Donc, là, c'était mais le vous preneur. Avez vu l'otage, techniquement. Oui, non, moi, négatif. Moi, oui, je l'ai vu, moi oui. Okay. Avec un gilet jaune, c'est ça? Enfin, une grosse veste c'est jaune. Ça, oui, oui, c'est ça. C'est ouais, moi oui. Je l'ai du vu. Coup, Mef, parce que le Pax qui prenait en otage est peut-être retranché dans la pièce à 3 heures. Mais après, stop, on désengage, on se casse, on retourne dans la tour. Au-dessus. Parce qu'on n'a pas envie de jouer cette porte avec des ouvertures face midi, face 9h, face 3h. On voit ce que ça donne. Alors, voilà. Là, c'est quand même plus simple à jouer. À part la fenêtre qui est dégueulasse, on est d'accord. Ok. Là, du coup, bah, ça a toujours pas changé à l'intérieur, messieurs. Vas-y. L'escalier, j'ai. Non, j'ai t'inquiète. Rien c'est plus. Juste pour savoir s'il y a du monde ou pas. Pique. Ok, jeune wedge. Gardez les NVG, qu'on ait le contrôle visuel de qui prend quoi. Je pique pour toi, Alro. Hop. Ok. Alro, je vais. Tu peux pusher un peu la porte. J'ai la porte 11h. Une heure, pardon. Moi, je prends l'ESCA. L'ESCA, y'a rien. Je vais ouvrir la porte en grand. Alro, regarde plutôt à 11h. 3, 2, 1, j'ouvre la porte en grand maintenant. Top. Ok. Là, le truc, là, le test, ça va être Alro, va falloir que tu exactement la même chose que tout à l'heure. Ouais, vas-y, vas-y. Et on, okay. Tu balances une injonction en avant. Ça retire, dégage frérot. Putain de sa mère la pute. Ouais, non mais là c'est compliqué. Après est-ce que je me dis, est-ce qu'on va pas tout au fond à droite là par où le Pax il y avait le petit préfab où on n'a pas eu le timing sur le mec, mais il y avait la porte où j'étais. En avant, on désengage. Alro, tu peux te barrer. Parce qu'on les a fait bouger vers ici, on peut essayer d'attaquer de l'autre côté du coup. Quelqu'un peut wedger, excusez-moi. Quelqu'un peut wedger les poulets? Quelqu'un a dû récupérer la mienne. Bah, non, t'as raison, Grump. Vas-y, prends le lead. Là, de toute façon, on a 4 ouvertures. Donc, on va checker les 4. Hein. On a celle-là, du coup, celle-là qu'on vient de faire. C'est et parfait. Les deux, si, on, là-bas. Si on fait des petits prélèvements comme ça, là, c'est top. Même si ça prend 3 heures, plus on va en enlever et plus ça ira. Ouais, ce sera plus safe pour nous. Ok, je vais checker le petit bureau là, le petit préfab. Juste pour voir s'il n'y a pas un pack, si c'est retranché dans la pièce justement. Ok, toujours la même situation, là la porte toujours ouverte, aucun visuel sur un pack. Ok, bien pris, vas-y. Du coup j'ai checké celle du fond. Va falloir bouger le pack si jamais on peut. Ah nickel. Tu fais vieux. Merde. Super. Ok. Là en fait techniquement cette entrée c'est la plus safe, mais en même temps ça pue quoi. Ça en fait Six, enfin mon lieutenant, pour vous expliquer, pour vous rappeler une opération qu'on a fait ultérieurement avec les serveurs où c'était un problème de serveur qui faisait un peu des ouais, un labyrinthe. Bon, ouais. Et ben là c'est la même chose avec des conteneurs et des cartons. Ok, bon, on peut adapter en fonction de. Étant donné que je vois pas, on peut faire exactement la même chose que tout à l'heure. On n'est pas bête. On peut très bien désengager à chaque fois, prendre des lignes. Et même oui, tout à ça. L'heure, quand c'est la merde, on arrive à faire des choses. Let's go, on ouvre en dry celle-là. C'est ça. Juste, Mef, à gauche, il y a une ouverture. Et en fait, si on arrive à clear et qu'on n'est pas attaqué, le mieux ce serait de partir sur la gauche en fait. Avec bien pris. Pour le moment, je suis pas sûr qu'on va rentrer. Le but du jeu, c'est d'essayer d'aller balancer de l'injonction à droite à gauche. Si ça se trouve, on va repartir sur la porte sur laquelle il y avait un problème. Tout à l'heure. Ok, celle que j'ai refermée instantanément, parce que si ça se trouve, on pourra au moins récupérer l'otage par exemple. Ok. Ok, je me mets ici, je prends les midis derrière le truc en bois là. Ok. Moi je suis derrière agro. Je unwedge. Y'a pas de wedge. Non, je viens de l'enlever, Ok, je check la porte, elle est unlock, je la pique. Y'a pas de piège? Non, négatif. Ok, et je l'ouvre en grand du coup. Attendez un peu quand même. Ok, vas-y. Elle est en métal, donc vas-y, joue dessus, Alro, effectivement. Contact à gauche, là, il y a des grosses palettes avec des planches de bois. Ouais, c'est ça, avec une ouverture. Je vois pas l'ouverture. Tu la vois pas encore. Pardon. T'inquiète. Je regarde, on a quand même ton face 11h. Ok, il y a vieux qui a l'ouverture, poulet, Alro. Ouais, face midi, je vois rien. Ok. On va gueuler, il y a un... Police, get down! Police, hands in the air! Hands up, do it now!
Ok, mais tu peux pas aller jouer Grumpy le préfabriqué, regardez ce qui se passe sous le préfabriqué. Vas-y l'autre. Mais, je verrai rien dans le préfabriqué parce qu'en fait du coup je verrai juste si le mec il est à l'intérieur du bureau quoi, c'est tout. Ouais je vois, ok. Parce que la mais porte, on peut, la porte par exemple, qu'il y a à nos 1h là, c'est ouais, la je porte le vois, ouais. du, c'est du préfab, ouais. préfabriqué, c'est ça, voilà, où le mec est rentré tout à l'heure. C'est la deuxième porte, ouais. C'est ouais. ça. Donc ça veut et dire que coup, tu peux aller la jouer celle-là et rentrer à oui, la... Celle-là, je peux rentrer dans le préf, c'est ça que je voulais dire, je peux rentrer là actuellement dans le préf. Vas-y go. Je rentre. Il y a des fenêtres en revanche, frérot. Oui, c'est ça. C'est le seul souci que j'ai. C'est ta fenêtre là à 9h. Quand tu vas ouvrir sur ta fenêtre à 9h, on sait pas ce qu'il y a. Ok, j'ouvre dessus tranquillement. Ok, c'est RAS pour moi. J'ai visuel sur vous. J'ai visuel sur l'allée. Là, le seul souci, c'est la porte en fait, qui est ouverte sur moi. En fait, il faudrait que j'arrive à la fermer. Ok, j'arrive visuel sur Apex. C'est plutôt à tes 10h du coup, le problème. Affirmatif, à nos 9h. Ouais, mais c'est celui-là. Donc fais gaffe, regarde plutôt face 11h, Alro. Ouais. T'es à mon poulet. La limite. Vieux, faudrait que tu décroches sur moi. Non, négatif. Alro, tu décroches. Alro, tu décroches. Laisse-nous avec la porte là. T'inquiète. Je la pique la porte. Vieux, va avec eux aussi, pareil. Et je reste tout seul ici, ok? Ok. Je joue juste là avec la porte. Et essayez de le jouer en direct l'autre là. C'est bon, ça arrive. Je suis derrière toi. Putain, c'est vous qui faites autant de ouais. bruit là. Oh la vache. Ah. On est bon. Hein. Alors, va falloir que tu fasses ton ouverture là. Voilà, nickel. Quand tu vas ouvrir, il va être au fond à tes midi. À peu près une quinzaine de mètres. Ok. Et je commence à décaler. Vas-y, tranquillement. Je suis sur ton épaule gauche, okay. Il est parti le Pax. Va à mes midi je vois rien là ouais, à mes midi je vois rien, je vois un chariot un élévateur. Criez les gars. Ok, va falloir qu'on avance Alro jusqu'à la porte poulet. Ok. On peut fermer la porte s'il faut. Si tu veux, je ok, je les entends et qu'au son encore. Je la ferme et je la push pour qu'en fait tu puisses être protégé. Voilà, nickel. À 3h, y'a rien, Six. Bah ouais. À mes 3h ? Ah nickel, ok, ouais. Impeccable. Ouais. Non, c'est important ça. Ok, okay pour l'instant. À mes midi, je vois une. C'est pas une silhouette à mes midi ça ? Non. Je vois pas, poulet. J'arrive pas à voir. Vieux, est-ce que t'arrives à. Si tu te mets sur son épaule gauche, t'as pris combien de pastis avant de venir à l'endroit ? Ah, j'ai cache. Je vois un truc chelou là. Oui, je sais que c'est horrible. Je pense que c'est la forme du. Ben, il est. Face à mes midi là en fait, t'as vu, y'a. Combien de mètres, poulet ? 10 mètres, vu le chariot élévateur là. Je vois une ombre. Bon, voilà, il y a cric. À gauche du chariot élévateur, il y a une caisse en bois. Ouais, je crois pas non plus, mais. Écossons à nos 3 heures. 3 heures ? Ouais, écossons à nos 3 heures. Donc toi, à tes midi 6. Ouais, t'inquiète. J'ai eu un écossons à mes 3 heures. Police, hands up. Ouais, c'est peut-être l'otage hein, qu'on entend. Hein. Et après ? Mais meuf, parce qu'on a plus visuel du coup le Pax qu'on avait à nos midi, nous, du coup à tes 9h, 6, 10h. Ouais, ouais, je sais, je regarde de temps en temps là. 9h même. LSPD, don't move. Là en fait. Ouais, c'est la merde. Ouais, c'est parce qu'on est ouvert de partout. Là en fait, il faudrait que vous arriviez à rentrer dans le petit coin qui est à gauche en fait de vous, mon lieutenant. Mais le problème, c'est que vous pouvez pas y aller tout seul en fait. Il faudrait qu'il y ait Alro avec vous. Il faudrait y aller main courante à gauche, là, oui, je vois, là. Je peux faire un pas chasser crabe, là. Non, tu t'exposes de trop, là. En vrai, si, il a raison. Tu vois ma caméra, Alro ? Affirmatif. Ok, tu vois ce que je suis en train de viser, là ? Négatif. Pas, non, pas je vois, non. Ce truc-là, là, c'est le... Ah oui, là, on voit avec noir, là. Le gros truc noir, là. Ouais, gros truc noir avec... C'est ça qu'il va falloir que tu vises en allant en crabe, ok ? Ouais. Ok, ouais, pour... Ah, oui, mais à droite, j'entends, ouais. J'entends des bruits de pas comme s'il était sur l'escalier en fer. C'est pas moi qui a marché, hein. Ah bah peut-être. Vas-y Alro, fais-le le mouvement en crabe, mais doucement, pour que tu puisses faire le mouvement inverse, hein. Anticipe le fait que tu vas te faire tirer dessus. En crabe face 11, face 1h plutôt, la poulet. Voilà, ouais, crabe, plutôt, voilà. Non. Et vas-y, plus à gauche là, fais un gros strafe gauche là. Gauche, full gauche. Voilà, super. Impeccable. Moi je vais pouvoir aller là du coup. Ok, déjà t'as pas été tiré dessus. C'est pas mal. Du coup, moi je vais passer derrière, je vais tenter. Ça a l'air d'être bon.
Ok, t'as vu où je me suis mis, Grumpy? Oui, oui, j'ai vu. Ah. Ouais, puis j'ai vu. Du coup, je reste vous, là pour vous. Ok, reçu. LSPD, hands up! J'ai un écho, okay, son... écho sur vous, mon lieutenant, ouais, sur ouais, vous. Mais au, loin, hein. Ouais, ouais, affirmatif, ouais. Hein, il doit être au fond des palettes, hein. Vraiment, c'est peut-être le pack qui nous a tiré dessus, c'est hein, qui sûr, s'est penché. Hein. En fait, limite, faudrait ouais. pouvoir jouer avec le lieutenant. En fait, ouais, ouais, c'est exactement ouais, ce qu'on ouais. va faire, je pense. Mais il faut qu'il y en ait un qui garde quand même le face midi, ce serait dommage de le perdre de là où vous êtes, là. Reçu. Moi, j'ai plus de stuff. Vieux crouton, il te reste du stuff? Ouais. Ok, bah, je vais garder les midis, va falloir que tu décroches avec le lieutenant et Alro. Allo, le gars? Oui, ouais. Ok, ok. Il y a le vieux qui arrive avec ah, vous. Ok, ok. Le vieux. Je vais à la porte. Le fameux. Le vieux crouton. Ok, je passe avec vous. Mon ouais, vas-y, 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 ouais. Et là, doucement, ma courante à droite, juste devant moi, au final. Ouais. Vas-y. Là, ça ouvre à tes 1h. Ouais. C'est là que peut être le danger. Vas-y, tu peux continuer à avancer doucement. Si tu regardes ma cam... Ouais, je vois. C'est là-bas le danger, je pense. Ok, stop. Je crie. Police, don't move. On rejoint. Vas-y, vas-y, ouais, carrément, vieux. Rejoint, hein, couteau, hein. Vas-y, vas-y, Alro, fais une main courante à droite, à la limite, fais des petits zigzags. Pour aller t'ouvrir là sur la partie, ouais, voilà, tu vois, à gauche. Ok, c'est au fond, en hauteur, à 1h. À 11h, visiblement, j'ai l'impression que ça vient au niveau des conteneurs blancs. Case blanche. Alro, avance de 1 mètre, colle-toi, s'il te plaît, regarde sur ma cam. Voilà, t'es bien, mon poulet. J'ai l'impression que c'est en hauteur. À nos 11h, ouais. Ça vient vers nous, hein. Face à moi, à nos 11h. Il est face à toi? Non, non, en parlant, t'entends. Face à moi, à nos 11h. J'ai une heure, moi. LSPD, don't move. J'ai l'impression que c'était à mes sur mes hauteurs. Grumpy, tu les vois? Ouais, tu vois mon laser, non? Moi, j'ai l'impression que c'est là-bas. Je suis en train de clignoter. Moi, ça venait de par là-bas, là. J'ai pas... Je vois pas de laser. Moi, j'ai vu que... Ah, là, je vois. J'ai visuel. Ok, visuel, bah, par là, ça venait, là. Ok. Bah, moi, plus à 11h, moi. Pour l'instant, bien pris. RAS. Hein. Moi, pour moi, il est dans la longe, dans votre prolongement à votre gauche. Oui, hein, oui, c'est possible, c'est possible. Ouais, ouais. Ok, laisse-moi ouvrir mon angle, Alro. Pourquoi il tire en haut? Mon lieutenant, vu les genres de gros... Les roomballers, là? Noirs, ouais, là, ouais, ouais, voilà. Ouais. Le premier roomballer, là, le... Ben, entre les deux premiers, il y a une petite ouverture. Absolument, il faut faire bien gaffe, pris. Là. Ouais, ouais. C'est là que je regardais aussi, ouais. I want you to get down slowly. J'ai l'impression qu'il est encore plus à 9h que ça, quoi. Vas-y, tu peux retenter, hein, mais doucement, en faisant... en étant prêt à désengager à chaque fois. J'attends marcher. Négatif, c'est nous derrière, je pense. Doucement, fais un strafe à droite. C'était oui, là que ça a tiré tout à l'heure. Il y a bien une ouverture entre les deux rouleaux, là. Stop, 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 bouge plus. Ouais, il est derrière cette merde, ouais, il est clairement ouais, derrière ouais, cette ouais, merde. Ouais, ouais, ouais. Il a clairement tiré là où t'as dit, là. Je mets un petit tir. C'est clairement là qu'il est, frérot. On a du stuff à lui balancer par-dessus ou quoi? Vieux, il a... Ouais, j'ai encore des grenades GMD, là. Ouais, bah, Alro, franchement, balance-lui une petite grenade, genre... Est-ce que tu vois mon laser? Là, là. Affirmatif. Ok, tu lui balances une petite grenade, ouais. Là, je pense que ça lui pète dans la gueule, là. Quand tu veux, okay. On a ta ligne, t'inquiète. Allez. Accroupis-toi 3, si 2. Tu peux. 3, 2, 1, je prends la grenade, j'en vois. Vas-y, vas-y. Au-dessus, là-bas. Elle est pas mal, celle-là. Elle est propre, hein. Bam. Merde, ça approche, je crois. Je pense que ça approche, hein, j'ai entendu gueuler. Hein. J'entends du coup ça aussi. Ok. Ah, il parle encore. Hein. C'est là qu'il est. Hein. Ok, alors tu peux continuer à avancer, à commencer à avancer du coup. Debout, accroupi. J'ai une heure. Ouais. Debout, ou debout. On n'est pas naïf, hein, y a pas que lui, hein. Ouais.
D'accord. Ça bouge de l'autre côté, non? Écho son pas. Bon, le mec est toujours au même endroit là. Je peux pas prendre des lignes. Vas-y, balance une. Allez, refais le mouvement. Rebalance une petite grenade là, un peu plus à gauche, au pire. Ouais, reste bien à droite, frérot. Elle est un peu basse, je pense. Fais la même, à la limite, contact à gauche contre. Ça tousse. Ouais, ça tousse. LSPD, contact à gauche. Ouais, tu sais que tu l'as fait rebond contre la paroi du mur, là, sur mon laser. Put your hands up. Oh, celle-là, je pense qu'il l'a pris en pleine gueule. Et là, il est mort. Moi, j'ouvre main courante à gauche. Ouais, main courante à gauche. Bah, commande Alro à la limite. Moi, je garde la ligne là. Dis à Alro de quoi faire. Alro passe sur la cam de vieux. Moi, je prends la petite ligne de fils d'up là. À droite, c'est bon. Tu es protégé. Okay. Tu peux un peu plus ouvrir. Il y a une ouverture encore une ouverture à 4 heures là. Effectivement. Ouais. Merci infiniment Max Vader pour les 48 mois, vous êtes des monstres les amis. Ça compte double, je suis pas sur Rainbow Six. 4-5 heures, je vois rien. Doucement, attends, vieux, fais gaffe, t'es pas des. Regardez, vous êtes pas. Reste protégé par Alro. Mais vas-y, ouais, tranquillement. Ah non, 1 heure, 2 heures, 3 heures, y'a rien. 4 heures, 5 heures, je vois rien aussi. Non, y'a rien à regarder à gauche, Alro, y'a rien à regarder à gauche. Regarde ma cam directement, c'est là, il faut juste que tu continues de continuer. Continue en crabe. Jusqu'au room valeur qui est sur mon écran. En faisant justement attention à ce que tu disais tout à l'heure là. Ouais. Doucement sur ton ouverture, t'es assez rapide là. Vieux, oh. Là si ça commence à te tirer dessus, il peut pas t'aider. Donc reste avec Je me fais bloquer par nickel. Des, ouais. Merci Black Moon, vous êtes des monstres, merci pour les 5 mois frérot. Ok, juste devant moi si tu regardes ma caméra, du coup tu vois quel est le problème Alro. D'accord. Du coup Grand P tu vois mon laser, non? Ouais, affirmatif. Hein. Ok. Grand P s'endort. Non, négatif. Du coup, à quelques 3 heures, j'ai une visu normalement. Ok. Alro, du coup, tu peux commencer à avancer, mais tu peux pas avancer. Tu vas avancer d'1m50, d'accord? Tu dépasses pas, du coup, la petite ouverture au niveau des rumbaleurs, justement. Ok. Regarde sur ma cam, tu comprendras. Voilà, c'est bon. Nickel, ok. Je prends, du coup, à vos 11 heures. Vieux Roquefort, tu continues de faire ce que tu fais et de regarder là où t'es en train de regarder, à savoir à tes 1h, 2h, 3h et surtout 1h, 2h du coup. Et Alro, tu peux regarder par le pic et regarder par le petit trou maintenant. LSPD, don't move. Regarde par le trou. Il doit être à 11h de ce trou là, ça se trouve. Derrière. À 11h là, je vois la petite pile de trucs blancs carrés là. Et à 11h, je vois rien parce que j'ai un autre rouleau là qui me cache la vue sur 11h. Okay, mais c'est sûr qu'il doit être derrière. Oui, bah vous continuez à faire main courante, vous commencez à faire main courante à gauche du coup. Il y a une ouverture autour. Attention, heures, vieux Roquefort quand même, baisse-toi s'il te plaît quand tu vas passer dans le trou là. Il y a une fente sur ta gauche, c'était là que ça a tiré, frérot. Ouais, on a notre ouverture à 3h là par contre, ouais. Et ouverture face midi là aussi, là, sur mes midi là, j'ai une grande ouverture là. Gueule à la limite, poulet. Si on va à gauche, si on va à gauche, faut qu'on y aille en speed quoi en fait. Ouais, bah non, y'a pas de speed, y'a pas de speed. Ouais. Pour moi, c'est. C'est le témoin, moi, pour moi. Il est toujours là-bas, l'autre. Ouais, le mec derrière les rumbaleurs encore, là. Eh, fais gaffe. Eh, si tu te retournes tout de suite à tes 9h, sur ton épaule gauche, à l'heure actuelle, vieux Roquefort, il y a aussi un trou. Si tu te mets sur la pointe des pieds, ça se trouve, tu le vois. Faut bien halt. Pas de visu. Ok, bah, faut enrouler derrière, du coup, Non, vous avez pas le choix, hein. Faut enrouler derrière Alro. Al plus haut, poulet. Là. Ok, j'ai pas. Eh bah, tu enroules derrière Alro. Et j'ai avec vous. Il faut faire gaffe à Mimiji là, ouais. Faut faire gaffe à Mimiji là aussi, ouais. Il est là, ce fils de pute. Get down, I wanna see hands. Grumpy, essaie de faire ce que tu peux, toi, en ouvrant sur ton côté droit, d'accord? Parce que là, c'est trop. C'est ce que j'essaie de faire, parce que là, je sais que je servais à rien et ça me soulève. Ouais. Il est clairement contact à gauche, les gars. Ouais, fais un face midi. Ce qui me fait peur, c'est mes 3 heures, moi. Oui, mais là, les 3 heures, je vais les prendre, frérot. Les 3 heures, je vais les prendre, d'accord? J'arrive sur vous, moi. De mon côté, j'ouvre tranquillement. Tu peux commencer à ouvrir ce qui se passe à 11h, Alro. Regardez, 11h. Bah, tu fais face au problème là.
Ouais, ouais. Ok, je vois le je vois l'arme du canon du mec. Ok, t'es sûr? Je peux pas lancer une grenade, je peux pas lancer une grenade. Non, non, négatif, je l'impacte, Ouais. Face à mes midi là. Ah, derrière si le truc blanc si tu, ouais, si tu la balances. Ah oui, là, il est contact, contact. Vas-y, go, go, par-dessus. C'est bon, il sera. Coiffe-le. Ouais, je me mets au coin. Vieux, tu le gères? Le coin, c'est bon. Sur moi, moi. Vieux, tu le gères? Que je viens de traiter, hein. Parfait, t'es un monstre. Est-ce que t'as vu? Ouais, oui, j'ai visible, j'ai visible, poulet. Tu peux le gérer? Ouais, mais il va falloir que tu gardes au cas où s'il se relève, ton foiré. Là, je vais perdre le visu dans 2 secondes si tu le gères pas. Ok, ça marche. C'est pas grave, je peux pas le gérer. Jérôme Fort, continue avec Alro de l'autre côté. Let's go. Ok, c'est bon. Je m'en occupe maintenant. Bien pris. Ok, c'est bon pour moi. Je fais un contrôle PAM, les amis. Ok, là, à mes 1h, j'ai rien. J'ai des palettes bâchées noires. Je vois rien derrière. À 2h, je vois rien. Les gars, balancez des injonctions quand vous pouvez. Ouais. 3h. J'arrive sur votre droite, mon lieutenant. Ouais, je suis là. Il y a rien là, contact à 3h, ouais. Fais gaffe à ton ouverture de ligne à droite. À 3h. Je check. Je vais faire toi, regarde, reste où tu es, je vais faire un petit passage en crabe sur la gauche. Ouais. Si ça m'engage, je reviens vers toi. Ok. Ok, c'est ras pour moi pour l'instant. Ah, contact merci, à mes 9h. J'arrive. Ouais. 9h, ouais. Écosur à mes 9h, je reviens vers toi. Je prends la ligne, je l'ai, la ligne au cas où il décale l'autre. Vas-y, fais ma courante à gauche. Voilà, ma courante à gauche, vous allez pouvoir ouvrir. Il y aura un conteneur ouvert. Show me hands now. Ok, là face à mes midi, j'ai rien et j'avais un écho sans 9h. Bien pris. Ouais, exactement. Je regarde par-dessous le conteneur, là si vous regardez sur ma cam, je vois rien du tout. Ouais. Balro, ouais non, je sais pas si c'est un monde ou pas. On a deux ouvertures ici. Ok, bien pris. Une à midi, une à 11h. Ok, bah de toute façon, on est un peu à poil, donc je vais commencer à me coller. C'est moi qui vais bosser là-dessus. Parce que je vais pouvoir voir les pieds. Ouais, on prend notre temps. Alro, si tu regardes bien, du coup, tu peux commencer à avancer. En faisant, regarde, non, fais face 13h, ou plutôt en croisé par rapport à moi. Ouais, face 13h, et vas-y, commence à avancer. En faisant ma courante à gauche. T'avais 9h? Ouais, j'ai. Bah, regarde, sur mon écran, sur ma cam. Ouais. Stop, pas trop loin. T'as un renfoncement. Vas-y. Ouais. Et t'arrives à côté d'une. Ouais, c'est bon. Ok, vous pouvez fermer le. Stop. Bouge plus, Alron. Ouais. Tu peux faire. Ça tire? Oui, c'est où ça? Reviens. C'est à midi. C'est à 15 mètres. Il a été touché, hein. Ouais, il a été couché, ouais, je vais tirer dessus. Stop, bouge plus, Alro, t'es parfait. Il est de l'autre côté. Du coup, moi, je suis à vos 11, à 1h, je suis à 1h. Ouais, ok. Vous l'avez vu en visuel ou pas? Non. Je l'ai vu, je l'ai tiré dessus, mais il s'est caché. Je vais ouvrir à gauche parce que j'ai peur que ça vous vienne de gauche, ok? Je reste là. Alro, si tu veux lui balancer, t'as pas eu de contact visuel sur lui, hein? Négatif. Ok, très bien. Il est à vos midi, hein. Ouais, mais c'est bon. Ouais, midi, ouais. On l'a. Enfin, on voit à peu près où il est, quoi. Le truc, c'est qu'on a eu un. Si t'es sur ma cam, Grumpy. J'ai. Ok, tu vois, dans les 9h de Alro, il y a visiblement un écho son, ok? Et nous, les midi, c'est là-bas, du coup. Hands up above your head. Ils sont deux, hein. J'ai écho de deux voix, moi. Je peux te balancer une grenade face midi, tu vois. Ok. Traiter un. Okay. C'est quelques mecs à nos midi. Ouais. Mais pour moi, ils sont deux. Hein. Ok, bien pris. Je recharge. Je viens avec toi ou quoi? Ce serait bien, ouais. Ok, j'arrive, poulet. Vas-y, nous, on reste là. Je sais pas trop où t'es, en revanche. Ok, j'ai ton laser. Ah ouais, t'en étais. Ça ouvre sur ma ligne, ici, là. Je vais pouvoir ouvrir à la limite sur vous deux, les gars. Regardez le. Ah ouais, non, il va bouger sur vous. Vous allez avoir. Vous le voyez ou pas, Alro et. Non? Non, on le voit pas encore. Ok, reçu. Bah, il vient sur moi. Je suis avec toi, Grump. Sur ton épaule gauche à 5 mètres. Ouais, parce qu'à ma droite, j'ai une ouverture. Ok, bien pris. J'ai avancé jusqu'à là. Je l'ai. Normalement, tu vas le voir. Ouais. LSPD, don't move. Il va arriver bientôt.
Je suis incontrôlable. Pas... Ok. Je vous laisse le gérer, mon lieutenant. Ouais. Ah. Écho sur un 9h, vieux. Ouais, ouais, c'était, ouais. C'était celui-là. Ok, d'accord. Les gars. Ouais. Si vous décrochez, tous les deux, d'accord, ouais. En passant en crabe, je le gère ou tu le gères? Gère-le. Don't worry. These cuffs are designed to go with any other. J'ai ton épaule. Ok. Au cas où. Il y en avait un deuxième, du coup. Les gars, si vous décrochez, décrochez, les gars. Ouais. Viens. Ouais. Décrochez tous les deux, Allez, revenez. D'accord. Et là, vous êtes en train de tourner autour d'une espèce de rond-point, là. Vous faites main courante à gauche autour de ce rond-point, là. En se retournant, bien évidemment. Une fois que t'as décroché, alors voilà, bam. Main courante, gauche. Parfait, vous tombez sur moi. Là, il y a un manuscopique, là. À droite, il n'y a rien, du coup, je pense. Là, il y a un manuscopique. Bref, quand même à droite, hein. Ouais, bien sûr. Et c'est, du coup, ça ouvre sur ce que vous étiez en train de regarder, d'accord? Exact. D'accord? Donc vous pouvez commencer à faire main courante à gauche et tu peux commencer à avancer derrière lui, vieux. J'avance. Merci. Avec vous. Grumpy, bouge pas trop pour le moment. Non, je bouge pas. Allez, je commence à y aller, vieux, vas-y, viens. Moi, je vais me mettre là, je décale pas pour le moment. Doucement, alors. Vas-y, tu peux venir en crabe devant moi maintenant. Ok, du coup le problème serait là-bas. Attends, deux secondes. Affirmatif. C'était quoi comme écho-son? Écho-son... Moi j'ai un écho-son à mes 3 heures. Hein. Ouais, je viens de l'entendre aussi, ouais. Alors soit il est dans le prolongement, du baril là, à ma gauche les gars. Petit renfoncement derrière le truc que je suis en train de faire clignoter. Soit il est derrière la double porte là-bas, parce que la double porte a l'air d'être ouverte. Ouais. D'accord. Je vais balancer un coup. Si, il est pas dans le conteneur aussi, il faut faire gaffe, hein, le conteneur ouvert. Là. Bien vu. Ouais. Ok, je vais balancer un petit, une petite flash contact là-bas. 3, 2, 1, ça part. Et je vais en balancer une plus loin. Ok, rien. Moi je pense qu'il est encore à 15 mètres là, il y a beaucoup plus loin. Ok, tu peux commencer à faire main courante à droite, Alro, du coup. Tu vois, il y a un petit renfoncement de merde là. Ok, là, le laser à ma... Vous avez visuel sur la voiture? Négatif, enfin pas moi. Hands on your head, move. Ah. Ouais, il est là-bas, il est derrière Ouais, sur ton laser. Il décale. Il y est, on le voit, il décale. Il arrive vers nous, tranquille, il se rend. Il vient. Alro, même un courant à droite, poulet. Serre un peu à droite, mon poulet. T'es un monstre. J'ai votre laser. Encore un. Ouais, non. Ok. Ça vient de crier là encore. Peu de possible, lui on le fait venir en tout cas. C'est chez toi que ça gueule. Oui, à 2-3 heures. Du coup, à votre hauteur, vous aurez ta visuelle sur une voiture? Non, négatif, on n'a pas encore ouvert l'angle parce que derrière on a un conteneur de merde qui a pas été verrouillé. Ok, reçu. Ok, on joue. I need you to move. Ok, je le gère. Maintenant. You'll have a chance to defend yourself in court. Hands up. All good. Ok, je garde ma ligne, les poulets. Attends, je l'enlève juste lui. Je vais garder ma ligne justement vers le portail. Tu vas passer en crabe pour récupérer vieux Roquefort et vous gérez à l'intérieur de. Vous regardez à l'intérieur du conteneur, ok? Alro, ouais. Vas-y, go, passe en crabe, full 9h là. Ouvre ta ligne. Mais fais gaffe à. Ouais. Fais gaffe à 3h. J'ai la ligne pour l'instant. Et vous checkez. Vous pouvez commencer à checker à l'intérieur du. Enfin, ou vous fermez le conteneur au pire. Mais faut que vous avanciez contre ce conteneur de merde là.
Ok, à mes midi, je vois rien. Je vois la voiture que tu parlais, je crois que... C'est là qu'il y avait l'écosson. Je vois vos lasers. Je vois vos lasers. Mais pour moi, il y a... Attention, c'est là qu'il y a un écosson. Ça tire ? Ouais. Niveau de la voiture. Ah ouais, je viens de voir passer. Il est passé au fond, derrière la sorte de boîte noire qui est... Dégage, désengage, poulet. Fort, hein. Ça me tire dessus vers le niveau de la voiture, ou exactement, je sais pas. Ils okay, sont deux encore. Je désengage, les gars. Passez en cra... ouais. Restez là où vous êtes, mais attention, vous avez plus le contact à gauche. Ouais. D'accord. Je suis avec toi, Grum, du coup. C'est jouable ou pas par ici? Oui, mais faut que tu envoies du stuff. Si j'ai tu rien, peux, j'ai plus rien du tout. Putain. Ah, sur moi. Ok. Je suis avec toi. C'est bon, j'ai rien. Je suis avec toi. Okay. Ouais, c'est bon. Nice. Move over here. Contrôle charge. Ok, c'est bon pour moi. Je suis avec toi, j'ai. Ok, nice. Il y en avait un autre, hein. Bien pris. Ouais, ça gueule encore. Ouais, Afi. Plus près que celui-là. Je suis au-dessus de ton épaule. Ouais, je vois le laser pour les t'inquiète. Pardon. Ok, je prends, joue le Pax. Il est contact à gauche, l'autre. Il peut nous faire une main courante droite et arriver. Ouais. Ok. Je peux vous balancer de la grenade vers la voiture si vous voulez. Pour le moment, on est bon. Tu vas exploser. En tout cas, c'est là qu'il y a du monde. Décale pas, vieux. Reste derrière Alro, parce que de là où tu regardais, sur son épaule droite, c'est là qu'il y a du monde. Exactement là où tu regardes. Plus à droite même encore. Dans le prolongement des cartons blancs, là. Move forward. Je fais venir encore plus, lui. Moi, je l'ai vu passer par derrière ici. Hein. Je le gère maintenant, 3, 2, 1. Top. I need you to cooperate. C'est bon, c'est fait. Ok, nice. Ouais, il est pas... celui qui est passé derrière, on l'a traité, hein. Ah, ok. Mais ouais, c'est lui là. Ça tire. Devant nous. C'est bon. Bien joué. Pas que ça armé sur nous, hein. Ok. Je prends vos... Je gère. I need you to move. Ok, vas-y, appelle. Move towards me. Tu le gardes avec moi en joue, poulet, parce que j'ai pas beaucoup de stuff. Vas-y. Je tiens en joue. Vous pouvez regarder ma cam. Regarde midi là, gros. Ouais, Alro, tu peux regarder ma cam, et pareil pour toi, vieux, comme ça vous comprendrez où est-ce que, ce que j'ai sur Rodever. Ouais, j'ai. Ok, lui il est géré, c'est bon. Vous pouvez donc commencer, continuer à faire ce que je vous ai dit tout à l'heure, à savoir ouvrir vos 9 heures pour aller regarder le conteneur là. Ouais, go, j'y vais. Ok, là, pour l'instant, midi, aucun contact. Ah, t'es au contact de la porte là. Ouais. Je te laisse la cam. Attention, te décale pas. Ça sert à rien que tu regardes là-bas, c'est moi qui regarde là-bas. Ouais, mais je veux checker à l'intérieur du conteneur. Oui, d'accord. Oui, je suis d'accord, ouais. Mais ferme-le le conteneur du coup, la porte qui t'emmerde. Ah. Faut que j'élève mon shield. Ah non, c'est bon, je peux mettre le bouclier là, c'est bon. Tu peux la pousser, et comme ça tu peux regarder mieux à l'intérieur, voilà. Ok, y'a rien à l'intérieur, c'est vide en fait. Je crois, je vois rien. Si tu peux. Vieux Roquefort, vas-y, rentre dedans. Si tu peux revérifier. Rentre dedans. Grumpy. Rafi. C'est bon, c'est vide à l'intérieur. Ok. Vieux, fais une grosse main courante à droite là, s'il te plaît. Tout droit, face midi. D'accord. Alro, fais une face midi vers le double portail. Go. Ok, t'as du check à gauche. C'est bon, y'a rien. Allez, go. Je suis derrière toi, frérot. Gauche, rien. Double portail, je sais pas. Ok, y'a un. Doucement. Ok. Un compte. Ah, y'a un compte, petite ouverture là. Police, get your hands up. Ok, y'a rien, c'est clear, c'est bon, clear. Faut le clear, fais gaffe au fond à droite. Ah oui. Clear. Y'a un truc à ouvrir. Ouvre-le, s'il te plaît. Un conteneur à ouvrir, ouais. Je peux pas avec le shield là. Ok, ah, c'est bon. Je l'ouvre pour toi, ok. 3, 2, 1, j'ouvre. Ok. Y'a rien dedans, c'est bon, y'a un genre de bureau là, je sais pas ce que c'est là. Ah si, si, c'est une ouverture frérot en face. Ah putain, ah ouais, putain, je l'avais pas vu. Attendez, y'a une ouverture secrète là, les gars. Ok, là-dessus. Alro, tu restes là à la limite, d'accord. Vas-y, reste vas-y, là. Je recule Ouais, carrément. Je ferme derrière toi, frérot. Ligne cassée avec ton arme, tu restes là, ok. Vas-y, voilà, ton arme. Et j'arrive, je vais avec eux. Ça donne quoi de votre côté, les frérots? Vas-y, tu peux commencer. Fais gaffe à tes 3 heures, vieux. Ah, y'a rien. Ok, bien pris. Vas-y, tu peux commencer à avancer. Ok, moi j'ai ouvert. Normalement, vieux, tu vas me voir sur tes 3 heures. Et on commence. À 11 heures. Vous voyez mon laser normalement ici? Sur la grosse machine? Ouais, ok. Vous pouvez avancer jusqu'à la grosse machine. Ok. Mais à vos 11 heures, il y aura un escalier montant.
Bien pris. Mef, à toi, à tes 2h, 3h, on a toujours pas C'est bon pour moi. Le bureau. Hein, mais le bureau. Les hauteurs, non. Oui, là, les hauteurs, oui, ça va être le problème. Moi. Ok, je commence à ouvrir, moi. Gardez vos lasers. Ouais, c'est bon, je vois le tien. Je crois qu'il y a une ouverture au fond à 11h. C'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit. Ouais, ah, okay. C'est ce que je disais, c'est du coup, poulet. Moi j'ouvre en croisé par-dessus toi Grumpy du coup, à tes 3 heures, okay. Je sais pas ce que ça donne, t'as déjà regardé? Oui Afi, mais j'ai pas regardé entièrement, j'ai juste piqué un peu pour voir si ça me... Si ok bah, regarde ma cam dans ce cas-là, peut-être que ça donnera des infos. J'entends un mec hein. Raise your hands above your head. LSPD. Ok cool pour moi. Où ça, où ça? Pour moi il est à mes midi, Mef, ça veut dire pour vous il est à vos midi mais à peu près à une trentaine de mètres. Regardez ma cam, derrière les roomballeurs là, les 4 pylônes de 4 là, donc ouais, les 16 trucs, il y a un passage là. Oui j'ai derrière, et c'est là où on a traité le pack 6. Ok bah fais gaffe parce qu'il y a toujours effectivement le... Reçu, ok. Une ouverture derrière ce truc là. Je commence à ouvrir. Ma ligne. Ok, j'ai encore un conteneur là qui a pas été traité. Reçu. J'ouvre énormément ma ligne là, poulet. Hein. Ouais, j'ai visuel. Hein. J'ai visuel. Je vais balancer un tir vers le. Je vais balancer un tir vers le fond là-bas là. Ouais, j'ai visuel de l'impact RAS. Hein. Ok, j'y vais. Je push parce que je suis en plein découvert. Ouais, vous allez voir mon laser maintenant. Ok, ouais, clear. Clear derrière le truc. Ok, ça veut dire que maintenant on tape l'office à 3. Let's go vieux, là tu regardes, ah oui non tu veux, attends. Ce gros truc là, vieux garde ta ligne, je vais ouvrir pour vous, je vais ouvrir là. Le conteneur sur lequel je suis frérot. Ok j'ai visuel. 3, 2, 1, j'ouvre. Ok. Ok, y a une ouverture hein, au fond j'ai l'impression, hein. Non? C'est celui qui dunk sur Attends. Je vais ouvrir l'autre qui va me faire chier. Quand je me mets à la voiture ici. Si c'est ouais, Y a une ouverture hein. Bah ça donne sur le truc qu'on a vu là, le truc secret là. Okay. Ok, on ferme, on va faire le bureau du coup. Moi aussi. Ouais, let's go, le bureau. Alro, t'attends 2 petites secondes poulet? Ouais. Ok. Il reste du monde, hein. Les montants, hein. Par rapport au nombre qu'on nous a donné, il reste du monde à traiter encore. Ouais. Ok, main courante à gauche. Mais du coup, mon lieutenant face bien, à vous. Bien, t'inquiète. Slowly get down on the ground. Ouais, écho du... Ouais, et derrière moi, derrière ce truc-là, j'ai l'impression hein, de l'entendre. Attends, c'est pas un pied à ta droite, là? En négatif. 1m3. LSPD, don't move. Du coup, on peut pas passer par là. Comment ça? Ah, si, on peut. Si, c'est bon. Ok, tu ouvres en face de moi, poulet? Moi, je peux en croiser. Hein. Ouais, ouais, ok, écho... ok. Écho derrière le. Derrière ça, là. Machine, là où je suis en train de faire clignoter, ok? On peut le jouer s'il faut, mais de l'autre côté. Hein. Par là où je suis arrivé, il y a une ouverture. Ouais. Ok. Alro, à la limite, reconnecte avec nous, d'accord? Tu te retournes, tu fermes le conteneur. Tu fais main courante à droite le long du... exactement par là où on est arrivé, ok? Ouais. Tu retrouves Grumpy et vous allez jouer tous les deux par là. Et nous, on va rester là avec Vieux. Reçu. Vas-y Grumpy, désengage. Je décroche. Vieux, tu commences à avancer en croisé, doucement. Hein. Vu les hauteurs là. Ouais. Et... Ok. Alro, il est... Alro, t'es où, poulet? Je fais le chemin inverse par lequel on est rentré. Ok. Je vois Viens vos... entre les je vois... voitures. Ouais, je vois vos lasers. Je vois vos lasers. C'est le laser, c'est Grumpy que tu récupères. Okay, attends. Viens là, poulet. On voit des yep là, poulet. Peut-être. Vas-y, viens, Alro. Viens. J'ai peut-être une arme là. Là, il y a une ouverture et c'est là qu'il faut la jouer. Police, don't move. Vas-y, je te laisse passer. Main courante à gauche. Oh. Ouh, c'est quoi ça? J'en ai fait... Ouais, je l'ai fait toucher, hein. Non, c'est un mec qui est rendu, là. Ah bon? Ouais. Parce que là, j'ai l'impression de voir une arme dépasser, frérot. Là, exactement là où tu regardes, vieux. Hein.
Non, négatif, là, c'est vous. Et c'était un pack, en fait, c'était un pack qui s'était rendu, qui dépassait du mur. Bien pris. Dans l'arrêt du mur. Ok, vas-y, okay. Viens, on commence à avancer. Contact à gauche, y'a rien. On commence à monter, nous, de, sur l'office. Ah, et qu'on sent à 11h, je crois. 11h, ouais, 11h, 11h. Ouais. C'est peut-être l'otage hein, qui était oui, sous ouais, l'escalier. Oui. Ah, ouais. Je fais gaffe à gauche là parce qu'il y a derrière le pneu là, on peut me voir là. Ouais. On commence à avancer, on est sur la rambarde de l'office. Ok, reçu. J'entends Il est derrière. Il est là, ouais. Armé. Ok, c'est bon. Jouer. Je recharge. Tu l'appelles ? Prends ton arme, poulet. Ok, on en a un, on est au-dessus, c'est nous. Ok. Il y en a un autre. Ouais, l'otage. Mef à la porte ouverte, hein, sous l'escalier, mon lieutenant. Allez, fermez la porte. Ouais, allez. I need to leave the cuffs on you. Je m'en occupe, Alro, tu gardes la ligne. Ouais. C'est bon, j'ai la porte. J'ai les yeux qui me brûlent, c'est pas grave, on s'en fout. Je suis repassé au shield. Okay. Tu peux le dégager, lui fais gaffe à la fenêtre, ouais. Attends, je vais le faire. Vas-y, remets-toi à la fenêtre, poulet, et regarde ce qui se passe dedans. Je le garde juste, je récupère juste là. Ouais, récupère une arme, c'est là-bas. Bien pris. Là, alors à droite de la pièce, attention, les armes, on s'en fout, tranquille, ouais, on a la taille. Okay. À droite de la pièce, encore. Je vois rien, je vois l'escalier qui monte en haut. Ouais. Et dans le coin gauche de la pièce, je vois pas parce qu'il y a des genres de panneaux là qui m'empêchent de voir. Bien pris. Alro, désengage du coup, regarde ma caméra, remonte par l'escalier, main courante à droite, vous arrivez sur la porte, vous jouez l'escalier de l'intérieur, ok, avec Grumpy. Vieux Roquefort et moi, on joue à partir d'ici. Vas-y. Ok. Vas-y, je te laisse pique ma porte. Vas-y, je te pique. On fasse gaffe, Alro. Ah, mais vous êtes passé par la porte à 11h, hein, qu'il y avait une heure, pardon. Okay, cette porte-là, on l'a jamais ouverte. Hein. On a regardé par la fenêtre, ouais. Exactement comme l'a fait Alro. Okay. À l'autre fenêtre, à gauche, y'a rien. Ouais, non, mais c'est sûr, Alro, on l'a déjà checké cette temps. En revanche, en bas, on sait pas ce qu'il y a. Donc, on va y aller doucement le temps que vous arriviez. Ouais. Je check la porte. Elle est fermée. Je pique, j'open. Vas-y, Alro. Mef, escalier, poulet. Je vois rien, mais la lumière, c'est bon. C'est bon, je vois mieux. Ok, on est au-dessus. Doucement. On est en haut des escaliers. On attend que vous preniez cet étage déjà pour descendre dans les escaliers. On y est là. Non, vous y êtes pas encore. En haut des escaliers, on y est là. Oui, vous êtes pas encore dans la pièce qui est en haut des escaliers. Les escaliers se donnent de l'autre côté, poulet. Ah non, c'est... Putain, excuse-moi. Ok, j'étais sur le mauvais truc. 3, 2, 1, j'ouvre la porte. Vous pouvez descendre en bas des escaliers. Du coup, le problème, il serait en dessous des escaliers s'il y a... Mais vous le voyez là, sous les escaliers là. Ouais, c'est bon. Mais sous les escaliers. Mets à ta droite, Alro, du coup. Ouais. L'ouverture. Vas-y, on rentre, let's go. À gauche, c'est bon. Et à droite, c'est bon, c'est clair. Nickel, ok. Impec, du coup, par rapport au nombre de personnes qui nous avaient été données selon les renseignements, il nous manque toujours des gens armés. Ok, donc Mef, vigilance sur sur ce qui a été découvert là. Ouais, le conteneur un peu secret. Ou alors, vigilance absolue de toute façon, hein, sur peut-être qu'on a loupé quelqu'un à l'extérieur aussi. En avant, let's go. Alro, le shield en tête, et derrière on fait droite. Non, négatif. Tu repasses par l'escalier qui est derrière toi. Du coup, derrière toi. Non, et après on fera main courante à droite pour taper de l'autre côté, ok. Ok. Vas-y. Suivez Alro, on y va. Enfin, tu fais main courante à gauche, vas-y Alro. Si ça tire là, vu le nombre de personnes de toute façon, si ça tire tu vas vers le danger si à un moment tu sens que tu peux pas... Là, main courante à droite frérot. Tu m'avais dit à gauche hein. Ouais. Oui mais, non, mais pour rapport à la barricade, ça change parfois. Quand on était sur le truc. Main courante à droite, vas-y, regarde que à droite. Vas-y, encore, vas-y. T'arrêtes pas poulet. Ok, parfait. À droite, attention. Vas-y. Pour l'instant, jusqu'ici, c'est bon. C'est bon, il n'y a rien à droite, c'est bon, c'est clear. Moi, je regarde à tes 11h. Un conteneur là, face midi là, qui est marqué. C'est celui qu'on va jouer. Okay. Contact, c'est bon. Okay. Il y a un. Là, il y a une ouverture là-bas. Ouais. Ok, on joue le conteneur et on y va. Vas-y, je pique. Vas-y, poulet. Pour toi. À ton époque gauche.
Vas-y, tu peux ouvrir la porte de gauche. Je peux ouvrir la porte de droite aussi. Attends. Ça marche. Oui, c'est bon. 3, 2, 1, top. Je vois rien dedans par contre, là, je vois rien. Hein. Ouais. Meuf, c'est un long coup, un truc. Ça part à gauche, on dirait au fond. Ouais, on y va. On avance en colonne, doucement, main courante à droite. Doucement, alors. Il y a une main coupée. Ah, je n'ai pas vu ce détail. Tu peux te mettre main courante à gauche maintenant, Alro, pour gérer oh le... Oh là, attends, je vais lever les lunettes, là, il y a un chandelier, là, je vois rien. Avec le shield, c'est encore pire. Balancez du C, là, les gars. Je vois une... C'est une poupée, je crois, une poupée. Une poupée debout, là, à taille humaine. On est à part la poupée. C'est quoi, il y a un couloir ici? Il y a un autre conteneur là qui part directement à gauche. Ok. Le conteneur il part à gauche, ouais. On balance des injonctions, les gars, je vais prendre ton face midi. Ah d'accord, ok. Hands up, don't move. Il y a du monde. Il y a des mains. Écho sur la droite. Ouais. Ok, on continue la progression, les gars. Doucement. Juste ouais, prendre un peu. Il y a plein de têtes collées là sur le mur de gauche. Hands on your head, move. Je vois rien là, c'est trop éclairé là, ouais. C'est bon, je vois encore une... Ouais, Tu peux faire un bond de la mettre en avant pour te mettre au coin qui est juste en face de toi, ouais. Du coup. Nice. Contact à droite. Ah mais une heure sûrement. Ouais, une heure ou deux heures, je suis d'accord. Ça sert à rien de décaler. Est-ce qu'on a du stuff, Alro? Vous pouvez balancer du stuff là. Toi tu peux. Négatif, on a plus rien. Moi j'ai M320. Moi aussi pareil. Bah vas-y, balancez les gars. Vas-y, je me mets accroupi pour que vous puissiez envoyer. Ouais, décale bien à gauche, autrement ça va être difficile dans le couloir. Du coup, tu m'as dit à une heure, c'est ça? Ouais, à une heure, ouais. Je vois pas où c'est. Il y a une ouverture là, okay, à une heure là. Ouais, ouais, du coup, une ouverture à une heure. Balancer du C. Ok, ça ouais, ok, je vois le pack s'armer. Tire. Ou pas, c'est peut-être le chargeur. Ouais, c'est glace. Il a reculé. Deux. Ok, doucement. Ouais, je recule. Ok, là, donc... Ouais, j'en prends plein la gueule. Sur nos une heure, là, il y a une ouverture avec un rideau autour et une grande pièce derrière. J'ai pas visuel sur la pièce. J'ai vu deux packs armés. Bien pris. Alro, désengage. Ne regarde plus. Vieux Roquefort, bouge pas de ta ligne. Grumpy, va avec Alro de l'autre côté, d'accord? Monsieur. Alro, tu lui montes. Dépêchez-vous en revanche, ouais. Les gars. Ouais. Je recharge, Six. Vas-y, prends, je prends. Meuf, du coup, de l'autre côté, parce qu'il s'est pas push. J'ai plus rien, il doit me rester deux cartouches, frérot. Je peux que drop un chargeur, je pense. Hein. Attention, ça vient peut-être. Non, négatif. Non, c'est nous, peut-être que vous entendez. Vas-y, drop un chargeur. Vas-y, attends, je recule un peu. J'avais fermé le conteneur, hein, donc s'il est ouvert, c'est que c'est ressorti. Lui, il est okay. Plein, il est fermé, c'est bon, il est fermé. Ah, t'es un monstre, poulet. Les meufs, ils peuvent être à nos midi, hein. Ouais. Je pique la porte de gauche. Moi aussi. Merde. Non. Oh, okay. C'est pas grave. Ok, t'es un monstre, poulet. Nickel. Vas-y, je te peux. Tu viens sur mon épaule. Vas-y. Back à gauche. Non, je peux pas l'open. Ouais, c'est bon, vas-y, je me mets devant. Ok. Reste devant, reste debout Alro, je pense. Ouais. Ok, tranquille Alro, tranquille. Ouais, on a le temps, c'est... Je vais recharger mon M320. Vas-y, poulet, fais-toi plaisir. Vas-y, on avance Alro, tout seul. Oui, encore deux. Bien pris. Bah en vrai, si tu peux en balancer un petit coup contact là, fais-toi plaisir. Ouverture à droite, hein. Ouverture à droite, tu vois ma ligne? Bah les couilles, vas-y, balance-en un coup là, gratos, c'est gratos. Ok, on arrive dans la grande pièce, je crois, à droite. Attention, M320 qui part. Par terre. Ensuite, son arme, je prends. Ok, je l'ai pas entendu bien, le M320, donc on doit être un peu loin quand même. Tu peux reload. Police, get down. Les gars, on a plus d'écosson, hein. Ouais, non. Ah, ok. Contact, ça va peut-être venir vers... Recule, Alro. LSPD, hands up. Bouge plus. Bouge, hein. Hands up, don't move. Ouais. Ça se rend pas. Face midi, c'est quoi là? On peut pas passer là, face midi. Je crois pas, hein. Non, on dirait une cage avec une gamelle et un matelas par terre, non? Ouais, c'est ça. Ok,
KG, un contact là. Ah, je sais pas si okay. Je l'ai touché. Alors, essaye d'ouvrir de 3 mètres pour voir si ça retire. Attends, j'arrive pas à respirer. Hein. Moi non plus, c'est pareil, bon. J'en prends plein la gueule. Je leur en mets plein négatif, la gueule alors, aussi. Alors, là, ouais, il repart vers vous. Il est seul ou il... On décale, ouais, fais gaffe, il est exact. On tombe sur... On tombe, attends. LSPD. Je vais en bas. Vas-y. Ok. Je peux balancer. Vas-y, balance. Coup d'aimant 320 là. Vas-y, balance. Mais j'ai pas le. Putain, mais non. Ok, c'est bon, j'ai à droite, c'est clair. J'ai plus rien, Graham, j'ai plus rien. Ok, stop, les gars, la com. On freeze. Du coup, il te reste quoi, alors? Moi, là, j'avais un Pax face à moi encore. J'ai vu un mec en stuff, vers en vous. Stuff, poulet. Ah, rien. Ok, ça roule. Ok, fais gaffe, face à 11h là, petite ligne ouais. Où t'étais, c'est là qu'il a décalé ce fils. Ok, nous on est en train de progresser. Commencez à progresser, c'est vous qui avez le shield, okay, les poulets. Alro, oui. Alro, mets-toi à genoux s'il te plaît. Enfin, PC. Et on avance légèrement. Légèrement, vas-y, ouvre. En fait, le truc c'est que je peux pas me mettre derrière toi parce que j'ai un. Ah ouais, tu un truc de vêtement qui me gêne en fait. Attends, j'essaie d'avancer au maximum à droite là. Voilà. J'ai ton laser de toute façon, je vois parfaitement ce que tu prends. Ouais. Ah, là je peux pas. Ah ouais, ouais. Recule. Ok, on va essayer de taper en même temps. Put your hands up now! Ça arrive. Ça monte. Il est là. Ok, il s'est rendu. Un s'est rendu, tranquille. Attends, droite. Ah, droite. Il tire. On désengage, on a perdu tout. Ok, tranquille. Ok. Alro, doucement. Ouais. Il avance. Je suis avec toi, mais j'ai plus rien, frérot. Je suis sur ton épaule droite. Je reprends le shield. C'était contact 3h, contact au milieu du truc. Je vais essayer de le faire bouger, lui. C'est contact 3h, contact 3h. Ok, vas-y, avance. Il arrive, lui. Contact 3h. On vous entend, les gars. Il arrive, lui. Contact 3h, fais gaffe, frérot. Ok. Vieux. Vas-y, avance, là, gros. Ouais. Je tiens la ligne. Ouais. À nos 2h, je crois. Ouais. Là, le contact sur nos 2h, là, Grump. Moi, je vois pas où vous êtes. Ok, non, ça va être à 11h. À 11h, il est. Pour vous. Stay down. Oh, merde. Putain, c'est pas grave. Ok, les gars, ça devrait être le dernier, je pense. On va faire un 3-2-1, ouais, top action. Go, tout droit, Alro. Top. Allez. Tout droit. C'est bon, c'est rendu. Il est là. Je garde un coup. Je gère. Bon, j'arrive pas à respirer. Ah, moi aussi, j'en prends plein la gueule. Bon. Merci Furlex pour les 35 mois, putain j'avais même pas vu, je suis vraiment un fils de pute. Merci Lufida pour les 50 mois, merci Black pour les 5 mois, merci Max Mader pour les 48 mois, j'ai pas regardé le chat depuis tout à l'heure. Vous êtes des bons, ces amis, vraiment, j'espère que ça vous a fait plaisir ce genre de contenu. Les amis, on a les infos du coup qui viennent de nous tomber, on est à peu près sûr, on est absolument sûr d'avoir le compte, donc félicitations sur le fait d'avoir ramené l'ordre. Maintenant commence le boulot de... pas terrible, hein, vous l'avez compris. On récupère les infos, on pack en évidence les armes, et puis fin de mission, on va boire un verre, ok? Bien reçu. Ah oui, un bon verre là. Putain, j'avoue. Bon. Allez, je repasse par là où je suis venu. Sympa comme... endroit pour travailler. Putain, au plafond. Vous avez pas vu Six, mais... Ah ouais, le plafond, ouais. Quand on est arrivé, nous, devant, face au PC, il y avait des mecs en webcam, et du coup, quand ils ont vu que c'était les flics, ils ont coupé direct la cam. Ah ouais, putain, j'ai pas vu ça. Ah putain, il y avait un trou dans la cheminée au cas où le mec, il aurait pu passer, t'sais, le fils, quoi. Oh là là, et First Try, incroyable. Incroyable. Ouais. Putain, la mission de ouf. Ouais, elle était dure, hein. J'aime beaucoup. Enfin, elle était. Oh, les fils de pute, ils ont mis le menu d'aujourd'hui. Avec que des femmes et des enfants. C'est sombre. Du coup, ils sont pas vegan. Ah.
Ok, bon, là c'est le... C'est la recherche. Ouais, la recherche. Moi je me... Ouais bah on voulait une déjà. Je sais que j'en ai laissé beaucoup derrière à l'exté. À l'intérieur ? J'ai une arme ici. Ah oui, il y avait une arme à l'intérieur, putain. Glock, ça ? Ah, pas vraiment, ça. Pas vraiment un Glock, ça. T'en as vu une autre ? C'était un quoi ? C'était un Colt 1911 ? Ouais, rien à voir. Pff, quelle ambiance, quoi. Incroyable. Incroyable d'avoir créé ça. Oh, c'est un truc pour acheter des gens. Tu peux commencer, tu peux acheter des gens, quoi. Trafic d'humains. Je connais parce que j'ai un compte premium. Enfin, pardon, je... Wow. Wow. Ok. Vous avez dit quoi, moi, maintenant ? Pas du tout. Un compte prem ? Chut ! Et toi ! Putain. Ah, ça fait... Ça fait 9h, là, je n'aurais pas donné à manger, là. À ma femme, dans la cave. Désolé, j'ai eu une coupure radio. Ouais, pas de problème. Oula ! Qu'est-ce qui se passe ? Ok, petit MPX. Hop là, qu'on avait oublié par là. Moi, je dois ressortir. Ouais, bah, vous avez raison. Je peux voir. Bon, vous avez aimé ce genre de contenu, les amis ? Si vous avez aimé ce genre de contenu, déjà, un sur YouTube, là, vous likez et vous vous abonnez, ça nous ferait extrêmement plaisir. Si vous êtes sur Twitch, bah, n'hésitez pas à lâcher un petit sub, hein, un petit prime, ils sont gratuits. Si vous aimez ce genre de contenu, surtout que je suis pas sur R6, donc ça fait encore plus plaisir quand je suis pas sur R6 de recevoir un prime. Dessus par la suite, ouais, quand tu auras des nouvelles missions. Quand tu auras des nouvelles missions, bien sûr, on y retournera. Là, le prochain, c'est Six Day in Fallujah. Putain, mais il est beau ce jeu quand même. J'ai hâte d'aller sur Six Day. Ah, vas-y, let's go, on est parti. Là, non, non, je peux pas. Mais toi, tu t'occupes jamais de tes enfants, en revanche. Si, si. Non, sérieusement, t'es toujours dispo, mec. Merci, Psychose, pour le fait d'être un nouvel étudiant. T'es un monstre, mon poulet. C'est juste l'intérieur que... de l'intro. Quand ma femme est errante, bah du coup c'est elle qui prend le relais. Ok. Tu insinues quoi du coup ? Bah que je m'en occupe toute la journée, du coup le... quand elle rentre, elle, vu qu'elle veut passer du temps avec son fils, elle s'en occupe. Est-ce qu'elle veut vraiment passer du temps avec son fils ? Ou est-ce que tu Pas tous les soirs, pas tous les soirs, forcément. Ouais, parce que moi je sens que tu passes pas souvent du temps avec ton fils quoi. J'ai l'impression que c'est moi ton fils, mais... Non. L'intérieur de l'entrepôt là, du coup, c'est clear là, vous... Bah, le truc c'est que t'es obligé... En fait, le truc c'est... Ça sert à rien de... Quand on donne les informations de c'est clear, c'est le meilleur moyen pour rater des trucs. Parce que les armes, elles sont ragdoll. C'est ça que je vous demande. Ouais, parce que moi en plus là, je vois... J'ai plus... Les armes sont ragdoll. Je vois plus l'état de mon corps, je vois plus les noms sur vos cams quand je mets les cams. Ok. Mais je peux même plus mettre de cam, je peux même plus mettre de cam. Voilà. Ok. Ouais, ça doit être à cause de la pluie. Hein. Les armes, elles sont ragdoll du coup. Enfin, elles sont client side. Donc une arme, par exemple, qu'on a arrêtée, qui a volé énormément très loin pour moi, peut-être que pour toi, elle est en plein milieu, tu vois ce que je veux dire. Donc parfois, il faut passer à tous les endroits auxquels... Il faut que tout le monde passe partout en fait. Après c'est pas forcément des armes aussi hein, ça peut être des preuves. Ouais, bien vu ouais, c'est sûr. Attends, on les a tous fait les conteneurs ?
Normalement. Après, en termes de briefing. Ouais, mais il y avait des missions. Oui, c'est toujours pareil. Oui, oui, oui. Ouais, voilà. Oui, je sais. Mais ça là. Ça fiche au fur et à mesure. Oui, oui, tu as raison. Tu as raison, tu as raison. Et là, le conteneur avec les femmes dedans, là. Ouais, c'est bon, c'est report. Il a été fait, c'est bon. Et il faut pas le réouvrir maintenant pour que les gens viennent ? Bah, ah, ils ont on dit que fermé. Hein. On peut essayer. Okay. Moi, je pense que c'est des armes, hein. J'en suis quasiment sûr. Ouais, pareil. Je vais vérifier les conteneurs. Hein. Moi, je peux faire un gros passage sur le warehouse. Police, get down! Là, on avait arrêté un mec. Non. Toi, Grumpy, t'as géré un mec là. Après, ça me trouve, c'est les mecs que j'ai géré de mon côté, vu que j'étais tout seul, j'ai pas fait les. Ah, c'est pas. Corentin, j'ai oublié son prénom. Quentin. Tiens, une arme là. Quentin. Ah ouais, putain, Quentin, il a bugué. Oui, c'est vrai. Au début, ouais. Excellent work. Ouf. Ah, voilà. Yeah. 214 minutes. C'est pas mal, pas mal. Ouais, mais first try. Oh non, l'officier est pas reporté. Mais c'est une blague. On l'avait report pourtant, hein. Ouais, ça, encore une fois de plus, un coup de. C'est débile leur truc. C'est le mec qui a dû prendre trois days de. Non, mais attends, non, mais ça, c'est toujours pareil. Donc, il a été report quand il est mort parce que, bah, il a déco. Donc, il était pas mort pour ceux qui étaient pas là en début de. Il a déco dès le début de la game. Tu le reportes, mais si il reporté direct. Oui, mais si il leave la game, ça t'enlève le truc. Ah d'accord. Okay. Donc c'est pour ça à chaque fois que leur système de rank, c'est l'un des trucs sur lesquels ils vont travailler, quoi. Parce que bon, t'as un mec qui est mort, du coup tu pourrais avoir un S. En revanche, le mec, on lui a mis utilisation de la force non autorisée. Utilisation de la force non autorisée. On est quand même tous en pepper spray. Même pas de shotgun, tu vois. On est vraiment dans le 100% non létal, parce qu'un shotgun, même non létal, est létal. Mais en revanche, un gaz CS ne peut jamais être létal. Ce n'est pas possible. À la limite, les grenades, tu vois. Donc c'est toujours pareil, quoi. C'est à quel moment le mec, il y a un mec qui a dit « Bon les gars, on est des violeurs d'enfants, des violeurs de machins, des trucs, des bidules, etc. On a utilisé une arme, on a sorti une deuxième arme, on a sorti une troisième arme. Mais désolé, à un moment, il y avait l'hélicoptère qui était là, il vous a vu. » Le mec était au sol, après avoir tenté 16 fois de vous tuer et avoir été un pédophile et un violeur, désolé, mais vous lui avez mis un tout petit peu de gaz lacrymogène en trop. Bon, c'est ça, c'est un peu ça que ça veut dire, quoi. Coup de crosse, non, c'est les gaz lacrymo quand le mec est au sol. Donc c'est ça te fucked up ton S à chaque fois, c'est toujours pareil. Abonnez-vous, YouTube.